Ah, quelle synchronisation à nouveau. On est des vrais DJ de radio à ce stade. Eh bien, bonsoir tout le monde, bonsoir. Bienvenue dans le Retro Game Show. Votre rendez-vous hebdomadaire de Retro Gaming. Non, restez, restez, j'arrête de chanter, promis. Alors, on baisse un peu le son de la musique, qu'on s'entende parler. Comment allez-vous en ce mercredi? Du coup, désolé de ne pas avoir été présent hier pour le rendez-vous du mardi. Ça fait deux fois qu'on décale, on s'excuse, hein, on est vraiment navré, mais les problèmes de vie courante de tous les jours, les travaux, les transports, majoritairement les transports, hein, c'est ça qui pose souvent problème, où du coup soit Guémou, soit moi, on se retrouve parfois à être devant le PC un peu trop tard. Résultat, plutôt que de lancer le live à 23h, on préfère le décaler à un autre jour, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Du coup, voilà, petit décalage de 24h, mais on assure le show. Sur ce, je vais rejoindre, vous connaissez la chanson, mon correspondant à Tokyo, en région parisienne. Est-ce que, monsieur Guémou, vous me recevez? Yes, comment ça va, les gars? Ça roule, et toi? Ouais, très très bien, très très bien. Merci de se retrouver pour un nouveau Retro Game Show. Oh, j'aime cet enthousiaste, j'aime. Vous êtes chaud ou pas? Moi, je suis patate, quoi. T'attends pas ou quoi? J'ai tout l'énergie que j'ai cumulée pour hier, tu vois, qui stagne depuis 24 heures et qui demande qu'à exploser comme ça à la face des viewers, ouais. J'ai envie de dire. Désolé, les mecs, désolé hein, pour hier. Problème de couilles, hein, comme d'habitude. J'avais les couilles enflées. Donc, bah, voilà, c'est les miennes, faudrait qu'on se décide. Sinon, les gens vont croire qu'on a tous les deux des problèmes de couilles et là, ils vont imaginer des choses. Des transmissions, oui. Des MST, tu vois, ce genre de trucs, quoi. Eh oui, mais hier, c'était moi. Et hier, c'était moi, voilà. Ouais, donc, chacun salut, ses couilles, hein, comme on dit. Ouais, c'est ça. Salut, Fenecost. Donc, j'espère que vous allez bien, voilà. Donc, bah écoute, c'est cool. Qu'est-ce qui se passe dans le chat? Moi, je vois pas grand-chose. On a Eliane, qui nous dit coucou. On a Fennec Dreamfab, Monsieur Poisson Free qui nous salue, Faye aussi qui est toujours là. Faye, il est sur les starting blocks, hein, je veux dire. J'appuie sur le bouton streamer, il me dit bonjour deux secondes après. C'est du jamais vu. Et bah salut Faye, je pense qu'il faut que je vire ce que j'avais programmé sur Restream parce qu'il doit y avoir deux flux. Tu as le chat de la programmation qui du coup n'aura pas de viewer vu qu'elle se lancera jamais finalement. Bah, on peut la canceller, donc je vais me connecter, je vais canceller. Oui, à la limite, soit reste sur stream, comme ça tu auras tous les flux de chat, soit tu vas carrément sur le retour YouTube lui-même, hein, mais auquel cas tu auras que YouTube pour le coup. Attends, parce qu'en fait, non, il y a l'autre que je peux remove event. Voilà, je vais virer l'autre, hop. Et bonsoir Retro Gaming Bureau. Eh, bonsoir Retro Gaming Bureau, comment vas-tu? Ça collectionne dur. Alors du coup, Jop a laissé sa place, Jop SDF, avec la skin SDF, laisse sa place à Jop Rasé. Parce que on m'a fait une remarque sur mon book pendant le live associatif, et ça m'a, ça m'a tapé en plein cœur. Je me suis dit, c'est vrai qu'il est dégueulasse mon book, il est temps de le raser. C'est dommage, j'aurais dû le garder pour l'Austinfest quand même. Bah écoute, parce qu'avant je disais aux gens, si vous me cherchez, vous cherchez le mec avec le book dégueulasse, et là du coup je ne pourrais plus le dire, c'est pas grave, j'ai ma casquette Jackie et Michel si besoin. Ça c'est important ça. Quand est-ce qu'on fait des ça, t-shirts Life is a Video Game, qu'on puisse directement se faire reconnaître comme ça? Ce serait bien. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, pas avec l'argent des adhérents, ah, en mais tout non. cas, ah, ce mais qu'on non. fait c'est avec notre propre argent. Non, déjà on fera des t-shirts pour la team, je pense que ce serait intéressant que pour ceux qui font des streams, des vidéos, tous ceux qui vraiment participent au contenu aient un petit t-shirt, et dans ce cas-là, chacun paye la production du t-shirt. Mais après, proposer aux adhérents d'avoir un t-shirt à prix coûtant, ça pourrait être une des options d'adhésion. Par la suite, hein, on peut en discuter pendant l'Assemblée Générale, comme des vrais professionnels associatifs. Ouais, après, je sais pas si ça intéresse les gens, je pense pas, mais... Tu rigoles, le merchandising, c'est la vie, mec. Ouais. Regarde, Retro Gaming Bureau, il prend une casquette, déjà. Ah, il y a une casquette, ouais, mais lui, il veut la casquette Jackie et Michel, il veut pas la casquette Life is a Video Game, c'est sûr. Ah, mais celle-là, elle est unique, je ne peux pas la faire produire, surtout vu ce qui arrive à Jackie et Michel par la suite, c'est devenu collector, la casquette, pour le coup. Mais une petite casquette Life is a Video Game avec un petit Guémou floqué comme ça,
Moi, je serais partant. Moi, je sais que je serais chaud d'en avoir ouais, une, en tout cas. Ouais, bon, un peu les couilles, frère. Mais bon, peut-être, pourquoi pas, hein, si ça peut être de ton initiative, bah, pas de toi, soucis. Tu vas pas aller emmerder des gens au Stunfest parce que tu es exempt de festival, petit salaud. Mais moi, qui vais aller emmerder des gens, leur taper sur l'épaule en mode « Est-ce que je pourrais avoir une interview ?» Ah ouais. C'est bien d'avoir là, ça un truc bien. Qui repère la chaîne. Ouais, là, je suis désolé, bien, mais... ouais. Oui, tout à fait. Là, je te rejoins. Complètement, et puis c'est vrai que ça donne de la visibilité. Après, est-ce qu'on peut rappeler aux gens qu'il faut, enfin, qu'on vraiment, on leur demande ce service pour ceux qui l'ont pas encore fait, c'est de devenir membre de notre association. Vous trouverez toutes les informations sur le live dans l'onglet live de cette chaîne, parce que on a plusieurs projets, donc transformer cette chaîne en média et donc faire un musée du jeu vidéo. Et donc, on aimerait vous demander le service de devenir membre au moins à 0€. Donc ça limite en tout cas les effets de l'arnaque sur votre porte-monnaie, et nous ça nous aide en tout cas à avoir plus de poids pour quand on va aller démarcher les pouvoirs publics. Donc s'il vous plaît, essayez de devenir membre de notre association, donc ça serait vraiment super cool. Voilà, merci d'avance. On va vous remettre le lien aussi pour le coup, comme ça Ouais, si possible, ouais. Ouais, tant que je récupère ça, hop. Voilà. En même temps, tiens, on peut même vous montrer éventuellement, pour ceux qui n'ont pas encore vu à quoi ça ressemble, la page Eloasso. Donc pour le moment, il n'y a pas de site web, hein. Ceux qui étaient là pendant le live sont au courant. Le site web, c'est en gros une des premières contreparties qu'on mettra en place suite aux premières adhésions. Et là, pour le coup, on risque effectivement de taper dans la trésorerie pour payer l'hébergement et le nom de domaine, hein. Ce sera probablement ça les premiers coûts qu'on va engendrer autour de l'association, ce qui nous permettra d'avoir un site vraiment pied à terre qui regroupera et nos contenus, donc la partie média et autant du rédactionnel que nos vidéos qui seront remises sur la page, mais aussi une partie association. Donc il y aura vraiment un site dédié pour l'asso. En attendant, on est sur Eloasso, qui est finalement la plateforme associative française la plus connue et verrouillée au niveau des risques que vous avez à cotiser. D'ailleurs, en toute franchise, parce qu'on veut être le plus transparent possible, à l'heure actuelle, on n'a pas encore de compte bancaire connecté à Eloasso. Donc en fait, à l'heure actuelle, je crois qu'on a 560€ de toutes les adhésions qu'on a eues depuis l'ouverture, quelques 50 plus adhésions. On doit être presque à 60 là, je crois. Ouais, voilà. Et cette somme est verrouillée pour le moment sur Eloasso. Donc pour le moment, ceux qui disent « Ouais, vous partez avec la caisse !» Non, pour le moment, on ne peut même pas partir avec la caisse. C'est verrouillé. Alors, je donc vous mets ouais, là, je vois une adhésion en direct. Donc merci à la personne qui vient d'adhérer. C'est cool. Bon, 60, ça sent pas beaucoup, mais sur l'annonce d'un live, parce qu'on l'a pas crié sur tous les toits, c'est pas mal du tout. Et on a un bon retour, donc super cool les mecs, merci. Donc voilà, ça se passe. Ça c'est vraiment la homepage où en fait on peut mettre du contenu. Donc très rapidement, on a tapé les axes de développement pour que vous ayez quand même un petit peu connaissance du projet. Et comment dire, les contraintes d'admission qui sont juste être majeur, ou si vous êtes mineur, avoir en gros une autorisation des parents. Exactement, une attestation tuteur légaux ou parents. Et puis c'est tout, voilà. Et puis être validé par le bureau, c'est-à-dire être accepté, mais j'ai envie de dire, c'est open bar pour le moment, il n'y a pas du tout de contraintes à l'adhésion et on ne cherche pas à savoir qui rentre. Le but, c'est comme dit Gemou, d'avoir le maximum d'adhérents, même gratuits, pour aller sonner portes par la suite, quoi. On veut pas passer pour des enculeurs de maman, c'est pas votre argent vraiment qui est important ici, c'est votre adhésion, même à 0€, pour qu'on puisse arriver à là où on veut aller. Et bien sûr, on a besoin de l'argent, mais là on a déjà fait 560€, donc on a de quoi voir venir, c'est pas le souci de l'argent. Merci à ceux qui sont devenus adhérents pour 25€, mais vraiment, c'est d'être le plus nombreux possible pour que quand un maire voit le truc, il se dit « Ah ouais, bon, bah, y a du monde derrière, ça c'est exactement. Vraiment important ». Donc merci les mecs. C'est avoir du poids et truc voilà. Tout bête, hein, le Stunfest c'est le prochain événement ce week-end qui a lieu à Rennes, donc moi j'y serai pour aller glaner des interviews, vous faire un petit live sur place, le contenu habituel, mais il faut savoir que pour avoir ce genre d'accréditation, plus on est nombreux, plus on va pouvoir aller toquer à des événements intéressants et importants. Donc ça aussi, ça compte, quoi. Ouais, et aller chercher des interviews, des trucs comme ça. Et en fait, moi, je me vois être à 300 pour aller proposer le projet en ayant l'impression d'être un peu sérieux. Il faudrait qu'on soit 300. Bon, je pense qu'on va y arriver, mais il va falloir batailler pour que ça se sache un peu partout.
Voilà. Ouais, c'est ça. Faut propager la bonne parole. Et puis, comme dit, hein, ceux qui n'adhèrent pas, même pas gratuitement, parce que vous n'avez pas du tout le temps de vous investir, et ça aussi, on le comprend, il n'y a aucun problème, parlez-en autour de vous. Ça, par contre, ça ne mange pas de pain. Partagez éventuellement la campagne sur les réseaux ou nos lives. Le live qu'on a fait la semaine dernière, il est trop dense, je pense, pour être digeste. Je pense qu'il faudra qu'on fasse une vidéo. Alors, on a tapé un compte rendu qui sera mis en ligne probablement demain ou peut-être encore ce soir, qui résume, entre guillemets, les grosses interrogations qu'on a eu et de par la communauté et de par des bouches à oreilles de gens qui sont venus envoyer des NP à moi, à Gemou, à nos rétros. Donc voilà, synthétiser les réponses à toutes vos questions, ça, ce sera fait à l'écrit. Maintenant, refaire une petite vidéo pour présenter l'assaut, je pense que ça serait intéressant. Une petite vidéo dynamique, tu vois, de 4 minutes montée où on... À l'oral, on explique un petit peu le concept, parce que je sais que les gens n'aiment pas lire. Moi, je vais mettre le compte rendu, il y a plus de 2 pages à lire. Je sais déjà que ça va emmerder des gens. De la même manière que regarder un live de 2h30, ça peut emmerder aussi des gens si c'est pas chapitré. Donc le but, c'est que ce soit le plus digeste, mais sur la page Hello Asso, vous avez vraiment les grandes lignes de ce qu'on veut faire. Voilà. Donc avec ça, vous avez déjà moyen de partager... comme je dis, la campagne et la bonne parole. Enfin, je vais pas dire campagne, parce que ça fait campagne participative, financement. C'est pas du tout ça, hein. C'est une association où le but, c'est que vous soyez partie prenante déjà du projet et que vous puissiez nous donner votre force, votre temps, ou peu importe. Parce que à terme, si on a, par exemple, un stand sur un salon, il faudra des bénévoles pour tenir ce stand. Donc, bien entendu que on va dire, les membres fondateurs, moi, Gemou, les autres administrateurs, on va dire, de l'asso, on sera éventuellement toujours là sur ces stands, mais plus on a de membres qui nous donnent un coup de main, plus on sera pris au sérieux, voilà. Tout à fait, tout à fait. Bon, bah, je te propose peut-être de commencer, on a assez saoulé les gens avec nos histoires de cul. Ça suffit. Ouais, voilà. Donc on enchaîne sur le premier sujet. Allez, c'est parti, let's go. Alors très rapidement, donc, on va parler un petit peu du jeu de Yoz Montana et son super mini-jeu sur Amiga. Donc, il a posté donc une vidéo sur sa chaîne, hein, où il y a des extraits du gameplay, il joue au jeu. Et donc, le but, en fait, c'est que au bout du 100e commentaire, eh bien, il balance la démo du jeu. Donc, vraiment, le but, c'est, si ça vous dérange pas, allez sur cette vidéo, mettez un commentaire, je sais pas, moi, n'importe quoi, je fais l'amour à ta maman. Bon, peut-être pas, mais un truc, ce que vous voulez, quoi. C'est la dernière vidéo de sa chaîne, c'est ça? Ouais, c'est ça, Welcome Stranger. Welcome en fait, Back Stranger, ok. Ouais, en référence à Hero 4. Et donc, ouais, si vous commentez ça au bout du 100e commentaire, vous avez le jeu. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Donc, pour vous parler un petit peu du jeu, c'est un petit jeu de plateforme à tableau. Il y a 17 stages plus un boss. Et donc, le but, c'est d'aller délivrer des lapins qui sont enfermés dans des cages. Et donc ça, pour ça, il faut récupérer divers objets dans les divers tableaux et récupérer des carottes. Des bananes, pardon. Il y a des lapins, donc je me suis dit que c'était des carottes, mais c'est des bananes. Ça aurait pu, ça donc, aurait pu. Donc ouais, des bananes. C'est et des donc, lapins de la jungle. Ouais, c'est ça. Et peut-être que les lapins bouffent des bananes en fait. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus de jeu? Il y aura une version du jeu, il y aura une version PC en fait, puisque évidemment tout le monde ne joue pas sur Amiga, donc c'est en exactement, préparation. Exactement, nos rétros faisaient la réflexion, ah c'est sur Amiga, du coup je commente pas, mais du coup il y aura une version PC, hein, c'est confirmé. Ouais, voilà, et donc ça reste du petit jeu homebrew de la famille, hein. Yoz Montana, il fait partie du cercle, hein, c'est la famille. Et donc voilà, un petit coup de pouce, si ça vous intéresse, allez donc voir. C'est sympa comme tout, ça mange pas de pain, voilà. Chaque fois que j'entends quelqu'un dire un petit coup de pouce, je m'imagine, tu vois, un jeu de versus où en fait tu tabasserais le mec uniquement avec ton pouce comme ça. Pa, pa, pa. Des combos de pouce. Ah ouais, ouais, bah oui, les combats de pouce, ouais, ouais, tout oui. à fait, ouais. Excellent. Ah, et ça peut être intéressant. Je viens de prendre un coup de pouce, qu'est-ce qui se passe là, oh. On se calme, madame, on est en plein live là. Non mais les gens ne respectent plus rien de nos jours, hein. Je te jure, Oblivion là, ça y est, les modos, elle croit qu'elle peut interrompre un live aussi ambitieux que le nôtre, quoi. Ah oui, et aussi bien mené que ça, parce que vraiment, on est toujours très professionnel, on dirait jeux vidéo magazine. Webmedia et en PLS, là, en regardant ce qu'on diffuse. Attention, les mecs, j'assure, quoi. Ouais. Bah écoute, ouais, on est très très pro. Donc on enchaîne. Ouais, je vous donne du coup la chaîne de Yoz, chaîne elle-même, pas la vidéo, hein. Sachant qu'il y a plein d'autres projets, il y a plein d'autres mini-jeux qu'il a déjà développés. Allez voir la chaîne, abonnez-vous, et puis du coup, laissez un commentaire sur la dernière vidéo, hein, comme ça, plus vite on arrive au nombre de commentaires, c'est 100, c'est ça le nécessaire? 100, ouais, 100, et ça permet aux gens qui voulaient essayer, d'essayer, quoi. Eh ben nickel.
Voilà. On aime ça, les petites démos, ça permet de, bah, de se faire une idée du jeu, et puis moi, voir l'Amiga encore persister en 2023, voilà, ça ne peut que m'émouvoir, j'ai envie de dire. Tout à fait, ouais. Je sais pas ce que les gens en pensent, mais salut Oli, d'ailleurs. Bon, à part les ataristes convaincus qui seront critiques, bien entendu, je pense que tout le monde est content. Bah ouais, à voir les retours, je suis pressé de voir ce que les gens en diront, voilà. Après c'est toujours pareil, faut aimer le game design, si ce type de jeu vous plaît pas forcément, oui, ça peut être compréhensible aussi. Hein. Faut aimer les jeux rétro à l'européenne. Ouais, exactement. C'est ouais. Alors, on enchaîne avec Sunsoft, du coup. Et oui, une news Sunsoft intéressante. De retour, hein. Oui, The alors Witcher. Une news intéressante. Ouais, plus ou moins, en fait, c'est rien de nouveau, hein, c'est Mister Gimmick spécial version. Une version donc pour nos consoles modernes et PC. Et ça reprend plus ou moins le concept de Mister Gimmick Exact Mix, hein, qu'on avait vu sur Exa Arcadia, rendant cette version un peu moins intéressante. Puisque du coup, on profite de nouveau des graphismes refaits, et donc en 16/9. Et puis donc de divers modes, genre il y a un mode Time Attack, il y a des trophées maintenant, il y a des merdes pour ceux qui aiment Mister Gimmick, en tout cas, c'est prévu, ça sort sous peu, voilà. Moi j'adore le jeu, franchement c'est un... Ah oui, c'est Mister Gimmick, superbe. C'est ouais, la maîtrise du game design avant finalement la technique, et ça prouve qu'on peut encore faire un jeu au look NES qui est super intéressant et qui a plein de petites particularités de gameplay, en 2023, quoi. Donc, voir une version multiplateforme comme ça et boostée, on va dire, avec achievement, un mode musée aussi. Moi, j'adore les modes musées, même quand ils sont un peu rachitiques, mais oui, voilà. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits bonus, puis pouvoir jouer à ça sur sa Switch. Voilà, je pense que ça fait plaisir aussi, quoi. En portable. En tout cas, pour tous les amateurs de NES, parce que c'est vrai que c'est un Graal de la NES, hein, sur Famicom, en tout cas, c'est un jeu qui coûte relativement cher. J'allais dire, il y a combien la cote moyenne. Les cotes, je sais pas, mais ça doit piquer, je pense. Hein. Ouais, je pense qu'on est de l'ordre de 1 000 €, mais peut-être que je dis de la merde, j'en sais rien. Moi, les prix, moi j'aime. Ah, je suis curieux. Vidéo, Price charting. Alors attention, hein, price charting. Je vais dessus, mais calmez-vous dans le chat. Effectivement, c'est pas un Argus à l'instant T. Ça vous donne juste une courbe des ventes sur les plateformes les plus connues. Des marketplaces à la eBay. Donc il y a les eBay japonais, etc. C'est mis dans cette base de données et ça vous donne une courbe sur le temps des prix moyens de vente. Donc oui, vous pouvez négocier ça au-dessus, en dessous, mais ça vous donne quand même une petite idée, quoi. Alors Oli nous rappelle que le jeu sortirait en boîte vers juillet. Voilà. Ok, d'accord. Alors attention, roulement de tambour, Mister Gimmick. T'as entièrement raison, Game One. En loose, c'est 1 100 $ à peu près. Putain. Ouais. Mais quoi, la version Famicom? Ouais, non, version Famicom originale. Ouais. Et en complète, ça va piquer, donc manuel, tout, même pas blister, hein, juste complète, 2 500 $. Voilà. Ah oui, d'accord. Et du coup, Graded, donc les Wata et toutes ces conneries, alors là, ça devient n'importe quoi, c'est 17 000 $. Voilà. Bon. Comme d'habitude. Évidemment. C'est pour les investisseurs, ça. Donc oui, merci pour ces compiles de nous permettre de jouer à tarif plancher à des jeux qui, sinon, nous coûteraient un bras ou seraient obligatoirement émulés, quoi. Tout à fait. Ouais, ça c'est cool. Donc rendez-vous le 6 juillet et ce sera sur littéralement toutes les plateformes. Hein, donc j'ai envie de dire, il n'y a pas de jaloux. Exactement. Ok, donc on enchaîne. Écoute, je te laisse la suivante. On est sur un petit combo de news traduction avec des fan trad. Ouais, sur Sega Saturn, pour les amateurs de Sega, il y a de la news Sega ce soir. Et tout ça nous ramène en 1998, où on va vous parler déjà donc de Shadows of the Tusk. Donc un jeu qui est illustré par Susumu Matsushita. On en a parlé la semaine dernière, me semble-t-il, quand on a parlé de Maximo. Hein. C'est le mec qui faisait... Donc le chara-design de Maximo et qui a illustré nombre de couvertures donc du Famitsu. Et donc ce Shadows of the Tusk sur Saturn prend sa traduction anglaise. Et donc de quoi s'agit-il ici? Eh bien il s'agit d'un jeu, en tout cas comment on appelle ça, Tactical RPG, voilà. Oui. Donc à base de jeu de cartes, mais bon, le jeu de cartes, je sais que c'est relou, mais si vous voulez, ici c'est juste un prétexte parce que le jeu de cartes va vous permettre de matérialiser un personnage sur le damier, puisque c'est donc un Tactical RPG. Et à partir de là, le but de ce jeu, c'est de buter le boss adverse, donc pas forcément les mécréants qu'il protège, mais le boss adverse. Et voilà, donc c'est un jeu qui est assez peu connu, puisque
Il est en japonais, ça t'a piqué l'RPG. Limité au Japon, et il y a quand même beaucoup de, on va dire, de menus et de textes à maîtriser, quoi. Oui, c'est ça, et en fait, les tactical RPG, c'est pas si compliqué que ça. Non. Mais bon, c'est un effort à faire, il faut connaître les menus, après ça va. Tu l'as dit ça toi-même, va. Si tu superposes, ouais, on va dire, les menus principaux de combat, tu peux avancer dans le jeu. Le problème, c'est que tu vas passer souvent à côté de l'histoire, qui est pour moi 50% ah, du plaisir, c'est sûr. Ah, oui, souvent des ah, tacticals. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais après, c'est vrai que moi, dans les tacticals, ce que j'apprécie, c'est oui, vraiment les baston. Combats. Voilà. Ouais, c'est ça. T'aimes taper des gens avec des grosses épées et des coups de magie qui font des combos sur 8 cases. Exact. On sait ce que exact. C'est, on sait ce que c'est. Et c'est ça qu'on a dans ce jeu. Et donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce jeu? Eh bien, il y a une petite particularité quand même. C'est que, en fait, ce jeu, eh bien, il a été pensé pour le réseau. En 1998, on est quand même vers la fin de vie de la Saturne, même bien vers la fin, hein. Et c'est la sortie de la Dreamcast. Sega avait déjà abandonné la production de Saturn à cette époque au profit de sous-marques, on va dire, pour être méchant. Et donc, pour être sincère. Oui, ou bah, après, c'est des grandes marques quand même, hein, Victor oui. JVC, etc. Mais voilà. Et bien, ce jeu a assez peu de contenu, c'est-à-dire qu'il se finit vraiment très rapidement. Il a une durée de vie de merde. D'accord, mais c'est en pas fait, un Fire Emblem, quoi, en gros. Ah non, c'est pas un Fire Emblem, non, okay. Ça a été vraiment pensé comme un versus, parce que, enfin, pas un versus fighting, un versus, hein, vous emballez pas. Et en fait, il utilisait le Sega NET X-Band oui. System. Il y a le logo sur la jaquette, d'ailleurs. Ouais, et c'est ça, et donc, eh bien, on pouvait s'affronter comme ça, on pouvait bien sûr jouer en partie locale, mais le but, c'était de jouer en réseau, et donc ce jeu de Hudson Soft permettait ça. Et donc, c'était cool quand même, quoi. Voilà. Mmh. C'est donc, ce Oli nous dit, c'est un illustrateur connu, cet artwork. On reconnaît tout de suite la patte, hein. J'ai envie de dire. J'appelle ça le chara-design à la Maximo, parce que voilà, c'est. Oui, c'est ça, c'est le même mec, ouais. C'est probablement le perso le plus connu qu'il a fait, mais il a officié sur plein d'autres jeux, mais souvent limité au Japon, étrangement. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Et puis bon, on reconnaît ses magnifiques boobs, hein. J'ai envie de le dire quand même, hein, parce que la jaquette, elle est connue aussi pour ça. Sur l'héroïne qui est au premier plan et les autres ennemis on ne les voit plus trop parce qu'on est un peu focalisé sur le point central de la jaquette qui est le décolleté de madame, j'ai envie de dire. Ah oui, tout à fait. Toi, des un belles amateur, jaquettes toi, à l'ancienne, comme ouais, on aime. Bien. Et sur illustration, peinture, c'est-à-dire on a un vrai artwork peint qui ensuite est scanné et transféré en jaquette traditionnelle. Mais du coup, sachez que quelqu'un, peut-être l'artiste lui-même, possède cette toile originale quelque part. Et ça, c'est des pièces qui sont tellement rares que ça se vend après quasiment à des musées maintenant ou à des exposants en tout cas. Ah, t'imagines, t'as l'original de ça. Ouais, Mais on en voit passer maintenant quelques-unes des covers. Mais étrangement, c'est surtout les covers américaines. Tu sais, qui étaient aussi faits en peinture souvent traditionnelle à l'huile, puis ensuite photographiés ou scannés ou lithographiés. Et qu'est-ce que j'ai vu passer aux enchères? Le Mega Man 2 dégueulasse USA, l'original a été vendu, le tableau original. Waouh! Ouais. Ça fait envie, hein. Bah écoute, il est tellement connu par son infamie que les prix ont explosé pour le coup. Ah oui, une pièce d'histoire, mais t'imagines afficher ça dans ton salon. Écoute, si le reste du salon est kitsch et un petit peu second degré, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, t'imagines, Oblivion, elle arrive du boulot, elle en a marre, elle en peut plus, elle voit cette croûte sur ton mur. Franchement, je pense que tu prends plus qu'une bataille de pouces. Hein. J'ai pas saboté trop les murs pour le moment, mais je crois que je disais, bon, écoute, cette pièce-là m'appartient, j'en fais ce que je veux, elle dirait ok. L'essentiel, c'est que je m'étale pas sur l'intégralité de la maison, c'est là que ça devient tendu, je pense. Non, moi je te crois pas, tu te fais botter le cul, c'est tout. Mais non, ouais. C'est moi qui le slibard. On se partage, chacun a une jambe en fait. Ah ouais, pas mal. Oui, c'est ça, l'égalité monsieur. Ouais. En tout cas, moi, je suis content parce que c'est con à dire, mais cette fantrad utilise une police que je trouve très agréable. Et ça, souvent, les fantrad qui, du coup, doivent convertir les polices, les kanji japonais, et utiliser, du coup, notre orthographe romaine, et souvent, ils utilisent des polices qui sont un petit peu... regardez les Final Fantasy Pixel Remaster récents de Square, la police de base n'avait rien à voir avec le jeu. C'était une police HD qui ressemblait à de l'Arial ou du Verdana, c'était dégueulasse. Et là, on a vraiment une police qui pourrait être littéralement la police officielle s'il y avait eu un portage à l'époque.
Oui, il y a Fay qui nous rappelle que c'est vrai que quand il y a ce genre de vente, ça peut faire des histoires avec les boîtes, notamment au Japon. Il dit que c'est arrivé pour Devil Crush. Moi, oui. Je suis pas trop au courant, mais c'est pas faux, justement. C'est tout dépend comment le contrat a été fait par rapport à l'illustrateur. Et il est vrai que souvent, les boîtes japonaises ont les droits sur l'intégralité de l'illustration, y compris l'original. Donc en fait, quand bien même c'est l'artiste, il n'aurait pas le droit normalement de le vendre aux enchères. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, No Retro for Young Men donne l'autorisation à Oblivion de te botter le cul si tu mets ça dans ta maison. C'est bon, c'est là le feu vert alors. Mes fesses sont prêtes. Non mais c'est vrai qu'au Japon ils sont peut-être beaucoup plus regardants là-dessus, et c'est peut-être pour ça du coup qu'aux enchères c'est majoritairement des pièces occidentales américaines qu'on voit tourner souvent. Yes. Il y a peut-être un lien. Est-ce qu'on enchaîne ? Eh ben on enchaîne, on en a pas mal en plus aujourd'hui. Ouais, après c'est vrai que les dossiers sont un peu longs, peut-être un peu moins le deuxième que le premier, mais il y a beaucoup de choses à dire sur Rez. En tout cas, on reste sur Saturn, on reste en 1998, et on passe sur un jeu pas plus connu que Shadows of the Tusk, avec Stellar Assault Saturn. Donc Stellar Assault SS, donc lui sorti aussi en 98, et qui lui aussi, et c'est la raison de cette news, eh bien bénéficie désormais d'une trad anglaise, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu ? Eh bien, peut-être qu'il est un peu plus connu que Shadows of the Tusk, parce que celui-ci est sorti en Occident, mais pas sur Saturn, il est sorti sur 32X. Et donc, il s'appelait Shadow Squadron, et c'est un jeu 3D, comme c'était un petit peu la mode à l'époque. Et donc, il est sorti en 95 aux États-Unis, et puis chez nous, tout la même année. Hein, je crois que c'est Japon, Euro et US 95. C'est ça. Et donc voilà, un jeu Sega et qui a été adapté par une boîte tierce sur Saturn, Sims. Ça s'appelle Sims, hein, comme le jeu du même nom. Et donc, pas grand-chose de plus à dire. Est-ce que c'est un bon jeu ? Est-ce que c'est un mauvais jeu ? Bon, c'est à l'appréciation de chacun. Moi, je suis pas sûr que ça soit formidable. C'est pas un jeu qui me fait rêver, mais c'est pas dégueulasse non plus. Donc c'est pas le pire des shooters 6DOF comme on appelle ça. Parce que oui, c'est un genre. Le shooter 6DOF, ça veut dire 6 dips of flight ou quelque chose comme ça. En gros, c'est vous avez les 6 axes qui sont utilisables en pilotant. Voilà. Le plus connu sur PC, c'est Descent. Ah oui, bien sûr. Ah oui, il y en a eu 4000 versions. Ouais. Les Rosebif, oui. Il y a eu des portages, il y a eu des mods. Et on pouvait programmer des WAD, en gros des niveaux additionnels comme pour Doom et les autres jeux qui tournaient sur des moteurs comme ça. Mais là, on a un petit peu. Entre WAD, ça, ouais. Wing Commander et Star Wing, hein, en gros, Star Fox, au niveau du gameplay. Mais comme tu dis, c'est beaucoup moins robuste. Les commandes sont moins agréables. J'ai testé, pour le coup, l'ISO. Hein, via émulateur, c'était pas dingue, comme tu dis. Maintenant, techniquement, le jeu est correct. C'est une 3D qui est très correcte. Ce qui pêche un peu plus, c'est les cinématiques. Les CGI sont vraiment nuls, en fait. C'est genre, on va remplir avec de la full motion vidéo parce qu'on a une galette CD-ROM, mais le travail fourni sur les CGI, c'est vraiment bateau. Oui, c'est pas un jeu à gros budget. Hein. Déjà, c'est un portage. Et puis après, est-ce que ça justifiait une fantrad en tout cas, je pense qu'elle a été facile à faire parce que de ce que j'ai compris, il n'y avait pas un contenu textuel hallucinant. On n'est pas sur un RPG. C'est ça. Ouais. Donc, est-ce que c'était le jeu le plus urgent à traduire ? Non. Est-ce que la team qui l'a fait était fan du jeu et voulait le voir ? Probablement. Donc voilà, ça fera plaisir aux gens qui aiment les jeux un peu obscurs. Maintenant, je pense qu'il y a des RPG qui attendent beaucoup plus d'être traduits, mais du coup, la charge de travail nécessaire, c'est pas la même. Ouais, c'est clair. Après, il y a quand même une sorte, je pense, de fierté à permettre à des jeux qui n'étaient pas accessibles aux gens avant, et en plus qui sont des exclusivités régionales, d'être accessibles à tous. Tout à fait. Puis la Saturn, elle a un tel regain d'intérêt ces dernières années que tout est bon à prendre pour les joueurs occidentaux, pour redécouvrir des jeux qu'ils n'ont pas connus à l'époque. Donc les jeux japonais fantrad, ça devient finalement le plus prisé parce que c'est vraiment de la nouveauté pour les joueurs. Tout à fait. Voilà, donc des belles explosions. Après, c'est toujours... Moi, en fait, ce qui me pose à chaque fois problème avec la Saturn et son concept de VDP1, VDP2, c'est l'absence de transparence. Et je pense que c'est ça qui a mis à genoux la console. Alors, pas que, c'est majoritairement aussi la qualité des jeux, hein, mais et puis la gestion interne aussi de la com et du marketing. Mais
je pense que techniquement, la PlayStation, avec ses transparences et sa 3D un peu plus robuste, c'est ça qui a fait qu'il y a eu beaucoup plus d'acteurs qui ont été prêts à s'investir sur la Play et peut-être moins sur la Saturn. Et là, on le voit, hein, les tirs avec le côté, comment qu'on appelle ça, le côté, en anglais on dit dithering, le côté damier en fait, où vous avez un pixel qui est opaque, un pixel qui est totalement transparent, et ça avec un écran CRT ça vous donne l'impression d'une fausse transparence, hein. C'est un peu comme sur la chute d'eau dans Sonic, c'est le même concept avec la Mega Drive. Et c'est dommage, il manquait pas grand chose à ce que la Saturn soit vraiment une console intéressante, mais bah, trop complexe pour son propre bien selon moi. Ce qui fait juste la différence entre les deux et ce qu'a fait la mort de Sega, c'est la complexité de développement. Comme exactement. Justement, il y a un multiprocessing à prendre en compte, eh bien, c'était beaucoup plus facile à exploiter sur PlayStation. Donc tout le monde s'est barré sur PlayStation par facilité aussi. Exactement. Ouais. Et c'est marrant parce que Sony a vécu un peu ça avec la PS3, console beaucoup trop ambitieuse avec un hardware ultra compliqué à exploiter, et du coup, Microsoft a pris l'ascendant sur la génération là, en tout cas avec la 360. Quoi. Ah oui, ça a failli coûter la vie de SCE, hein, bien sûr. Ah, c'était chaud, ouais. Ah oui, c'est incroyable cette histoire, ouais, bien sûr. Donc voilà, des fantrats, ça fait toujours plaisir, hein, comme on dit. Que ce soit même des jeux un peu obscurs, tant mieux. Ça fait des nouveautés à tester pour ceux qui ont récupéré ces consoles, ont des optical drive émulators et tous ces accessoires pour pouvoir jouer à des jeux modifiés. Voilà. Alors Ninja Neko Nico qui nous dit pourtant Burning Rangers, il y a de la vraie transparence. Alors oui, c'est tout à fait, c'est pas que la Saturn ne pouvait pas faire de la vraie transparence, c'était juste que c'était ultra compliqué à obtenir en fait, puisque c'était pas du tout avec le processeur vidéo principal. Donc c'est ça. Compliqué. Voilà. En fait, tu devais exploiter le VDP2 qui était là en fait pour gérer des backgrounds, des sprites, etc. Et le détourner de son utilisation pour faire de la transparence. Et du coup, il était beaucoup moins robuste que le VDP1. Donc c'est très compliqué et quelques studios ont tenté le coup, quoi. Mais le DevKit, par exemple, ne parlait même pas de la possibilité de le faire. C'est les développeurs qui ont réussi à trouver des hacks et des astuces, quoi. En tout cas, Steph Leflou a rejoint le chat, donc on le salue. Hello, Steph. Des bisous. Voilà. Ça, c'est dit, c'était important. Ok, écoute, on peut enchaîner, mon cher. Est-ce qu'on a encore de la trad? Non, on a du Jackie Tuning maintenant. Ah voilà, c'est pour récupérer et sauver mon honneur du dernier live où, vous savez, moi je suis mono-neurone, et donc j'arrive pas à gérer un PC et parler en même temps. C'est exactement comme jouer et parler, c'est pour ça qu'il m'a embauché, hein. C'est uniquement pour voilà, ça qu'il aime travailler avec moi, c'est qu'il a besoin de quelqu'un pour faire la technique, c'est tout. Ah oui, j'ai aucune appréciation personnelle pour ta personne, c'est juste... C'est connu, surtout que maintenant c'est de notoriété publique qu'on se déteste en plus. Tout à fait, c'est juste pour la thune. Et donc, la semaine dernière, j'ai parlé de Jackie Tuning, la GameCube avec un écran LCD sur son capot à la place du logo GameCube. Et donc, moi j'aurais voulu que Jope fasse son travail d'esclave et nous montre ça comme il le fait maintenant, en démonstration. Donc voilà, il s'agit de ça, c'est quand même sympa, en plus c'est tactile, et c'est juste pour montrer cette étrangeté. Alors évidemment, moi je mettrai jamais ça sur ma console, elle restera toujours d'origine, mais pour les Jackie Tuning, c'est quand même fantastique. Ouais. Bah, est-ce que tu dégrades quelque chose à installer ce mode sur la console d'origine, ou est-ce que c'est vraiment un upgrade qui peut s'enlever ensuite? C'est ça toujours la question. Si t'es doué, tu dégrades rien, mais il faut quand même réussir à décoller le bordel, et... Ouais. Et donc tu peux faire des marques, c'est pas évident. Moi j'aurais deux choses à dire. La finition, franchement, pour un truc comme ça amateur, elle est très correcte. L'écran est un peu usé sur les bords, il a dû mettre un genre de verre de protection, mais bon voilà, on sent que ça s'écaille déjà un peu. Ça c'est pas le problème. La lisibilité de l'écran, elle est très bonne. Après les fonctionnalités, je sais pas jusqu'où ça va, mais là en gros on a trois menus. On a trois boutons on-off qui permettent de modifier le logo au boot, de modifier l'ID du jeu, et le premier j'arrive pas à lire, je ne sais pas. Et ensuite il y a trois boutons update, FTP et slideshow. Donc en gros FTP ça doit être la possibilité de transférer des ISO directement via un réseau local, directement d'un PC ou d'un serveur. Slideshow c'est quoi? Des filets d'images, en gros tu peux faire des diaporamas. Et update, ça doit être pour mettre à jour l'écran niveau firmware, quoi.
Donc, mets ton chien sur ta GameCube et en fait, ça enchaîne. Voilà. Les donc, faire défiler tes photos de vacances, je ne sais pas si c'est vraiment utile sur une GameCube, tu vois. La question, c'est au-delà de l'esthétique, à quoi ça sert? Et pour le coup, j'ai l'impression à pas grand-chose. Et bien, justement, c'est une question qui est posée par Steph Leflou dans le chat. Et quelqu'un lui répond, et il me semble que c'est Ninja Neko Nico, qui lui répond à mettre un logo Sega. Donc, je l'ai trouvé extrêmement coquin sur cette affaire. Voilà. Ok. Ouais. Donc, rien que pour ça, j'accepte. Melmos. Melmos qui dit à mettre un logo. Faire une coquinerie ou une filouterie, allez, j'accepte. Par contre, monsieur Greg from Laserbeer Industries, arrêtez de faire vos logos sur Fiverr hein, par les mêmes mecs qui font les mêmes logos que les Twitchers et les streamers. Parce que ce logo-là, c'est le logo type du profil portfolio d'un mec qui se prétend infographiste sur Fiverr. Tous ceux qui sont passés sur Fiverr savent de quoi je parle. Ces logos qui ressemblent à des équipes de sport US. Arrêtez de faire ça, arrêtez de mettre un animal en tant que logo. Là, c'est Laserbeer Industries, donc j'imagine qu'il doit faire de l'impression 3D ou de la découpe laser. Et qu'il s'est dit qu'un ours, c'était un joli animal totem. Mais voilà, pour moi, ça me fait penser à un streamer qui a 16 ans et qui vient de se faire son premier overlay pour Twitch. Je suis un peu méchant, mais voilà. Mais sinon, oui, l'objet, c'est rigolo, hein, c'est rigolo. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez l'acheter ? La question, c'est ça, en fait. Oui, je crois, hein. Je crois qu'il est en vente. Là. Ah oui, il y a un link pop, exactement, laserbeer.net. Bah écoutez, je vous mets le Twitter du créateur de l'objet. Apparemment, il y a tout ce qu'il faut pour l'installer. Comme ça, si vous êtes curieux, ça se passe chez lui. Voilà. Ouais, soutenons nos petits artisans des États-Unis. J'allais dire États-Unis pas locaux du tout, pour le coup. Ouais. Ouais, vu que les États-Unis sont très gentils. Un peu plus de soft power ou un peu moins. Est-ce qu'on est encore à ça près, finalement? Bah oui, tout à fait, ouais. Plus à ça près, ça c'est sûr. Quand on voit Darmanin qui fait l'ouverture d'un Taco Bell, moi tu sais, plus rien ne m'étonne. Hein. Ah, ça c'était beau ça, ouais. Ouais, ouais. Bon, après, le peuple américain n'a rien à voir là-dedans. Non, pour le coup, le peuple, non. Du coup, allez, on enchaîne, sinon on va commencer à parler politique. Réservons ça à un live spécial, c'est plus intéressant. Oui, tout à fait. Du coup, on a des news abonnés sur le Sharp, vous savez, ce fil rouge qu'on a depuis plusieurs lives sur l'objet de toutes les convoitises, parce que ben, vous savez ce qu'il en est d'un vrai Sharp taille réelle. On en a croisé un au Pixel Day d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que j'ai eu le malheur de marquer sur le net que je sous-entendais que si j'avais eu les moyens, je l'aurais pris, parce qu'en fait, le mec vendait. Il le mettait à 4500 affiché au Pixel Days, et il avait un mec qui lui avait proposé, mais de le prendre qu'en septembre. Et en gros, il avait dit si quelqu'un me pose 4000€ sur la table, il part avec. Pendant les Pixel Day. Alors vous allez me dire, oui, 4000€, c'est pas donné. En même temps, il était en parfait état. C'était la version Pro, 4 mégas, les deux lecteurs de disquettes en parfait état, un CRT, l'alimentation 110 volts, la totale, le carton, les manuels, les disquettes système, complet. Mais 4000€. Donc du coup, quand on sait que ce Sharp X68000Z Mini, putain, c'est long comme nom, il coûtera quoi au maximum tout équipé Je me trompe à chaque fois. C'est 600€, c'est ça? 500€ avec l'équipement? Moi, le mien, de souvenir, je me trompe peut-être, j'avais payé 1250 avec un petit écran, mais un écran juste pour l'affichage, c'est un truc récent. Et par contre, tout refait avec une alim européenne. Ah oui, ça c'est vraiment donné pour le coup, ouais. Il était tout capé. Et puis, il avait en plus un excès de RAM par rapport à la version d'origine. Ce tarif là, et en plus j'avais deux modules audio avec. Ah oui, donc vraiment ouais. Complet en plus quoi. Ouais, bah après, ouais, sans boîte ni notice. Mm-hmm. Mais voilà. Là, je pensais aussi le fait qu'il était complet avec boîte, et moi pour le coup, la boîte je m'en serais bien passé, quitte à ce que le prix soit divisé par deux, tu vois. Donc c'était vraiment un objet de collection pour un collectionneur, pas pour quelqu'un qui aurait vraiment voulu juste le faire tourner quoi, ce qui est mon cas à moi. Donc moi pour le coup, un objet comme ça où tu peux diviser le prix pour toi on va dire par deux et pour les prix actuels par quatre, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant sachant que vous avez un vrai clavier avec, vous avez la souris, ça peut être connecté si je ne m'abuse. Enfin non, c'est une sortie HDMI. Mais du coup, libre à vous d'utiliser un adaptateur pour ensuite le ressortir sur un CRT. Ouais. C'est quand même intéressant quoi. Après les prix changent en fonction des early access, des gens qui ont fait pendant Kickstarter, des gens qui ont commandé après, donc il y a des stocks qui sont moins chers que d'autres, mais je crois que le tarif commence à bien enfler pour les dernières éditions, hein. J'arrive pas à le trouver même en yens. Si quelqu'un là dans le chat, je suis preneur, le tarif le plus récent. Alors
crois que c'était 50 milliers. Attends, je dis de la merde ou pas? Ouais, j'ai de la merde. Ouais, non, c'est peut-être 50 000 yens, je sais plus. En tout cas, c'était de l'ordre des 300 euros, 350 euros, un truc comme ça, je sais plus exactement. Je crois toi, que c'est t'avais ça, pris la version Early Access Kit, la phase 1. Ouais, mais après, j'avais échoué dans mon ambition. En tout cas, il y a Dan MCL, qui est un collectionneur assez connu de X68000, qui dit qu'il a une fortune chez lui vis-à-vis des prix d'aujourd'hui, ouais. Et donc oui, on peut parler du principe, c'est-à-dire que effectivement c'était un early access, donc c'était une version 1.0 on va dire, et donc qui était livrée en mars 2023 à peu près. Les premiers mecs ont été livrés en mars 2023. Bon, il y a des gros Robert qui ont fait des vidéos. Il me semble que Sega Lordix a fait une vidéo dessus. Enfin, ce genre de gros, on fait leur retour. Et donc, eh bien, justement, on peut dire que tout n'est pas parfait, mais c'est normal. C'était annoncé comme ça. C'était une version d'essai, et ils vont commercialiser donc la version finale un petit peu plus tard, et en plus d'exemplaires. Mais donc, on peut noter que la toute première version s'appelait Hackers Edition, justement parce que c'était pas au point du tout. Hein, donc, c'était admis que c'était pas stable dans cette première édition en tout cas. Tout à fait, ouais. Et ce qu'il en ressort, c'est que l'émulation n'est pas parfaite pour le moment. Je crois qu'il y a même un ou deux jeux qui sont même pas, qui fonctionnent même pas. Ouais, qui sont pas supportés du tout, ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Mais je sais plus combien il y a de jeux, 14 ou 41, j'ai oublié complètement. Il faut que je regarde. Non, c'est pas 14 quand même, je pense. Et donc, non, c'est plus. Et donc, c'est plus. Ouais, c'est plus, ouais, ouais. Et donc, il y en a d'autres où il y a des ralentissements, mais. En général, ça fonctionne quand même plutôt bien. On va pas casser le truc parce que ça serait pas honnête. Enfin, ça fonctionne plutôt bien, mais il y a quand même des problèmes d'émulation puisque certains jeux ralentissent un peu et je crois qu'il y en a deux qui fonctionnent pas. Voilà. Moi, je pense qu'ils ont été un petit peu radins sur le chip qui fait tourner ça en fait, hein, parce que c'est un dérivé de Raspberry Pi. Hein, j'ai pas le modèle exact, mais c'est un mini PC low conso qui est dedans. Qui fait l'émulation, et je suppose que c'est sur une base Linux, encore que j'en suis pas sûr. J'ai pas du tout mis le nez sur la tech de ce mini, mais je pense qu'ils ont été un petit peu radins sur la puissance de calcul, d'où peut-être les ralentissements, ou sur le choix du corps d'émulation. La question c'est quel émulateur ils utilisent, et il est vrai qu'il y en a certains qui ont pas encore une optimisation parfaite, même sur PC. Donc, est-ce que ça vient de l'émulateur, auquel cas ça pourra très facilement être corrigé via des mises à jour, ou est-ce que ça vient du hardware? Là, par contre, ça risque d'être plus problématique, ouais. En tout cas, Fenecost nous confirme le prix à 49 500 yens pour les dernières versions. Ok. Donc, ouais. Le yen n'a jamais été aussi bas, les gens. Tiens, j'en profite pour vous faire comme cette petite mention. C'est quasiment du jamais vu. Et on pense pas que ça baisse. En fait, si ça baisse plus, ça va devenir dangereux pour l'économie japonaise, en fait. Donc, mais le yen se fait beaucoup attaquer sur les marchés financiers. Ah oui, oui, oui. Là, il est mal. Hein. Ouais. Et du coup, alors pour nous, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est le moment où vous pouvez faire des imports et même aller au pays. Encore que en ce moment, c'est la Golden Week, je vous déconseille d'y aller. C'est le moment où faut pas aller au Japon. En gros, tous les Japonais prennent des vacances en même temps et tout le pays bouge. Donc imaginez 10 millions de personnes qui sont sur les transports en commun, les autoroutes, les petites routes de vacances, c'est pas le moment pour un touriste qui n'a jamais mis les pieds au Japon d'y aller. Après, il y a des fous furieux qui aiment y aller pendant la Golden Week, mais moi je déconseille si c'est votre première fois en tout cas. Mais oui, le yen en ce moment, c'est la folie. Donc les amateurs de figurines, ils se frottent les mains parce que eux, ils y gagnent énormément sur l'import de figurines. Mais pour le coup, si vous faites des eBay ou des auctions sur les différents sites d'enchères Jap, vous pouvez quasiment économiser en fait ce qu'avant l'intermédiaire prenait. Quand vous passiez par un intermédiaire qui faisait le marché pour vous, ben ce prix-là, en fait, ben maintenant vous le gagnez avec le taux de change du yen. Donc c'est vraiment intéressant. On est à 1 euro à plus de 150 yens là. C'est ça, fou, ça peut être, c'est assez dingue. Donc du coup le Sharp nous fait 149,19 yens. Donc tu nous disais c'était 49 000, c'est ça le dernier 49 500, ouais. Et ben on est à 328 euros, ce qui est vraiment pas grand chose pour la version complète, quoi. Oui, après le prix fluctue selon le cours du yen. Exactement. Il me semblait qu'à l'époque où j'avais essayé de le préco, c'était 350 à peu près. Et je pense qu'il y a de très fortes chances que vous payiez des douanes ou de la TVA par-dessus ce tarif-là. Mais disons, 330 euros achetés au Japon,
pour un mini comme ça, qui n'est pas... faut bien comprendre que c'est pas une console mini, hein, c'est quand même bien plus complexe qu'une console mini, vous avez tout l'OS, vous avez la possibilité du coup de développer des jeux, de faire vraiment la partie informatique, donc on est vraiment sur un micro-ordinateur répliqué en mini, avec le clavier, tout ce qui va bien, les accessoires, alors oui c'est des cartes SD et puis des disquettes, mais vous les logez dans des petites disquettes, ils ont vraiment fait en sorte que ce soit le plus réaliste possible, donc l'objet est beau, et à 300€ j'ai envie de dire, ça devient presque aussi intéressant que les bornes mini qui avaient un écran 4/3, et c'est vrai que ça en LCD à produire c'est cher obligatoirement, qui était aux alentours de 160 jusqu'à 250€, donc là vous mettez encore un petit billet, vous avez le Sharp, c'est vraiment intéressant quoi. Yes. Ouais, et puis on vous tiendra au jus si les petits bugs de ralentissement et les jeux incompatibles sont corrigés. Je pense que des firmwares vont régler le problème dans les semaines et les mois à venir. Oui, ça c'est une certitude. Pour la version commerciale définitive, oui, bien sûr. Et donc à voir si le prix restera le même. Voilà, ça par contre, ça risque d'augmenter. À mon avis, le prix final de version commercialisée, peut-être qui sait, sur eBay, pardon, sur Amazon ou sur des sites, si jamais il y a du stock et que des vendeurs tiers peuvent s'en procurer, ça dépassera les 400€ très clairement, hein, je pense. Ah ouais, je sais pas, on verra. On verra. On vous tient au jus dans toute manière, c'est le fil rouge, hein, le Sharp. Alors, on se posait une petite question. Est-ce que Astébros, je sais pas si je le prononce bien, Astébros, version Mega Drive est sortie. Alors, et moi, j'ai cherché pendant demi-heure et je n'ai pas la réponse. Est-ce que tu as la réponse, mon cher Guémou? Ouais, j'ai la réponse. En fait, il suffit d'aller sur le site de Neofeed Studio, donc le studio qui fait le jeu. Et en fait, tu vois que, il est toujours en précommande. Il devait sortir le vendredi 12 mai, donc vendredi dernier. Et on se disait, en tout cas en version démat, hein, je parle pas de la version boîte. Cartouche, ouais. Donc ceux qui s'attendent et s'offusquent de mes propos n'auraient pas reçu leur jeu dans tous les cas. Hein. C'était juste l'arôme. Et donc, il devait sortir vendredi dernier, mais c'est pas encore le cas. On a vu effectivement des vidéos du gameplay de la version finale, mais étrangement, le jeu n'est pas encore sorti. Donc, il n'y a pas de date de préciser sur le site de Neofeed. Donc on est pressé de voir ce que donne le jeu, hein, puisque ça a l'air de très très bonne facture. Et pour l'instant, bien, on attend. Voilà. C'est étonnant, parce que que la cartouche ait du retard, ça m'aurait pas choqué, parce que la production d'une cartouche, effectivement, c'est toute une logistique. Que la ROM ait du retard, je trouve ça étrange, sachant que on a des youtubeurs rétro de premier plan, John Hancock en est un, qui lui a la version code finale. Donc est-ce qu'il y a des tout petits correctifs, tu vois, très 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 légers, qui sont vraiment du bug fix à ce stade, et qu'ils veulent retarder pour que ce soit vraiment peaufiné au maximum? En tout cas, la version est jouable du début à la fin, et certains, on va dire, influenceurs rétro, si on peut les appeler comme ça, ont cette version finale. Donc à mon avis, c'est une question de jours avant que les ROM soient dispatchés à tout le monde, en fait. Alors peut-être que, je sais pas, parce que ça serait par rapport à la version physique, mais peut-être qu'ils ont un souci de conversion sur la PCB, tu vois, peut-être que la PCB n'est pas optimisée pour le jeu et que ça fonctionne pas super bien, et qu'à partir de là, ils décident de pas réaliser la ROM pour pas qu'il y ait un retard trop conséquent entre ce qu'ils ont annoncé par rapport à la version des maths et par rapport à la version physique, où ça pourrait mettre des gens assez mécontents, tu vois, imagine... Les gens ont eu la ROM et toi t'attends ta version physique et alors, un an après question, tu l'as pas. Est-ce que en achetant la version physique tu as accès à la ROM? Non. Ça je sais pas. Si c'est le cas, je pense que cette hypothèse tombe à l'eau. Parce que pour le coup, attends, je vais regarder pre-order, new box cartridge, manuel. Donc ça c'est la cartouche seule et ça c'est la cartouche plus boîte. On va regarder, hein. Est-ce que c'est 75 dans la description, la ROM est fournie avec les versions boîte. Ah oui. Donc. D'accord. Je pense que non. Parce que pour le coup, quelqu'un qui serait là, moi je suis pas content, j'ai pas ma version boîte, bah oui mec, mais t'as la ROM dès qu'elle est dispo. Donc tu peux patienter jusqu'à ta version boîte, tu vois. C'est. J'ai du mal à considérer que. Je sais pas. Moi, la seule chose que je vois, c'est des tout petits bugs qui ont été détectés par peut-être ces influenceurs, qui sont finalement aussi les bêta-testeurs. Hein. Eux ont eu carrément des alphas et des versions de développement. Et peut-être que Hancock ou un de ses collègues a remonté du coup au studio que sur le dernier level ou sur le boss fight il y a ce petit bug là, et ça effectivement ça retarde et la ROM et par extension la version physique aussi.
Ouais, très probablement, ça doit être un bug, ça reste là. Là, on est à 5 jours de la sortie officielle. Je pense qu'il faut pas encore. Faut pas encore, entre guillemets. Ah, c'était le 12 mai pour moi, hein, la version officielle, c'était le 12 mai. Ouais, c'est ça. C'est ça, oui, 5 jours du coup, on est à 5 jours de délai. Ah oui, 5 jours de passé, oui, d'accord. Oui. Ouais. Donc c'est ce que je dis, il faut pas trop s'alarmer, on n'est pas sur du paprium, hein, on n'est pas à 2 ans de délai. C'est difficile, c'est difficile. Voilà, voilà. Donc non, patience, et puis là encore, hein, si la semaine prochaine on a des news et qu'il y a eu effectivement les livraisons au moins des ROM, on vous en parlera. Ok, ok. Voilà. Ensuite, ah bah tiens, on parlait justement de tableaux et d'artwork qui sont mis en vente aux enchères ou des covers de jeux qui, les tableaux originaux sont revendus. On est sur une news un petit peu équivalente avec le designer du personnage Medieval qui du coup vend alors sa collection complète de design documents. Donc là, vous voyez, on est encore sur ce fait que, comme c'est un Américain, à mon avis, il a les droits sur toutes ses œuvres et surtout sur les originaux. Japon, ce serait pas forcément le cas. Il dit que non, il dit justement que c'est la propriété de Sony, mais que par contre, effectivement, il espère ne pas avoir... Ouais, parce que c'est son, ses propres illustrations, donc effectivement, ça dépend peut-être du contrat qu'il avait, mais il dit bien que la licence appartient entièrement à Sony et que il n'en a pas les droits. Voilà. Donc il s'agit de Jason Wilson, plus connu sous le nom de Jagan, et qui est vraiment le mec qui a inventé les deux premiers jeux, hein, puisqu'il n'y en a pas d'autres. De Medieval, et donc il raconte qu'il est un peu sur la paille, beaucoup sur la paille, et qu'il trouve pas de job, c'est compliqué pour lui. En fait, c'est ça qui est le plus triste dans cette histoire, c'est qu'il n'est pas pour de la préservation ou parce qu'il veut que ce soit dans les mains de la communauté qui ensuite va tout faire tourner, les archiver. Non, il est sur la paille et il a besoin de pognon, quoi. Et il vend du coup l'intégralité de ses design documents, et il met même ça en avant comme pour lui, c'est probablement la compilation de design document d'un jeu la plus complète du net, parce qu'en fait ça va du tout premier pitch et du tout premier dessin griffonné sur un mouchoir jusqu'au bouquin final en fait qui est donné carrément au développeur, quoi. C'est vraiment vraiment triste, ça me rappelle toutes les histoires qu'on a pu entendre de gens qui vendent leur collection de jeux vidéo. Exactement. Parce qu'ils ont un problème dans leur vie, un truc qui arrive à la bagnole, etc. Et donc là, on sent bien dans son discours que ça lui brise le cœur de vendre ça, que ça a vraiment une dimension affective pour lui, parce que c'est une partie de sa vie dont il se sépare. Et donc, je crois que ça va être mis vente aux enchères. Et c'est une histoire qui fait un peu mal au cul, quoi. Ouais. Alors moi, ce que je lui souhaite, c'est que les tarifs explosent et que il renfloue ses caisses. Et que surtout, l'acheteur derrière ne verrouille pas ça ensuite dans un coffre-fort en mode maintenant ça m'appartient, plus personne ne posera les yeux sur ces pièces, quoi. Hein. J'espère que ce sera scanné, archivé, tout ça. Mais c'est dommage en tout cas qu'il en arrive là, parce que comme tu dis, il le fait pas de gaieté de cœur, loin de là, quoi. D'accord. Et surtout, pour lui, c'est en plus deux fois plus douloureux, parce que comme il ne travaille plus dans cette industrie, ça lui rappelle probablement des moments assez mémorables de sa vie. Hein. On dit pas que c'était facile, hein, parce que à cette période-là, ça crunchait autant que maintenant, si c'est pas plus. La culture jeu vidéo était violente de l'intérieur. Quand on termine avec une mascotte aussi connue que Medieval, on a laissé une empreinte dans l'histoire du jeu vidéo. Et ça, le fait que ce soit derrière lui, ça doit lui faire encore plus mal de remettre les mains dessus pour en plus s'en séparer, quoi. Ouais. Bah, si vous êtes un petit studio de jeux vidéo, embauchez-le, remettez-lui les pieds à l'étrier. Ce serait ça la belle conclusion de cette histoire, quoi. Qu'il retrouve un job là-dedans, en fait. Et quand on voit ce que donne Medieval, alors Medieval 2, j'aime moins l'ambiance 19e siècle anglaise. Je suis d'accord. Mais par contre, Medieval 1, donc dans toute l'inspiration Makai Mura, et Tim Burton, on peut dire aussi. Hein, oui. C'est vraiment Autant inspiré de l'un que de l'autre. Hein. L'inspiration japonaise, peut-être au niveau un peu game design, et tu as clairement l'esthétique d'un Tim Burton, quoi. Et la retranscription de tout ça, qui est quand même de très bonne qualité sur une console pas puissante finalement, parce que la Play, elle avait quand même ses limites, hein, c'est aussi une belle maîtrise de la 3D à une époque où les TPS, c'était pas encore acquis comment on utilise et on fait fonctionner un TPS au niveau commande, au niveau game design, etc. Ouais,
Donc voilà, une franchise qui a eu des suites. Hein. En 2000, il y a un remake sur PSP aussi, et je crois un remaster sur PS4 fin 2018, fin 2019, ouais, je ne sais plus. Ouais, c'est ça. Il y a quelques années. Donc ben voilà, là encore, c'est un peu triste, mais on vous tiendra au courant si on arrive à avoir la somme, parce que la vente, je sais pas quand est-ce qu'elle aura lieu. Tu as l'info ? Non, je sais pas quand la vente a lieu. Oli nous demande pourquoi il est dans la merde, le mec. Parce que je crois qu'il a été au chômage pendant un moment, il a épuisé ses fonds. Et en plus, je crois qu'il lui arrive un truc, mais il dit pas quoi. Et donc, du coup, ça le fout dans la merde. Tu sais, il a des projets, aux US, t'as très vite fait de passer de classe moyenne où tout va bien à je suis SDF dans la rue, quoi. Hein, et y a surtout pas beaucoup avec l'inflation. De... Ouais, y a pas beaucoup de juste milieu, quoi. Ouais. Donc on lui souhaite le meilleur et puis en espérant qu'il en tire le maximum et que le collectionneur derrière ne verrouille pas toutes ses pièces dans un coffre-fort, voilà. Allez, on enchaîne, c'est parti, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah bah tiens, je te la laisse celle-là, l'histoire derrière le faux directeur d'Equinox. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Le faux directeur d'Equinox, donc tout le monde connaît Equinox sur Super Nintendo, superbe jeu, la suite de Solstice, NES aussi... un chef-d'œuvre, hein, les deux sont fantastiques. Eh bien, en tout cas, derrière, on a un studio de Manchester, hein, avec les frères Pickford. Donc, le plus connu des deux étant John Pickford. Eh bien, ils ont fait le taf sur le jeu. Et donc, ce qui se passe, c'est que, en fait, John Pickford nous explique que le réalisateur du jeu, eh bien, s'appelle Alan Smithy. Et donc, moi, je ne savais pas qui était Alan Smithy. Et il nous explique... je connaissais pas l'histoire dans d'Alan le cinéma Smithy, je parle, parce que dans le cinéma c'est très connu, hein, c'est Vas-y, raconte-nous. En gros, c'est de la même manière que quand vous trouvez un corps, un légiste trouve un corps qui ne peut pas être identifié, on appelle ça un John Doe, et John Doe c'est le nom type pour un corps qui n'a pas d'authentification, empreinte ou quoi que ce soit. Et du coup, dans le cinéma hollywoodien, quand on faisait un navet ou surtout les films d'exploitation, hein, à une époque il y avait une grande mouvance des films d'exploitation, donc c'était des films qui étaient faits de manière vraiment industrielle, avec des acteurs bas de gamme, des tout petits budgets, et parfois sur des thématiques ou des trucs de niche. Il y avait un mouvement qui s'appelait la Blaxploitation. En gros, c'est tous les films de Black Power dans les années 70 qui étaient tournés vraiment comme c'était vraiment fait pour remplir les cinémas et pas pour faire du film culturel ou de qualité. Et du coup, il y a des réalisateurs très connus qui ensuite ont eu une carrière fameuse, des Césars, des Oscars et tout ce que vous voulez, qui ont travaillé, qui ont commencé dans cette industrie. Et du coup, ils avaient tellement honte d'apposer leur nom à la réalisation qu'ils ont créé un nom un nom, on va dire, universel pour cacher le fait que c'est eux qui aient réalisé. Et du coup, c'est Alan Smithy, le nom en question. Tout à fait. Et ça existe aussi pour les auteurs de livres. Je n'ai plus le nom en tête, mais il me semble que il y a des auteurs de livres aussi qui ont signé avec des patronymes comme ça, qui sous-entendaient « je n'assume pas ce livre », quoi. Ouais, Marc Dorcel, je crois. c'est possible. Non, je sais pas. En tout cas, John Pickford nous explique que s'il a pris la décision de faire ça, c'est parce qu'en fait, il a été pressé sur la sortie du jeu et qu'en fait, il a dû couper tout un tas de contenu qu'il avait prévu et ça l'a dégoûté. En fait, il s'est dit, putain, mais c'est pas mon jeu au final. Le truc, il est trop rapiécé. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il a fait, allez vous faire enculer, c'est Alan Smithy qui dirige le jeu et voilà, quoi. Bah, et donc, il nous raconte l'histoire maintenant. Mais c'est quand même assez, je trouve, respectable de sa part, parce qu'il estime que sa vision n'a pas été respectée, qu'on lui a demandé des coupes qui l'ont vraiment emmerdé, il marque, hein, « which pissed me off », donc ils l'ont vraiment fait chier, et du coup il était tellement vexé qu'il voulait pas que son nom soit dans les crédits, alors que quelqu'un qui aurait voulu simplement se dire « pour mon CV ça va être très bon, et surtout ça va me permettre de me glorifier en disant « voilà, regardez, j'ai été directeur d'un jeu machin », non, on préfère carrément se faire effacer des crédits, quoi. Donc ça prouve son intégrité, on va dire, hein, j'estime. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ça montre qu'il a des couilles, ouais. Exactement. Se passer de la fame par intégrité, on va dire, créative, je trouve ça respectable. Tout à fait. Et de toute façon, ce soir, on reparlera encore une fois de John Pickford, voilà. Oh, teasing. Tout à fait. Alors, on va parler d'un truc un peu plus rocambolesque maintenant, un petit peu plus cringe, mais c'est en relation aussi avec une sortie récente. Vous avez peut-être entendu parler d'un petit jeu indé fait par 2-3 personnes dans leur cave, qui s'appellerait Zelda Tears of the Kingdom, quelque chose comme ça, Klingon. Ouais, il est peut-être question de Star Trek, je ne sais pas.
Toujours est-il que en ce moment les gens bien entendu ne parlent plus que de ça, donc nous on va pas trop vous emmerder avec ça. On précise quand même que oui, on est conscient que Zelda est sorti. Moi j'y joue, Guémou, est-ce que t'y joues très rapidement? Non, Tilda y joue, moi je joue avec elle, mais c'est je marrant. Suis plus spectateur. On finira par croire, nous gros machos que nous sommes, misogynes, que c'est presque un jeu qui est un peu plus taillé pour les femmes. Parce que j'ai le même constat chez moi. Ah Oblivion, oui. Il joue, mais je veux dire, dès qu'elle rentre du taf, elle se jette sur sa Switch, ouais. Et il n'y a plus que ça qui existe jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Moi, j'ai mis une vingtaine d'heures, mais très émietté, et j'ai pas... tu vois, je suis pas à me jeter sur le jeu dès que j'ai un moment libre. En fait, j'ai pas non plus de moment libre, ceci expliquant cela, mais... il m'arrive de lancer d'autres jeux. Voilà. Par exemple, l'autre soir, j'ai préféré lancer Redfall pour me rendre compte du fiasco, tu vois, en main propre, plutôt que de refaire quelques heures sur Zelda. Donc voilà, mais étrangement, je pense que toi comme moi, on est très intéressés, mais c'est par manque de temps surtout que on n'est pas dessus, quoi. Exactement. Mmh. Ouais, je peux juste pas. J'adorerais, hein, je le vois, il est très poétique, il est bien foutu. Bon, après, le système de bordel où tu soulèves les trucs et tout, ça me fait pas rêver. Mais bon, c'est pas insupportable. Je le ferai avec grand plaisir, mais je peux pas me le permettre ni autant. Non, bah oui, pareil. Et puis c'est quand même un jeu fleuve qui nécessite... Ouais, alors ça. Oui, il se speedrun en moins de 84 minutes. Je crois même que c'est encore descendu. Mais voilà, le but du jeu, c'est comme Breath of the Wild. Oui, tu peux aller te jeter sur le boss fight final très rapidement. Même si c'est pas exactement comme ça dans le nouveau, mais tu peux sauter énormément de phases. Mais il y a quand même, entre guillemets, un cursus à respecter qui est beaucoup plus présent que dans Breath of the Wild. Moi, je sais que Breath of the Wild, j'avais l'impression que c'était un peu... un copier-coller avec tous ces mini-temples, et finalement il n'y avait pas beaucoup de grands moments, tu vois, de bravoure, même s'il y avait des boss fights intéressants, il y avait des zones intéressantes, alors que Tears of Kingdom, ils ont vraiment essayé de remettre un peu la narration au premier plan, et comme tu dis, tout le système physique de crafting, de création d'objets, c'est intéressant dans le sens où il y a une vraie logique. T'es pas obligé de suivre des guides à la con pour savoir comment faire une charrette à roues. Ta simple logique va te permettre de le faire. Et du coup, moi, je retrouve le plaisir d'un jeu pick and play où tu réfléchis par toi-même et t'essaies de trouver des solutions très variées. Il y a un peu un vrai gameplay systémique. Et comme Redfall, un jeu arcane, qui était d'habitude les rois de l'immersive sim, est une honte parce qu'il n'y a pas une once d'immersive sim dedans, et ben là, dans Zelda, vous avez vraiment de l'immersive sim. Parce qu'une même solution, enfin, un même problème peut être réglé de 4-5 manières différentes, quoi. Donc c'est très agréable à jouer. Mais ça nécessite, oui, 100-120 heures pour vraiment en faire le tour. Donc je pense qu'on produira un test, mais sans vous donner aucune date. Ce sera when it's done. Hein, je sais pas ce que t'en penses. Oh bah, ce sera pas par moi, mais ouais, avec grand plaisir. Ça, bah moi, je compte le produire, mais par contre, si tu veux mettre ta petite bouille dedans, tu seras le bienvenu, hein, bien sûr. Bah, si t'as besoin de moi, tu me dis. Et puis, avec plaisir, ouais. Voilà. Et ben ça marche. Et du coup, donc la news, hein, voilà, je ferme la parenthèse Tears of Kingdom. Hein, et jouez-y aussi sur émulateur. Qu'est-ce qui tourne bien sur émulateur? Oh là là, 4K 60 FPS, ultra wide screen. C'est un autre jeu, quoi. Bref, vous avez l'impression d'y jouer sur PS5 presque, pour le coup. Donc la news, elle concerne malgré tout Zelda, mais une pub que vous avez peut-être connue, japonaise, il me semble qu'elle n'a jamais passé les frontières, hein, parce que non, jamais. C'était un petit peu trop bizarre peut-être pour que les occidentaux comprennent. Je vous la repasse, c'est le rap Zelda. Il y a moyen de mettre le son ou... Ah oui, je vais mettre le son, tu m'étonnes. Allez, vas-y. Et on s'en fout si on se fait striker, c'est tellement bon. Ah, mais on a l'habitude. Écoutez-moi ça, et dansez dans le chat. Ouais, dansez. Ah merde. Tout le monde. Super Famicom. Pourquoi Zelda est venu? Mais qu'est-ce qui se passe? Non mais elle a le droit de se teindre les cheveux, Zelda, attends. Moi je trouve que c'est sympa parce qu'ils reprennent quand même la mélodie, hein, de Zelda. C'est pas pire que le rap Donkey Kong, je trouve, s'il faut comparer. Ah non, moi j'apprécie la pub, hein. Puis c'est rentré dans les années 90, hein. Moi je suis désolé, ah oui, le oui, petit carrément. Scratch à la fin qui rappelle Benebi, moi ça me parle, voilà.
Ah oui, oui. Ouais. Salut à la Belgique, hein, puisqu'on parle de Benny B. Exact. BE2NYB. Ouais. Je pourrais vous la faire en entier, mais je vais faire fuir le peu de spectateurs que nous avons. Ah non, non, moi j'apprécierais. Vas-y, n'hésite pas. Hein. Non, non, non. Je ferai un freestyle peut-être. Oh tiens, dans une vidéo, ça pourrait être sympa, ça. Ouais. Bah carrément, fous le groove en nous, quoi. Alors, la news en elle-même, parce qu'il y a une anecdote autour de cette news, on n'est pas juste là pour vous passer la pub. Guémou, dis-nous tout. Que se passe-t-il du coup avec, avec ce rap? On a appris des choses récemment. Bah ouais, en fait, on pensait que la musique avait été faite exprès pour la pub, et c'était pas le cas. En fait, ça vient d'un groupe de rap qui avait sorti un album en 91, et donc un groupe de rap japonais, forcément, qui s'appelle Shadarapar. Bon, déjà, le nom, c'est très abstrait, hein, mais c'est japonais, donc c'est normal. Et donc, les mecs avaient fait un rap qui, à l'époque, s'appelait Game Boys, donc en deux mots, et donc qui était un tribute aux fans Nintendo, et donc à la Super Famicom et à la Game Boy. Et donc, Nintendo avait apprécié ce fait, et donc a demandé à ce groupe de reprendre leur titre Game Boys et de l'adapter pour cette pub. Zelda Densetsu. Et donc c'est comme ça que ces mecs-là ont adapté leur pub en reprenant leur rap, qui à l'époque il y avait un sample de Kondo-san, hein, donc de Super Mario Bros. Et donc là ils ont réadapté ça pour Zelda, et donc c'était quelque part une volonté de Nintendo de le remercier en les employant pour cette publicité. Donc c'est ça, un petit retour d'ascenseur sympa, ouais. Quoi. Ouais, voilà. Puis comme il dit, il est quand même très content parce qu'il a pu rencontrer Monsieur Miyamoto-san, et que c'est vrai que pour lui, qui était un gamer déjà à l'époque, c'était un honneur. Donc il était très motivé de bosser avec l'équipe, quoi. Donc puis après, effectivement, il n'a pas eu forcément les retours qu'il aurait pu avoir s'il avait vraiment été mis en tant qu'auteur de la pub. Mais après, c'est très connu que quand vous bossez pour le publicitaire, vous détachez complètement de ce que vous fournissez, parce que c'est pas du coup une œuvre pour le coup culturelle, c'est vraiment une commande et c'est un contrat de publicitaire, hein. Donc il y a des réalisateurs français, Gérard Jugnot, qui a fait des pubs complètement délirantes. Je sais pas s'il y a un seul moment vous savez que c'est Gérard Jugnot qui a fait la pub. Il est pas crédité quelque part, quoi. Donc bon, c'est un peu dommage pour la notoriété du groupe, mais de toute façon le groupe a splitté. Il me semble que quelques années après la diffusion de la pub, le groupe n'existait déjà plus. Donc bon. D'ailleurs, il y a Oli qui rappelle que Koji Kondo, la musique de Zelda, c'est un album de musique américain des années 70. Effectivement, il reprenait beaucoup de choses, s'inspirait très très fortement d'autres choses. Mais alors, ça n'empêche pas que c'est les thèmes qui nous ont marqués. Et d'ailleurs, je me souviens même que la musique de Zelda, premier du nom, je crois que ça avait été composé en une nuit, si je dis pas de conneries. Bon, je peux me tromper, hein, mais c'est ce que j'avais lu, et donc c'était assez fort, quoi. Ouais, oui, écoute, hein, c'est la musique de jeux vidéo, de toute façon, hein, les gens inventent rien, c'est des réécritures, des réorchestrations, des inspirations qui, quoi qu'il arrive, t'évoquent quelque chose, quoi. Pas toujours, peut-être au début c'était beaucoup ça, mais après, plus on avance dans le temps, plus les gens se lâchent. Chez Konami, par exemple, les compositions étaient pas si inspirées que ça, c'était vraiment des artistes, hein. D'ailleurs, les sélections chez Konami étaient... très très compliqué, hein. Fallait passer je sais pas combien d'examens, oui, pour entrer dans la boîte. C'est vrai que tu avais des studios qui avaient carrément des groupes internes, effectivement, et eux c'était des purs musiciens entrés, et puis vraiment pour certains classiques, pour certains contemporains, mais ils avaient un niveau. La preuve, ils ont tous quasiment sorti des compiles soundtrack et fait des concerts en public, hein. Donc bon. Ouais, tout à fait. Mais moi, je néglige pas les compositeurs tout court. Hein. On peut être quelqu'un qui compose uniquement des partitions qui ensuite les fait soit jouer par un home studio, soit par un vrai orchestre. Mais dans les deux cas, c'est ta composition. C'est aussi important finalement que les musiciens qui la jouent. C'est un tout, la musique. Ouais, tout à fait. Et voilà, petite anecdote. En tout cas, c'est bon à savoir que c'était pas une création originale. Ça m'aurait étonné. Je pense que si ça avait été une création originale, ça aurait été bien plus nul. Là, on sentait quand même qu'il y avait... j'ai envie de dire des gens qui savaient faire du rap, en tout cas du rap typé années 80-90, hein, bien sûr, mais tu sentais que ça venait quand même de quelqu'un qui maîtrisait le genre, et que c'était pas juste un publicitaire qui s'était dit en une nuit on va parodier du rap, quoi.
Ouais, tu sens que le rappeur n'est pas très super doué. Non. Pour être gentil aux États-Unis. Mais en même temps, les paroles qu'on lui demande de dire, qui du coup sont là pour vous vendre le jeu avant tout, voilà. C'est comme le rap de Donkey Kong, je veux dire, Grant Kirkhope, c'est un compositeur mais ultra talentueux et qui est capable de bosser dans tous les genres. Donc pour lui, le rap, c'était plus une blagounette. Et je pense de la même manière, eux, ils ont composé ça. Pour écouter l'album complet du groupe Shadar à part. Eh ben, y a des tracks qui sont bien plus intéressants. Voilà. D'accord, moi je connais pas du tout. Bah écoute, t'écouteras. Ils sont sur Spotify, donc n'hésite pas. Ok. Allez, on enchaîne, il nous en reste encore quelques. Ouh, on en reste pas mal encore. Donc, ploc. Dis-nous tout. Oui, on en revient au John Pickford. Donc même studio que notre cher Equinox. Donc Plock, sorti sur Super Nintendo, exclusivité Super Nintendo, a été en fait adapté sur Mega Drive et il est jamais sorti. Donc on va faire très rapide, comme ça nous permet d'avancer. Eh bien tout ce qu'il dit, en fait, il explique pourquoi il n'est pas sorti, simplement parce que la conversion était compliquée à faire pour eux, et ils n'ont pas vraiment réussi à faire quelque chose d'optimisé. Hein. On connaît les différences entre la Mega Drive et la Super Nintendo, qui sont des machines à la conception un peu opposées, hein, puisque le processeur de la Mega Drive est bien plus puissant que celui de la Super Nintendo. Et par conséquent, cette version de Plock sur Mega Drive a des ralentissements et certains bugs. Et donc ils ont décidé au final de ne pas la sortir, ils s'en sortaient pas. Et donc ça doit tourner quelque part, on doit pouvoir trouver ce Plock Mega Drive ou pas. Mais il existe quelque part en tout cas. Et voilà, c'était ça la news. En tout cas, c'est intéressant de voir que... parce que ça, c'était quand même très rare de voir des interviews qui se focusent vraiment sur le hardware dans des magazines de jeux vidéo. Parce que je sais pas de quel magazine c'est tiré, il ne le met pas, je crois. Parce que tu vois, on a un scan du coup de cette interview, et c'est là du coup que Kevin Edwards nous précise que voilà, Flock avait des problèmes effectivement de puissance et de compatibilité sur le 68K. Et c'est vrai que moi je prends l'exemple de nos magazines à nous des années 90, début 2000, c'était très peu orienté hardware. Quand on avait une nouvelle plateforme, on te parlait de la nouvelle plateforme et de ce qu'elle apportait, voilà, le nombre de boutons, on parlait en bits. Nous en France, j'avais l'impression qu'il y avait que les bits qui comptaient, alors que très vite, on a compris que les bits c'était du flan, quoi. Sinon la Jaguar, ça aurait été la meilleure console de la planète. Enfin, tu vois, c'est complètement assez... Enfin, avec le recul, on parlait pas du tout des bons sujets. Et j'ai l'impression que en Angleterre et aux États-Unis, peut-être au Japon aussi, mais comme je ne parle pas japonais, je ne sais pas. Ils étaient beaucoup plus focus sur vraiment interviewer des développeurs qui vont vous donner vraiment des anecdotes de développement. Et là, c'était du coup pourquoi un jeu ne peut pas voir le jour sur une plateforme et fonctionne très bien sur une autre, quoi. Exact, ouais. Donc voilà, vous avez le scan original sur le tweet, et effectivement, un petit jeu qui tourne très bien sur Super Nintendo. Tout à fait. Est-ce qu'on ne reviendrait pas sur Zelda ? Allez, un petit coup encore pour remettre l'accent sur... Et au fait, il y a un nouveau Zelda qui est sorti, hein, vous savez ? Non, on n'a pas du tout fait pour ça. C'est juste que c'était dans l'actu rétro. Bah forcément, il y a un Zelda qui sort, ça active d'autres gens qui vont Les rédacteurs se frottent les mains, effectivement, oui. Ah ouais. Et donc là, on revient un petit peu sur les mêmes personnes que dans des news précédentes, des rétro game show. En fait, toujours des gens liés à Rare, hein. Ouais, étrangement, ouais. Ouais, toujours les mêmes qui te ressortent des prototypes de jeux. Et en l'occurrence, c'est Steam Stamper qui nous sort un prototype rare du Zelda 3D qui avait été présenté bien avant la sortie de Ocarina of Time. Et donc Ocarina of Time n'avait rien à voir avec ce qui avait été présenté au Space World 97. Et donc, si vous voulez, c'est quelque chose d'un peu inédit. Et donc, le mec, il ressort comme ça, un prototype de la démo du jeu, et en disant que Nintendo lui avait leur avait envoyé, histoire d'avoir un retour. Et donc, pour qu'il teste ça, et le mec, il te sort ça, tranquille. Voilà. Donc, il a ça. Et apparemment, ça a été déjà préservé avant. Hein, donc, c'est pas un truc de ouf, complètement inédit, que personne n'a. Ça a été préservé avant, ça a été récupéré, je crois, à partir... d'une cartouche de F-Zero ou un truc comme ça. C'était quoi l'histoire? Oui, une cartouche de développement de F-Zero où le code était dedans. C'était le site Forest of Illusion. Exactement. On vous en parle très souvent, hein, ça fait partie des gros sites de préservation.
Oui, effectivement, clairement. Eux ont souvent accès, un peu comme Laurent Combi, à des protos, des dumps vraiment de développement, ou des cartouches qui parfois sont complètement white label, hein. Vous avez aucune mention à part une vague date, et c'est en dumpant les data que vous découvrez ce qu'il y a sur la cartouche, et des fois, bah, comme dit Gemou, vous n'avez pas le même jeu que ce qu'il y a sur l'étiquette. L'étiquette mentionnait un build de F-Zero, et en fait, il s'est trouvé que c'était un build d'Ocarina of Time. Donc ça effectivement, et on reconnaît tout de suite les cartouches de développement qui ont à peu près deux fois la taille d'une cartouche commerciale. C'est souvent voilà, ce genre d'unité là, avec un code série, parce qu'elles étaient données au compte-gouttes par Nintendo, hein. Le but c'était surtout pas que des gens puissent pirater ça, facilement en tout cas. Et puis voilà. Voilà. En même temps, est-ce que c'est pas un petit peu du flex, hein? Parce que c'est flexé le fait qu'il a une pièce rare parce que c'est la sortie d'un Zelda. Et c'est, pour moi, c'est pas mieux que les influenceurs qui mettent leur miniature Zelda parce que le jeu sort et qu'ils veulent faire une vidéo qui va banquer sur les vues. Mais bon, en même temps, il a une pièce vraiment inédite pour le coup. Ah oui. C'est pas commun, ah oui, c'est de clair. Voir ce genre de jeu. Après, comme tu dis, si vous voulez aller voir du gameplay de ce genre de build, vous en avez sur le net, hein, parce que comme ça a été archivé, il y a des gens qui ont téléchargé la ROM, l'ont fait tourner sur du vrai hardware ou bien sur un émulateur, mais il y a plein de gameplay qui tournent. Donc on va pas s'attarder là-dessus, hein, c'est pas une pièce inédite pour l'occasion. Ouais. Et ensuite, on a un autre papier, alors ça je sais pas ce que c'est, est-ce que c'est pas les notes qui étaient avec la cartouche? Parce qu'on a une autre photo du coup parce de David Doak. Effectivement, ont relevé des choses. Ils ont relevé des choses par rapport donc à ce qu'ils avaient reçu. Ah oui, c'est ça. C'est tout ce que eux ont noté sur la démo, qu'ils ont renvoyé ensuite à Nintendo en tant qu'avis de développeur chevronné, voilà. Exact. Et il y a des points que je relève. Caméra, difficult to get POV, donc point of view you want. Donc en gros, il sous-entend que c'est difficile de regarder là où tu veux avec la caméra. Donc le stick qui gère la caméra, effectivement, dans Ocarina of Time, c'était pas encore totalement calé. On n'était pas encore sur du twin stick avec le stick de gauche pour les déplacements ZQSD et le stick de droit pour la caméra via des rotations. C'était pas figé encore dans le marbre les commandes là. Donc c'est toujours intéressant de voir comment ça a évolué avec le temps, et comme maintenant c'est complètement uniformisé en fait. Hein. Ah oui, les problèmes de caméra ne sont plus un problème aujourd'hui, alors qu'à l'époque c'était monnaie courante. Ouais. Tout à fait. Ok, allez, on enchaîne. On a du Landstalker en stock. Ouais. Très Sega ce soir, hein, plus que Nintendo, puisque Nintendo n'est présent que par Zelda. Présent par un portage qui ne pouvait pas tourner sur Mega Drive aussi, donc tu vois. Ouais. On met un peu la Super Nintendo en avant aussi, finalement. Oui. De toute façon, la Super Nintendo, c'est légendaire. Mais oui, donc cette histoire de Landstalker 2, en fait, quelque chose qui brise un peu le cœur, parce que Landstalker est très certainement un jeu d'extrême qualité qui a fait plaisir à énormément de gens, le Zelda de la Mega Drive. Eh bien, on apprend, en fait, via un fanbook de 1997... que, en fait, ils avaient commencé à travailler sur Landstalker 2, et donc ça, c'est pas n'importe quoi. Donc ça aurait été un gros titre, hein, dessiné par Yoshitaka Tamaki, le designer de ce jeu, hein, qui a ce trait si particulier, hein, qui rappelle d'ailleurs un petit peu Zelda quelque part. Et malheureusement, malgré les artworks, le jeu n'est jamais sorti, peut-être sûrement parce qu'il était trop tard dans la durée de vie de la Mega Drive. Et il y a eu d'autres jeux, hein, liés à Landstalker par la suite, mais celui-ci, on aurait vraiment, vraiment aimé l'avoir. Et malheureusement, ça n'a jamais sorti. C'est vrai qu'on a eu par la suite les Distalker sur Super Famicom, Dark Savior sur Saturn. On a dit, mais Alundra, c'est pas un peu Landstalker 2? Ah! Ouais, c'est vrai que le personnage. Il y a beaucoup de similitudes, mais on peut pas appeler une suite directe en tout cas, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de similarités. Je veux bien, après, peut-être qu'Alundra est plus conventionnel dans l'aspect action RPG. Ouais, dans son game design, on est sur du plus traditionnel que Landstalker, qui cherchait quand même à faire quelque chose de nouveau, pour le coup, avec le premier, en tout cas. Ouais, et puis il y a Time Stalkers aussi sur Dreamcast. Mais c'est vrai que quand on arrive à ce genre de bouquin qui a déjà, entre guillemets, sa mise en page, ses artworks et tout, ça prouve qu'ils étaient déjà relativement bien avancés dans le développement.
Oui, bah, il avait déjà un titre, hein, il s'appelait Heart of Diamond. Donc je pense qu'on n'était pas loin d'une sortie, j'en sais rien en vérité. Est-ce que un prototype émergera un jour? Ça, ce serait intéressant. Ça serait ouf. Ouais, ça serait ouf. Ça serait ouf. Ou alors, et ça peut arriver, hein. En ce moment, les éditeurs et les constructeurs commencent à comprendre qu'il y a un vrai intérêt à ressortir ce genre de trucs dans les boîtes de unreleased pour les mettre sur des compiles, sur des mini. Ce qui avait fait beaucoup de bruit, c'était le Star Fox 2, qui était quasiment à la fin de son développement et qui avait été annulé exactement pour les mêmes raisons, parce que finalement la Super Nintendo était passée de mode. Et comme elle était en fin de vie, ils voyaient pas l'intérêt de sortir un Star Fox 2 avec tout le branle-bas de combat de la com, le marketing qu'il fallait faire, les cartouches, les boîtes, etc. Donc le jeu a été mis aux oubliettes alors qu'il était fini à 90%, quoi, hein, plus ouais, même. Même 97%. Ouais, complètement. Donc Nintendo l'a fignolé et on la retrouve maintenant sur l'émulation. Émulation Super Nintendo via la Switch, et on retrouve sur la, je sais plus quelle mini, je crois que c'est la Super Nintendo Mini, il me semble. Oui, c'est ça, c'est en fait la première version officielle du jeu, hein, puisqu'il existait déjà des cart modes de Star Fox 2. Oui, ça tournait déjà sur le net, bien sûr. Ouais, la première version officielle, c'est sur la mini Super Nintendo. Donc, qui sait, si Sega, entre guillemets, a ça peut-être dans les tuyaux et qu'ils y ont accès, que contractuellement, ils sont en droit de le mettre sur une mini ou une compile. Parce que je vous rappelle que Sega a fait des sondages pour savoir ce qu'on voulait par la suite au niveau de leur département mini. Donc, tout est possible. Hein. Tout est possible chez Sega, même si maintenant, je pense que les 8 bits et les 16 bits, ça va être derrière. Je pense qu'ils ont fait beaucoup déjà sur ces consoles-là. Ce qu'on attend maintenant, c'est une mini Saturn. Sait-on jamais, ouais. Ou une mini Dreamcast, ouais. Je pense que les gens attendent vraiment ça, quoi. Ah oui, ce serait surpuissant, ça. Ouais. Donc à voir, mais ouais, moi j'aimerais bien voir un proto émerger un jour, quoi. Savoir de quoi il retournait, quel était le gameplay, est-ce qu'on était sur les mêmes types de sprites, ouais, grand mystère. C'est plus beau, tu vois, enfin ouais, ça doit être super intéressant de mettre la main sur ce genre de trésor, quoi. Tout à fait, en tout cas l'artbook est disponible sur un Google Drive, et c'est archivé chez Video Game Densetsu. Qu'on remercie aussi parce que c'est aussi un compte qui fait de l'archivage au quotidien de plein de documents et de ROM. Voilà. Exact. Je vous mets le lien dans le chat du Twitter, comme ça vous avez le drive intégré. Et on va passer à une news qui fait plaisir à Philippe Dubois, je te laisse la traiter si tu veux. Alors, Blaze, le retour. Le retour des sorties boîte pour la console rétro, finalement, qui est un peu une surprise. J'ai envie de dire, c'est l'outsider où les gens n'attendaient pas beaucoup de l'Evercade avant sa sortie. Et maintenant qu'elle est là et qu'on voit surtout qu'il y a un vrai suivi, on n'est pas sur... Moi, au début, quand je vois des fois ce genre d'annonce, tu sais, je pense aux pubs qu'on a encore maintenant, mais qu'on avait surtout dans les années 90-2000, des magazines, tu sais, où tu achetais le premier volume dans chez ton bureau de tabac, tu avais la première pièce d'une maquette ou d'un truc de collection, et ils te promettaient que dans les mois qui suivaient, il y allait y avoir plein de numéros qui allaient sortir pour compléter la collection. Et bien, souvent, ces collections, au bout de 3-4 numéros, elles disparaissaient. Et je sais pas si vous avez déjà eu le cas, j'ai plus d'exemple, hein, mais c'était faire une maquette complète Transformer et vous aviez deux pièces Transformer et à la fin la collection, je sais plus si c'était Hachette, souvent Hachette qui faisait ça, Hachette ou Hasbro, non Hachette je crois. Et ben là Evercade, avant l'annonce ou au moment de l'annonce, moi j'ai pensé ça, je me suis dit oui les gars ils promettent plein de cartouches rétro, des signatures de contrats d'anciens éditeurs rétro, de la grande époque 8-16 bits. Et au final, ils vont sortir 3 cartouches et on n'entendra plus jamais parler de l'Evercade. Eh ben, je me suis bien trompé. C'est quand même un projet qui survit sur le long terme et qui, tous les mois, quasiment tous les deux mois, a des sorties majeures. Parce qu'on a vraiment des collections qui sont... Enfin, je veux dire, quand on a du Toplan, quand on a du Team 17, c'est quand même des grands noms du jeu vidéo rétro. Et le fait qu'ils aient pu les signer et regrouper ça sur des collections, le tout compatible via une console multi-support, hein, finalement, parce que... Enfin, multi-plateforme, en tout cas. Le support étant une vraie cartouche physique. Donc ça aussi, pour les amateurs de physique, il y a une grosse plus-value. On n'est pas juste sur une machine qui fait de l'émulation et vous qui téléchargez des ROM officiels. On a vraiment de la boîte, on a du manuel couleur, et on a surtout maintenant la console Evercade XP qui fait une vraie portable digne de ce nom. Et en plus, elle n'est pas trop chère, Oli, tu as tout à fait raison. Que ce soit les cartouches qui dépassent rarement les 25€, la compilation et la console qui, en fonction du modèle, dépasse pas les 150€, je crois, on est sur effectivement un matos très intéressant, pour le coup.
Oui, puis Steph Le Flou nous rappelle qu'on peut aussi développer dessus, donc c'est pas forcément uniquement des compiles. Et en fait, ce qui est relevé dans cet article, c'est que en fait le matos est de qualité, les boîtes, les notices sont soignées et tout, et c'est vrai que tout autour de moi, je ne lis que d'excellents retours des gens vis-à-vis de cette machine. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais je vois qu'il y a un sacré engouement pour ça, et puis écoute, tant mieux, hein. Les gens sont saucés, et c'est bien, parce qu'en fait, c'est l'engouement autour de la console qui justifie les signatures de contrat pour les cartouches. Et ça, les gens se rendent pas compte à quel point c'est imbriqué et main dans la main. Les gens qui se plaignent en ce moment que le PSVR 2 est à peine sorti et déjà plus ou moins abandonné par Sony, il faut savoir que Sony a pas du tout atteint les chiffres de vente du hardware. Donc derrière, déployer des budgets pour des gros jeux alors que le hardware ne s'est pas vendu comme il voulait, c'est du suicide, économiquement parlant. Et du coup, l'Evercade, c'est parce que le hardware, peu importe l'édition, hein, vous aviez la version console de salon, puis la portable, enfin, la console de salon, ensuite deux joueurs, puis ensuite la console portable, peu importe la version, c'est compatible avec les cartouches, et le coût fait que c'est relativement accessible. Vous pouvez en plus l'utiliser en mode tâté. Regardez, vous avez le AB qui est sur le côté pour pouvoir mettre la console pour les shoot'em up en version tâtée. Qu'est-ce que vous voulez de plus, quoi ? L'écran LCD, il est de bonne qualité. Pareil pour les boutons. Même si la finition paraît un petit peu austère, on n'est pas sur des jeux de couleurs comme une Switch. Mais le tarif, c'est deux fois moins cher qu'une Switch. Donc, j'ai envie de dire, la console, elle suit son petit chemin. Et effectivement, il y a de plus en plus de boîtes qui acceptent de signer des contrats et de faire des petites compilations de 4, 5, 6 jeux d'un même éditeur ou d'un même développeur. Et donc voilà, c'est des jeux de qualité. On a le dashboard aussi qui est plutôt sympa. Vous avez une vraie interface à la Nintendo Switch où vous pouvez gérer votre collection, avoir les jaquettes, etc. Et du coup, j'ai trouvé un autre article où vous avez le listing complet de tous les jeux disponibles à ce jour. Donc ça, c'est très pratique. Si vous souhaitez collectionner ou vous procurer une compilation bien précise, vous avez tout. Et donc c'est listé de manière, vous avez console, un chiffre, et en fait à chaque fois c'est une collection différente, et il me semble que vous avez aussi voilà home computer suivi d'un chiffre et arcade suivi d'un chiffre. Et en fait ça c'est des grandes collections qui regroupent ensuite à chaque fois une cartouche ou plusieurs cartouches. Et vous avez tout, vous avez du Jaleco, vous avez du IREM, vous avez du Toplan, vous avez la compile Commodore 64, vous avez des jeux indépendants, vous avez encore du Toplan, vous avez du Pico Interactive, du Team 70, du Bitmap Browser, Intellivision, enfin c'est vraiment vraiment intéressant à ce stade. Oui, c'est vraiment pour les puristes, ouais. Ouais. Tout à fait. Ouais. Donc voilà, très content que cette petite console à tarif vraiment plancher, hein, parce que en dessous ils pourraient pas la vendre. Je sais même pas comment ils font de la marge sur le hardware à ce prix-là. Donc voilà. À mon avis, ils font pas de marge, hein. C'est comme d'habitude, ils font de la marge. C'est sur les licences, c'est sûrement des jeux. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc voilà, très content que ça marche bien. Et puis qui sait, moi j'ai pas le matériel Gameu non plus, donc ce serait compliqué de vous faire une vidéo dédiée. Mais si on se le procure à l'occasion, moi je suis partant pour produire du contenu dessus. Hein. Ce serait intéressant. Bah écoute, vas-y, hein, moi c'est pas trop ma tasse de thé, mais... Moi ça m'intéresserait, le problème c'est que j'ai pas envie d'investir là à l'instant T, maintenant, voilà, on sait jamais, hein. Je dis ça, c'est pas du tout pour ouvrir la porte à un donateur, hein, mais si quelqu'un me la prête, ne serait-ce que dans mon entourage, je peux éventuellement faire une petite vidéo dessus, à l'occasion. Yes. Voilou, alors on a Ninja Neko Nico qui nous dit, j'avais vu une vidéo de GameSack sur l'Evercade, ça avait pas l'air génial, alors, je t'en Mais ça a évolué depuis. Sur le fait qu'elle a été mise à jour depuis leur vie, il me semble que leur vidéo c'était le tout premier modèle d'Evercade de salon. À l'époque, le firmware n'était pas encore totalement finalisé. Et eux, il faut pas se leurrer, c'est vraiment des puristes du matos réel et du jeu réel sur matériel d'époque. Et le truc, c'est que ces gens-là, je veux pas être méchant, j'adore leur contenu. GameSack, ça fait partie de mes chaînes US de rétro gaming favoris. Ah oui, mais oui. Avec My... non, j'allais dire Life is Video Game, c'est nous. Merde, My Life in Gaming. Mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu biaisés sur le côté ouverture d'esprit par rapport à du matos comme ça. Parce que ça reste de l'émulation, on va pas se leurrer, quoi. Donc voilà pourquoi ils sont critiques. Mais il faut savoir que la version portable n'a quasiment plus les défauts de la version de salon. My Life in Gaming, ça existait avant nous, mais je suis sûr qu'ils nous ont, ils sont allés dans le futur. Et bien sûr. Et ils nous ont niqué, quoi. Bien sûr, avec une machine à voyager dans le temps, c'est toujours la même histoire, quoi. Ils savent qu'on est tellement plus balèze qu'eux au niveau technique que il fallait prendre exemple sur les meilleurs. Voilà. Bien sûr. Le truc, c'est que nous, en fait, en 2027, on a créé la playlist RGB Masterclass pour vous montrer comment tirer la meilleure qualité d'image de toutes les plateformes rétro existantes.
Et ils sont allés nous piquer la playlist pour la mettre en ligne en 2012 ou en 2015, quoi. On est dégoûtés, quoi. Bande dégoûtés. De bâtards. Bref, c'est toujours pareil, hein. Les héros sont toujours méconnus, hein. Tu sais ce ouais, que c'est, ça, Game c'est ça. Ouais, c'est ça. Surtout quand on a des masques, c'est encore pire. C'est ça, c'est toujours les autres qui récupèrent les lauriers de notre dur labeur. Allez, on continue, il nous reste 2-3 petites news avant les dossiers. Alors, Run and Gun, délicieux, que vous connaissez sûrement, Rolling Thunder, donc la suite Rolling Thunder 2, qui arrive dans une, on va dire, un portage sur Switch et PlayStation. Donc là encore, la Xbox, non. PC Steam, non. C'est uniquement sur Switch et Play. Mais ça, c'est très souvent pour les compiles et les jeux qui viennent du Japon. J'ai remarqué qu'ils n'étaient pas toujours multiplateformes. Des fois, ils se limitaient à probablement la console la plus déployée à l'heure actuelle, c'est la Play. 4 plus 5, hein, si vous regroupez les ventes des deux, on est à une quantité quand même assez hallucinante. Et pareil pour la Switch. Donc c'est intelligent d'un point de vue économique. C'est dommage parce que quand tu as des versions déjà sur ces plateformes-là, faire un portage PC, ça se fait un clic dans le moteur de développement, peu importe ce qu'ils utilisent, que ce soit un émulateur Unity, Unreal Engine. Donc je trouve ça dommage de passer à côté des PC. Mais bon, moi je suis un PCiste convaincu, donc je prêche pour ma paroisse aussi. Ouais, alors pour moi, je trouve que la qualification de Run and Gun ne s'adresse absolument pas du tout à ce jeu. Oui, bah, c'est vraiment un jeu d'action plateforme. Par contre, oui, effectivement, il dit ça, mais personnellement, moi, je suis pas trop d'accord avec eux parce que le rythme est plutôt lent. Hein, tu dois rentrer dans des portes, récupérer des trucs, etc. On est presque sur un puzzle game, hein, moi, j'irais dire presque. Ouais, je sais pas, peut-être pas quand même, mais effectivement ça il y a un petit côté Elevator Action je trouve j'allais faire la comparaison. Pour moi c'est un fils spirituel des Elevator Action. Oui, ils ont repris un petit peu le principe des portes et c'est vrai que bon bah c'est la licence née en 86 qui a inspiré Shinobi et ce jeu de 91 sur Namco System 2 en arcade est un pur bijou, d'ailleurs sur Mega Drive aussi. Pour moi, un des meilleurs jeux de la Mega Drive. Hein, ouais. Donc, le portage est très bon, exact. Ouais. Si ça vous plaît, ça fait possibilité d'avoir la version arcade à pas trop cher sur votre console. Non, c'est un grand titre Namco, c'est la grande époque. Et ça fait partie des bornes que moi j'ai pu fréquenter en étant gosse, figure-toi. Parce que là où j'avais le plus accès aux bornes, c'était dans les foires itinérantes. Tu sais, les carnavals, les manèges, les forains, etc. Et on en avait beaucoup dans la région. Parce que comme on était une région minière, les mineurs, tu vois, c'était le petit moment de sortie avec toute la famille, quoi. Et du coup, on avait énormément d'exposants qui avaient des bornes dans des camions, mais en quantité industrielle. Et j'ai séché énormément de crédits sur Rolling Thunder 2, ouais, effectivement. Alors il y a Fay qui nous demande si le 3 n'est pas un jeu d'exception. Si, alors le 3 est très très bon, en plus il propose des gameplays variés, il n'y a pas juste les phases classiques d'action plateforme. Mais c'est un jeu purement console, il n'est jamais sorti en arcade, et d'ailleurs c'est une exclusivité américaine de la Mega Drive. Et je sais pas, moi je préfère le 2 personnellement, il est excellent le 3, hein, je dis pas du tout que c'est pas bon. Mais je préfère le côté arcade du 2, même si je me fais une partie du 3 avec grand plaisir. Et je crois que le 3 ne joue pas à 2. Donc ça, c'est quand même un défaut. Voilà. Mais le 3 est très consolisé, en fait. C'est pas du tout péjoratif. Hein. C'est juste que c'est deux façons de faire du jeu vidéo différentes. Et là, on est sur un vrai jeu console, un joueur. Et alors que l'autre, c'est vraiment un credit muncher, comme on appelle ça, un bouffeur de crédit pour deux joueurs, quoi. Mais je trouve qu'il a une plus grande finesse le 2 que le 3. Le 3 est très sympa, on peut choisir entre chaque début de stage son arme qui s'épuise, hein, donc il faut être assez stratégique dans son choix d'armes. Faut gérer ses ressources, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais, plutôt prendre des armes de merde au début pour garder les meilleures par la suite. C'est très très bon, hein, y a des phases en moto et tout. Mais je préfère le 2, après c'est une question de goût. Les goûts, les couleurs, tout ça. C'est une bonne série. Pour résumer, que ce soit le 1, 2 ou 3, c'est une excellente série. Et c'est un game design qu'on ne retrouve plus. Même sur la scène indépendante, que ce soit Steam ou l'eShop des consoles, on ne voit plus de game design moderne qui reprend un petit peu ce concept. On a soit du full run and gun, où là on est plus sur du contrat où tu cours, tu tires et tu fais que ça. Soit on a des jeux qui essayent de reproduire un peu Metal Slug et le côté un peu plus méthodique, mais on a plus ce côté gestion des portes, gestion des ressources, puzzle labyrinthique un peu.
Des portes, effectivement, pas trop. T'avais eu des copies de ce jeu-là, hein, puisque c'était un jeu qui avait marché en 86 très fortement chez Namco. Donc Capcom avait même repris le concept avec son codename Viper, hein, sur NES, entre autres. Un excellent jeu, peut-être même meilleur que la version Famicom. À l'époque, il y avait plein de clones, mais je parle vraiment des jeux néo-rétro actuels. Tu vois, on retrouve pas ce Shadow, game design. Étrangement. Shadow Gangs X, enfin Shadow Gangs en fait, tout simplement, donc qui est l'image, enfin l'hommage à Shinobi, sorti sur Dreamcast entre autres, sur Steam aussi, et donc qui est excellent. Et donc oui, effectivement, à part ça, t'en as pas beaucoup, et c'est bien dommage, hein, parce que moi ça fait partie de mes genres préférés, les trucs où tu délivres des otages, etc. Mais, ou des bombes, tu récupères des bombes, etc. Mais, J'ai tendance à dire que ils ont peut-être trop maintenant mis l'accent sur les Metroidvania. J'ai l'impression que le monde indé est devenu complètement accro aux Metroidvania, comme si c'était un game design finalement assez facile à développer et à appréhender. Et du coup, des comme ça, il y en a, mais 12 par mois, voire plus. Ouais, quoi. Ouais. Bah, Oli nous sort Undawn aussi, Undawn qui est une super référence en effet. Ah, c'est cool, c'est cool. Ouais, oui, exact. Undawn, non, tu as raison. Undawn, pour le coup, on est vraiment sur un jeu comme ça, même si on est un peu plus sur de l'arcade run and gun pour Undawn. Mais il y a quand même effectivement un côté un peu level design travaillé, labyrinthique. Ouais, tu as raison. Très bon jeu d'ailleurs. Aussi sur toutes les plateformes. Excellent. Je l'ai sur Switch, il me semble. Ouais, ouais, il est sur Switch, PS4. Ouais. Après, je sais pas s'il est sur Xbox. Ok, ah ben la dernière news du jour, messieurs, dames, on va vous parler de Shubibiman. Putain, je sais pas si je le prononce bien. Shubibinman. Voilà, très bien. Ouais, Bibine, tu penses à Bibine, ça. Exactement, ça, tu connais, ça. Exactement. La Bibine, il y a que ça de vrai. Ouais. Voilà. Du coup, si vous êtes fan de. Alors chez nous, on dirait PC Engine, les ricains disent TurboGrafx 16, n'est-ce pas? Mais on parle bien de la même console. Vous connaissez sûrement Shockman, sorti en 1992. Yes. Aux États-Unis, qui a eu droit à une ressortie sur Wii, il me semble, la Virtual Console, si je ne m'abuse. Ouais, tout à fait, il y avait des jeux. Ah, bah oui, c'est écrit même sur l'article, suis-je bête. Ouais. Et effectivement, du coup, la série en elle-même, alors attention, je prends ma respiration, s'appelle Kaizu Shujin Shubibinman. Et effectivement, le premier titre de cette série n'a jamais vu les contrées occidentales. Elle est restée bloquée au Japon. Au Japon, en 89. Exactement, et du coup on a un éditeur que en ce moment on voit très souvent sur l'eShop de la Switch, qui a commencé avec des jeux indé néo-rétro de petits studios japonais, et qui commence maintenant à éditer des jeux rétro tout court, c'est Ratalaika Game, avec le logo du petit chien-chien, pour ceux qui connaissent. Et effectivement, je suis de plus en plus surpris par ce studio. Voilà, le petit chien-chien qui a un cochon bébé au-dessus de la tête, vous pouvez pas les louper. Tous leurs jeux commencent avec ce logo. Et du coup, eux, au début, je croyais que c'était les développeurs. Mais en fait, non. C'est des publishers, donc un éditeur. Et ils aident à faire des portages aussi. Donc, vous les retrouvez sur maintenant toutes les consoles de salon. Mais ils ont vraiment, vraiment posé leur burn sur Switch. Et du coup, pour le coup, il me semble que la compile là arrive sur... Alors, celle-là, c'est toutes les plateformes. Autant pour moi. C'est PS4, PS5, Switch. Et une version Xbox est prévue. Donc la seule version PC, la seule version absente, logiquement, ce sera la version PC. Et du coup, voilà, on aurait un portage de Cyber Citizen Shockman, de son nom occidental. Ouais, tout à fait. Je sais pas si c'était pas juste Shockman en 92 sur TurboGrafx 16, donc c'était le deuxième épisode. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire, hein, c'est quand même un copier-coller de Megaman quelque part, sauf que là, c'était pas juste un androïde, c'est Tasuke et Capico qui sont deux étudiants donc transformés en cyborg par un docteur, hein, exactement comme dans Megaman. Tiens, ça me rappelle quelque lutter, chose. contre Dark Skull, un robot devenu fou. Voilà. Donc c'est ça le pitch, en tout cas, de Shubibinman. Voilà. C'est ça. Et vous pouvez jouer un robot ou une robot-tête. Vraiment excellent. Une robot-ette. Une robot, une robite, une robite, robot. Je ne sais pas. Comment on dit robot en femme? Je ne sais pas. Une robot. Allez, c'est pas mal. Ouais, ouais. Il y a le 3 aussi qui est excellent en PC Engine CD. Ah, jamais touché au 3, figure-toi. Super. Je savais pas qu'il existait d'ailleurs, donc merci de me le mettre sur les radars. Jouzy, énorme. Ok, intéressant. Surtout qu'en ce moment, je suis vachement branché PC Engine CD-ROM, donc c'est en ce moment chez moi. Super CD-ROM 2, ouais. Ouais. Enfin, Super CD-ROM.
Donc effectivement, un joli petit pixel art et puis un portage logiquement très correct et un petit tarif, ça fait plaisir. On est sur le prix des Hamster, Akan Neo Geo, Arcade Collection, 5,99€. C'est le tarif plancher. Autant pour des jeux des fois vraiment rétro, genre années 80, 6€, ça commence un peu à piquer. Après, les puristes de l'arcade diront qu'il faut pas se fier au graphisme vétuste, mais le gameplay, lui, est robuste. Je suis d'accord, mais payer un Space Invader ou un Pong 6€, pour moi, c'est déjà un peu trop. Maintenant, sur des jeux comme ça, où on est déjà sur du 8 ou du 16 bits, je trouve que c'est un tarif très intéressant. Sachant que quand c'était vendu sur la Virtual Console, oui, c'était plus cher que ça. Hein. Donc, Alors, Diego nous dit que celui sur NES, enfin, sur Super Nintendo, je pense qu'il voulait dire, parce que c'était un jeu Satellaview, et bien aussi, je dirais même que c'est le meilleur, parce que en fait, il est jouable en coopération. Et donc, y a des petits gimmicks entre les deux de joueurs. Et vraiment, pour moi, le meilleur jeu de la série. Alors, ça peut choquer les fans à l'ancienne, mais vraiment la version Satellaview, best game de la série. Ok, eh ben écoute, c'est noté. Et donc effectivement, elle sera localisée en anglais, donc il y aura bien une traduction anglaise, pas française pour le coup, mais c'est déjà très bien d'avoir de l'anglais pour un jeu comme ça. Bon, la narration, elle est scalée, c'est comme dans un Megaman, hein. Vous avez des petites planches introductives où le texte va vous raconter un petit peu l'histoire, quelques dialogues intermédiaires, et emballé, c'est pesé. Mais voilà, c'est très sympa quand même d'avoir une version occidentale. Et donc, il faut effectivement pas confondre Shockman tout court, qui est du coup Shububinman. Oh là. Voilà. Ouais. C'est un peu le bordel. Et Cyber Citizen Shockman, qui est du coup le premier. Voilà. Ouais, tout à fait. Je pense qu'ils ont rajouté le Cyber Citizen parce que, enfin, de souvenir. Et après, dites-moi si je dis de la merde. Pour moi, aux États-Unis, c'était uniquement Shockman. C'est possible. C'est possible que ce soit Shockman tout court et que c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas eu la suite qui s'appelait du coup Shockman tout court. Non. Ah oui, puisque en fait, ils comptaient pas sortir le premier. Donc voilà, ils prévoyaient pas de sortir le premier. Donc c'est pour ça qu'ils ont donné le nom du premier au deuxième en Occident, quoi. Donc voilà, et ça sort du coup, on a une date, c'est le 18 mai, sur, je répète, Switch, Xbox et PlayStation, et puis ben, PC, tant pis, si vous pourrez jouer via un émulateur Switch, Non, je trouve ça magique, parce que ces jeux-là, bon là on est sur un vrai portage, hein, ce sera du code natif Switch, mais c'est à certains jeux, je prends les Cotton ou d'autres compiles, qui sont des jeux émulés, où en fait, bah, t'émules une Saturn sur ta Switch, et du coup les émulateurs Switch sur PC se retrouvent à émuler deux systèmes, tu vois, en simultané quoi. T'as en gros ton PC qui émule une Switch et cette Switch virtuelle qui émule une Saturn. Et le jeu tourne à la perfection. Ça me fait fondre le cerveau de me dire ce genre de choses, quoi. Donc, bah, merci les développeurs, hein, d'être aussi balèzes en tout cas. Et ça clôture notre série de news, mon cher Guimou. À moins que tu aies rajouté quelque chose depuis le conducteur, je ne sais pas. Non, moi j'ai plus rien à dire. Bah, c'est déjà pas mal, hein. On est à 1h44. Va falloir speeder pour les dossiers, mon cher. Hein. Ouais, et puis, le premier est balèze, le deuxième, peut-être un peu moins, en tout cas de ma partie. Je sais pas si toi, t'as peut-être plus de choses à dire, mais le premier, reste. Et quand même, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Bah, écoute, je te laisse commencer tout de suite. Je change le titre et je mets le petit jingle. C'est parti, dossier du jour. D'accord, bah écoute, justement, on va parler de Rez, un jeu Sega sorti bien sur Dreamcast en 2001 au Japon et 2002 chez nous. Donc, Rez, je pense que tout le monde dans le chat connaît, mais je rappelle juste pour tous ceux qui connaîtraient pas, ça peut arriver. Donc c'est un truc assez spatial, on va dire, assez étrange dans sa conception. Assez métaphysique, à ce stade. C'est métaphysique, ouais, c'est poétique, c'est philosophique, c'est tout ce que vous voulez. C'est un jeu en fil de fer, donc c'est un choix assez étrange. Bon, il y a eu aussi d'autres jeux en fil de fer sur Dreamcast. Je me souviens plus comment il s'appelle, le jeu Smash, où tu joues avec une balle, c'est un espèce de casse-brique. Je me souviens pas, mais en tout cas un choix couillu pour l'époque, donc de faire donc un jeu en fil de fer et donc quelque chose de très psychédélique, voilà, c'est un terme qui lui va très très bien. Donc sur Dreamcast, c'est Cosmic Smash sur Dreamcast. Oui, Cosmic Smash, voilà, merci. Oh putain, ça fait chier d'avoir une mémoire de poisson. Mais c'est pour ça qu'on est deux, mec. C'est pour ça qu'on est deux. Bah oui. Et puis, si tu veux, ouais, c'est les drogues, hein, ça. Les drogues, l'alcool, ça aide pas, hein, je sais ce que c'est. Puis, l'essentiel, c'est qu'on soit pas drogué en même temps. Ouais, puis donc il y en a toujours un qui sauve la mise, tu vois. Ouais, quand j'étais plus jeune, j'adorais boire du gasoil aussi, tu vois. Puis, après, je m'allumais des clopes comme ça. Monsieur est un fin gourmet. Ouais, ça m'a un peu déglingué, quoi.
ça m'a un peu déglingué. Sniffer l'essence tout en buvant le gasoil, non, c'est un peu trop, j'avoue. Ouais, mais bon, ça se fait, hein, quand t'es un bonhomme. Et donc, attends, je vais revenir au sujet. Donc, ce Rez, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur Rez, donc a été adapté sur PlayStation 2 par la suite. Alors, peut-être qu'on va commencer par parler du jeu, ça serait déjà pas mal, oui. Au lieu de parler de l'histoire. Surtout qu'il est donc, assez... le gameplay est original, donc c'est important de poser déjà les bases de gameplay, que les gens comprennent un peu de quoi il s'agit. Bah, c'est un jeu qui a apporté quelque chose au monde du jeu vidéo. Il a apporté quelque chose de nouveau. Plein de gens le voient comme quelque chose de révolutionnaire. C'est pas mon cas, et c'est justement un peu le débat de ce soir. On en parlera peut-être un peu plus tard. Mais oui, effectivement, c'est un échec commercial. Il s'est pas très bien vendu, mais ça, c'est un peu normal vis-à-vis de la Dreamcast. Je veux dire, la Dreamcast n'a pas été supportée par le public, donc ça ne pouvait pas être un gros succès commercial. Après, le jeu est sorti un petit peu plus tard sur PlayStation 2. Il est sorti sur PS2. Est-ce qu'il s'est bien vendu sur PS2? Un peu mieux. Bah, il s'est plus vendu. C'est sûr que par rapport à la Dreamcast, il s'est plus vendu, puisque même les Japonais n'ont pas supporté la Dreamcast comme elle l'aurait mérité. C'est vrai. Mais ça reste pas des ventes extraordinaires. Mais il y a des choses qui ont fait que le jeu est sorti sur PS2, alors qu'il aurait même pas dû, si tu veux, tu vois, en termes de ventes. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, c'est un rail shooter. Donc c'est un rail shooter, donc t'as ce qu'on appelle un réticule, hein, c'est très proche de Panzer Dragoon, tout ce genre de jeu, puisque de toute manière, en fait, United Game Artist, hein, le studio qui a fait le jeu, eh bien a intégré ce qui restait de la team Andromeda, puisque en fait, si vous voulez, vous savez comment ça marche les studios de jeux vidéo, c'est-à-dire que un jour ça marche, après avec les allées et venues, les gens se barrent, etc., et un jour ça marche plus, et ça fait plus que de la merde. Dans ces cas-là, on récupère les mecs qui gèrent, on les met dans d'autres équipes et on ferme le reste, en fait, pour égrainer le bon grain de livret, comme on dirait. Exactement. C'est la bonne expression. Bible. Ça rappelle un peu Sin and Punishment aussi, qu'on a traité en dossier il y a quelques émissions. Oui, après, Sin and Punishment va plus loin, puisque en fait, les personnages ont des actions physiques... comme des coups au corps à corps, où ils peuvent sauter, etc. Ils ont une vraie présence physique et tu gères leur déplacement au sol en plus du réticule, ce qui n'est pas forcément le cas là, effectivement. Tout à fait, et donc on a un personnage donc à forme humaine qui a plusieurs évolutions, je crois qu'il peut... je sais plus, je crois qu'il y a 6 ou 7 formes d'évolution, hein, je me souviens plus. Je crois que la dernière étant réservée au dernier stage. Et donc quand on se fait toucher, on dévolue. On dévolue, c'est-à-dire que on devient... on arrive à la dernière phase au stade de boule, je crois, si je dis pas de conneries. La boule de Fort Boyard. Ouais, j'ai pas joué depuis un moment, en tout cas c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes de gameplay encore? Le jeu est très accessible. Et c'est peut-être ça que je lui reprocherais. C'est que en fait le principe il se base autour de la synesthésie. C'est le mot du dossier de ce soir, synesthésie. Et notez-le, donc, notez-le, très important. Ouais, c'est ça, notez-le, parce qu'il y aura un terreau écrit après. Et donc, c'est le jeu de, en fait, Tetsuya Mizuguchi. Donc, après, si on commence à parler de lui, on parle pas tant que ça du gameplay, parce que tout va tourner autour de lui. Oui, et donc, mais on peut quand même clôturer la partie gameplay en expliquant que c'est vraiment un rail shooter, qu'on est sur un vrai jeu de shoot, mais qui va jouer sur les sens complets, autant les sens auditifs que visuels, et que ça, c'était très avant-gardiste pour l'époque, à tel point que c'est ça qui a probablement dérouté les joueurs avant tout, c'est l'aspect visuel du jeu, et le fait que on n'était pas sur un jeu texturé, on n'était pas sur un jeu qui était avec une DA traditionnelle, et ça, le vendre à travers des screenshots ou des trailers, c'est très 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 compliqué. C'est manette en main qu'on se rend compte du potentiel du jeu avec la zik à fond dans la pièce, quoi. Surtout que le fil de fer, c'était même encore à l'époque très lié dans l'esprit des gens au tout premier jeu 3D, et c'était très rétrograde. Donc c'était vraiment couillu de choisir de faire du fil de fer. Et il faut quand même que je revienne sur la notion de synesthésie, parce qu'elle définit le jeu. Oui. Et donc d'ailleurs toute l'œuvre de Tetsuya Mizuguchi. Hein, donc qu'est-ce que la synesthésie? Parce que sûrement certains ne savent pas. En fait, c'est un trouble de la perception dans lequel une sensation supplémentaire est ressentie dans une autre région du corps que celle qui est perçue normalement.
Alors, c'est peut-être pas très clair à expliquer comme ça, mais c'est quand la somme des sensations dépasse ce que tu ressens. Je te donne un exemple assez clair, tu vois. Ah oui. T'es tout nu, t'es dans ton salon et tu regardes un clip musical à la télé, tu vois. Et j'avais un autre exemple, truc, mais vas-y, il commence très bien celui-là, vas-y. Voilà, et tu danses devant ta télé et tout, et tu rentres vraiment dans la musique, tu rentres en transe, et en fait, moi, je suis derrière toi, et tout d'un coup, tu ressens une douleur dans ton cul, en fait, tu vois. Et donc, c'est ça. T'as le son, t'as l'audio, mais tu commences à ressentir des sensations qui dépassent la somme de... Une synesthésie anale, c'est ça que tu essaies de m'expliquer, en fait. Ah, et je vous permets pas, monsieur, vous allez un peu loin, là. Mais voilà, en fait, c'est le principe. C'est quand, en fait, tu rentres en transe, tout simplement, et tu commences à ressentir des choses qui sont peut-être encore plus profondes que la simple somme de l'image et de l'audio, voilà. J'ai un exemple un peu plus scientifique, hein, mais j'adore le tien, il est délicieux. C'est quand vous êtes en voiture ou sur un manège, et effectivement, vous êtes pris par les sensations d'accélération, de décélération, plus le fait que vous êtes en altitude, que vous voyez que, oh mon Dieu, je suis en haut d'une montagne russe de 70 mètres, et vous avez un petit effet dans le bas-ventre. Alors ça, c'est majoritairement dû à l'accélération et votre oreille interne, mais ça joue aussi sur tous vos sens qui, cumulés, vous donnent une sensation additionnelle, quoi, qui pourrait pas être décrit autrement que par « j'ai une boule au ventre ». Voilà. Et c'est aussi de la synesthésie. Par contre, le vrai problème qu'il y a eu aussi à l'époque, parce que moi j'en reviens toujours sur ces mauvaises ventes et pourquoi le jeu il a pas eu finalement son public. Il a eu son public sur le long terme. C'est un cold hit, comme on dit, un succès d'estime par la suite. Oui, mais comme plein de jeux, comme Symphony of the Night, comme énormément de jeux. Ouais. Ouais. Mais je pense que ce qui a aussi, à une époque, été très problématique pour le jeu, en plus des visuels et du coup du marketing, c'est les problèmes d'épilepsie. Parce que la synesthésie, et donc finalement, c'est cette overdose d'informations qui cumule, enfin qui noie tes sens, c'est très proche de l'épilepsie. Enfin, c'est très possible de générer des crises d'épilepsie via ça. Alors, le créateur s'est toujours défendu de ne jamais avoir d'images clignotantes dans les jeux REZ. Et effectivement, vous pouvez vous faire un let's play complet. Vous n'aurez pas d'images stromboscopiques. Vous n'aurez pas de lumière qui va clignoter à des fréquences élevées. Par contre, il y a des effets de lumière qui peuvent malgré tout générer des crises. Et souvenez-vous, quand REZ est sorti, c'est l'époque où on commençait à mettre les messages d'avertissement sur l'épilepsie. Et il y avait vraiment eu à une époque une phobie, on va dire une phobie du grand public sur l'épilepsie et à quel point ça pouvait être facilement, facilement répercuté sur l'organisme, quoi. Moi, je sais que j'ai jamais été sujet à ce genre de crise. Je sais pas ce qu'il en est pour toi. Ah non, non, moi, pas de ça chez moi. Non. Mais j'ai un proche, tu peux pas lui mettre un casque VR. Pour lui, c'est déjà trop. Ah, tu l'enfer. Vois. L'enfer. Ouais. Non, mais j'ai connu des gens qui supportaient même pas les simples jeux vidéo, tu vois. C'est pour ça aussi qu'il y a eu. Ouais, c'est ça. Tous ces jeux FPS, de merde. Quand la FOV elle est trop serrée, ça génère des fois des malaises à des gens, quoi. Un jeu sur simple écran 2D, hein, je vous parle même pas en VR. Hein. C'est. On est tous différents là-dessus, c'est très physionomique, et mais du coup oui, effectivement, c'est la synesthésie n'aide pas à ce genre de problème, quoi. Tout à fait, ouais. Bah, je te laisse continuer ta présentation, mon cher. Non, non, bah, pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Alors, il y avait Steph Leflou qui nous disait dans le chat que, effectivement, Vib Ribbon, c'était aussi un jeu en fil de fer avec une dimension musicale, donc tout à fait. Tout à fait. Faut reconnaître ça. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur le gameplay de REZ? Donc la synesthésie dans REZ se traduit par le fait que, en fait, quand tu shoots des objets, en fait, tu interagis avec le son. Donc c'est un jeu qui se veut musical, et tes actions dans le jeu ont des répercussions et créent des sons en rythme avec la musique. Et c'est en ça qu'il est considéré comme révolutionnaire, en plus du fait que c'est vrai qu'il a une ambiance hors du commun, qui fait que malgré le choix du fil de fer, en fait, si tu veux, graphiquement, ils arrivent à en faire quelque chose d'encore pertinent aujourd'hui, puisqu'il ressort même donc sur le PSVR de la PlayStation 5. Donc voilà. C'est ça, c'est un jeu qui continue de se mettre à jour, donc avec la version Infinite qui est compatible, il me semble, sur les deux PSVR, sachant que la version la plus avancée, c'est effectivement le patch PSVR2 pour la version Infinite d'origine, si je ne m'abuse. Oui, REZ Infinite sur PS4 était un jeu de démonstration du PSVR, hein, vraiment un des premiers jeux pour démontrer les possibilités du truc. Et c'est vrai qu'ils sont allés encore plus loin avec le dernier patch PS5 où là ils tournent en 4K
Enfin, c'est une version vraiment... Les écrans OLED du PSVR 2 transforment ce jeu. Je veux dire, c'est un jeu qui nécessite tellement d'avoir des bonnes lentilles pour en profiter. Ah, oui. Et que visuellement, franchement, c'est un des rares jeux VR où t'as envie de te dire, putain, il me faudrait presque des lunettes de soleil, quoi. Tellement je m'en prends plein les yeux. C'est... Les dalles OLED, c'est pour moi ce qui fait vraiment l'intérêt du PSVR 2. Le problème, c'est que le tarif commence à frôler les casques PC, et du coup, comme c'est pas autonome, plein de gens se disent « Pourquoi je vendrais mon Quest ou mon Pico ?» Et la question se pose, hein. La question se pose. D'ailleurs, Sony est vraiment mécontent des ventes, hein. Moi, j'ai très très peur qu'ils abandonnent un petit... Bah, le PSVR 1, on va pas dire qu'il a été abandonné, mais il a été très clairement négligé. Sony se reposait sur les petits studios indés et les portages de jeux Steam VR, en fait. Hein. C'est ça, on va pas se leurrer. Pour le 2, ils ont voulu un lancement quand même assez... on sort un jeu Horizon, qui est quand même la franchise Play du moment. On essaie de faire un portage complet de GT7, Gran Turismo 7, full VR. C'est pas juste les quelques pistes de GT Sport, hein, à l'époque du PSVR 1. C'est l'intégralité du jeu jouable en VR. Donc on avait des gros morceaux, on a Resident Evil Village et 8, du coup, qui sont compatibles. Non, le 8 c'est le village, le 7 et le 8 pardon, qui sont compatibles VR, il y a vraiment des arguments de vente. Le problème qu'il y a, c'est que dans les mois qui ont suivi le PSVR 2, on n'a plus rien entendu. Et c'est des petits jeux indés qui sortent. Et j'ai peur que ça finisse comme plein de... Sony, quand ils voient que ça marche pas, ils font comme Google, ils passent à autre chose. Hein. Regardez la PS Vita, regardez le PSVR 1, regardez les PS Move... c'est vraiment ça, Sony. Hein. Et j'ai peur, effectivement. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Effectivement, ils ont fait déjà le coup plusieurs fois. Mais regarde la PS3, au lieu d'abandonner, ils ont mis tout ce qu'ils avaient pour. Ah bah, je souhaite que ce soit ça pour le PSVR 2. Parce qu'ils ont enfin un casque digne de ce nom, quoi. Non, après, faut voir. Hein. Je pense qu'ils ont tout intérêt à supporter donc le PSVR 2. Et parce que si ça arrive à décoller, ils prendraient quand même une position assez confortable. Ah, mais ils seraient leader sur le marché de la VR pour console de salon, en tout cas. Ouais. Ouais, donc Loïc, CDST qui nous rappelle que Astrobot 2 va tout déchirer, donc c'est. Non, mais il y a un planning de sortie, hein. Mais ce que je dis, c'est l'engouement des premiers jours. Si là j'étais un possesseur de PSVR 2, bah, malheureusement, il prendrait la poussière dans le salon. Parce que j'aurais fini Horizon, j'aurais fait mes 50 heures sur GT, et là je serais plus sur Zelda que sur le PSVR. Par contre, si tu me donnes des jeux de la qualité d'un RE full VR, mais je prends à 1000%, quoi. Le problème, c'est que ça va être des portages de jeux que j'ai déjà joué moi sur Steam VR via le PC. Donc pour quelqu'un qui a qu'une console, peut-être que c'est suffisant, mais pour moi qui ai déjà vu tous ces jeux sur PC, genre je sais que plein de gens attendent Half-Life Alyx comme le Messi qui serait potentiellement porté sur PSVR 2, moi ça m'intéresse pas, j'y ai déjà joué, je l'ai fini sur PC. Donc. Mais bon, d'accord, c'est un autre débat, on n'est pas là pour parler PSVR, même si Rez tourne sur les deux casques. Pour revenir à Ares, donc c'est un jeu qui se veut très accessible à tout le monde. Vraiment, c'est un jeu, on voit qu'il a été conçu pour être joué par tout le monde, pour que ça touche un maximum de public avec l'excuse de l'expérience musicale. C'est un jeu qui se veut, qui n'a pas la violence d'un shoot'em up avec le côté guerre ou punitif quand tu te fais toucher, puisqu'on peut contrer les tirs avec le réticule. Et ça, pour moi, c'est peut-être un des plus gros défauts du jeu, c'est-à-dire d'avoir voulu être accessible par absolument tout le monde. Et du coup, comment expliquer ? On en reparlera parce que ça, c'est mon jugement. Mais il perd donc de son côté créatif par cette volonté d'être rendu accessible à tous et d'être plus ou moins facile. Alors une facilité qui disparaît au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, mais qui permet en tout cas d'introduire le joueur au gameplay et d'essayer de l'accrocher avec une facilité du départ. Voilà. Donc c'est tout ce que j'aurais à dire, moi, au niveau gameplay, on va pas en parler des heures. On peut peut-être parler, parce que c'est important, du scénario. Donc le scénario de Rez, ça se passe dans un monde futuriste où le cyberespace devient dominant, un petit peu comme nous tous, on est sur nos téléphones portables. Donc le net devient la façon de vivre un petit peu de tous les êtres humains. Et donc, un projet est mis en place dans le cyberespace qui s'appelle le Kay Project, et ça a son importance. Le Kay a son importance, on verra ça un petit peu plus tard quand on parlera de la conception du jeu. Et donc le Kay Project donne naissance donc à un logiciel qui s'appelle Eden,
et donc qui devient un network à lui-même, par lui-même en fait. Et donc l'intérêt d'Eden, c'est que le cyberespace, c'est la merde. En fait, il y a énormément de virus, il y a énormément de hackers, et je pense que ça représente l'humanité en elle-même, hein, ce côté chaotique, oui. Créatif. C'est un parallèle, ouais, je pense, philosophique, pour nous tout parler de nous-mêmes. Et oui, c'est ça, ouais, c'est un jeu qui a une forte signalétique au niveau de la conception de la vie, hein, puisque il y a beaucoup de gens qui, enfin, même l'auteur lui-même dit que, en fait, il y a, enfin, à la fin, on sera une sorte de sperme qui recrée la vie au sein du cyberespace. Et donc pour en revenir au scénario, donc Eden est censé purifier donc le cyberespace donc de tous ces virus et pour en créer un espace de paix en fait, d'où le nom Eden. En fait, ce qui se passe, c'est que Eden est submergé par la merde, par les virus, les mauvaises pensées, les intentions, et donc le déçu COVID. Par l'humanité. Oh mon Dieu, j'ai dit à mon clé qu'il ne fallait pas. Ouais, c'est ça, ou la politique sanitaire, comme tu veux. Et donc déçu par toute cette merde, en fait, par l'humanité, il décide de s'éteindre, tout simplement, et de rentrer en sommeil. Et donc, eh bien, dans le jeu, on incarne un hacker qui se matérialise dans le cyberespace sous cette forme bien de fil de fer, et qui part à la recherche d'Eden, et qui donc va purifier le cyberespace de tous ces virus qui bloquent votre chemin vers Eden, et donc il faut les niquer pour pouvoir réveiller Eden, voilà. Et donc ça, c'est le scénario du jeu, et donc maintenant on peut peut-être parler du développement et de l'histoire de Tetsuya Mizuguchi, qui lui travaillait dans les sections arcade donc de Sega. Il est notamment connu pour Sega Rally, hein, tout le monde connaît Sega Rally, Sega Rally 2, donc Sega Touring Car, tout ça, il a travaillé sur ces jeux-là. Et c'est là-dessus en fait qu'il a commencé à penser à la synesthésie, parce que lors de la conception de Sega Rally, hein, je crois que c'était plutôt Sega Rally 2. Non, c'est Sega Rally 2, ouais, ou Sega Rally, je sais plus, je crois que c'est le 1. Et bien en fait, il était parti en Europe, étudier les bagnoles et surtout aussi... Ouais, se taper des tours gratuits de grosses bagnoles, ouais. Parlons franchement. Oui, tu peux le dire, parce que Mizuguchi, c'est quand même un mec qui a la belle vie par rapport à énormément d'autres développeurs. C'est le mec qui va à des concerts, il se tape des rave parties dans des forêts. C'est le développeur artiste, on va dire. Tu sais, oui, c'est pour ça que le studio qu'il a formé pour Sega s'appelait United Game Artists. Exactement. Et quand on va en parler, vous allez voir que c'est un peu Woodstock là-dedans. Enfin, lui d'ailleurs se présente très rarement comme un développeur de jeux. Il utilise jamais ce terme-là. Pour lui, c'est toujours un créateur, un directeur, un artiste, un... il avait utilisé un terme aussi un petit peu fourre-tout à l'époque, je sais plus comment on appelait ça, mais en gros que voilà, pour lui c'était un visionnaire et qu'il envisageait le jeu comme une expérience physique, on va dire, plus ou moins. Ah bah c'est clair, c'est un mec qui a fait des études de littérature, donc c'est pas forcément le parcours que tu prends pour devenir développeur de jeux vidéo, hein, je pense. Mais tant mieux, j'ai envie de dire, ça lui donne une singularité, oui. Et ses jeux sont singuliers, quoi. C'est... La preuve en est, parce que quand Rez sort en 2001, à côté, t'as des jeux comme Luigi Mansion, t'as Pikmin, t'as Devil May Cry, et c'est des jeux, quand tu alignes les quatre, et bien graphiquement, les trois autres ont vieilli, hein, malgré tout, mais Rez, ça reste quelque chose de pertinent encore aujourd'hui, par son côté, un côté très inspiré de Tron. Je pense pas me tromper quand je dis ça. Et d'ailleurs... le nom, on a longtemps pensé que ça venait Rez de Derezing, en fait, qui est un terme utilisé dans le film Tron de 1982, et qui signifie, je crois, dans le film, c'est se dissoudre, disparaître, en fait. Mais c'est pas du tout ça, parce que, en fait, le directeur du jeu, donc de Rez, n'est pas Tetsuya Mizuguchi. Mizuguchi étant le producteur du jeu, et bien le directeur du jeu, qui s'appelle Jun Kobayashi, eh bien, lui dira que ça veut dire résolute, c'est-à-dire un mec qui est résolu, c'est la résolution d'aller réveiller Eden, en fait. D'accord. Et donc, c'est ça la signification du titre, alors que, en fait, le titre est passé par énormément d'appellations avant, c'est passé par Vibes, c'est passé par K Project, on retrouve ce K, en fait, encore une fois. Même au début, c'était Sound Project, bref, c'est passé par plusieurs noms, ça finit par Rez, et donc c'est...
c'est le directeur du jeu, le réalisateur du jeu qui nous a sorti donc la véritable signification du... Alors je sais pas si on va se faire striker, j'ai mis la bande-annonce de Tron 1982, hein, parce qu'on est des puristes, ouais, mais pas Tron l'héritage ouais. N'existe pas, voilà, ça, ce film n'a jamais existé. Mais c'est vrai que ce film était incroyable, hein. Pour remettre dans le contexte, 1982, la CGI n'existe pas, les effets numériques n'existent pas. Tout a été fait par des mecs qui sont des avant-gardistes, en fait, des effets spéciaux, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est vrai que ce qu'on se souvient le plus de l'esthétique de ce film, c'est les passages en fil de fer, effectivement. Donc, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, puis, de façon, et les couleurs très contrastées, très fluo. Ouais, c'est ça, ouais, qui contrastaient les personnages. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oui, donc revenons à l'époque de Sega AM et donc de la division arcade où Mizuguchi œuvrait pour Sega Rally ou autre Sega Touring Car. Et donc, il se retrouvait en Suisse donc dans les années 90, et c'est là qu'en fait il a vécu une expérience qui lui a mis synesthésie en tête, et le mec n'a jamais décroché de ça depuis. Tous ses jeux sont basés sur la synesthésie, absolument tous. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui lui arrive en Suisse? Bah, vous savez, je vous ai dit, c'était un petit peu un mec avec les mains dans les poches, tranquille, pépère, alors que tous les autres, ils font du crunch et qui se font foutre dans des bureaux sans fenêtre chez Sega. Et bah, lui, tranquille, il se fait des trips en Suisse, il se retrouve dans une espèce de rave party. Je reviens à mon gaming, en fait, tout de suite. Ouais, c'est ça, et si tu veux, en fait, au Japon, les rave parties, c'est pas leur spécialité. Et donc, lui, il est choqué par l'expérience. Et en fait, il vit un truc un petit peu marquant, c'est-à-dire que en fait, c'est là qu'il se rend compte de l'expérience qu'il fait entre les lumières qui sont associées à la transe et les gens qui s'amusent et la musique. C'est quelque chose qui le marque et qui le fera réfléchir à la synesthésie. Voilà, donc ça tout part de là. Et donc, faut dire que ses expériences de jeu aussi, des jeux qu'il a produits. Donc comme Sega Rally sont marquants, parce que dans Sega Rally t'as aussi des vibrations dans le volant et un retour de force, donc ça quelque part c'est un petit peu un début de synesthésie, hein, puisque les vibrations dans le jeu vidéo ça a été un argument de vente énorme pour la première DualShock et la PlayStation entre autres, et donc voilà de quoi il est parti. Alors pourquoi un shoot'em up? Parce que en fait c'est ça qui est aussi étrange dans la conception de la chose, c'est que en fait lui il est parti d'un shmup et absolument pas d'autre chose. Donc il y a plusieurs raisons à ça. C'est déjà la première chose, parce que c'est un genre qui est assez accessible de base. Je veux dire, on peut mettre n'importe quel shoot, tout le monde peut jouer, prendre la manette en main. Enfin je veux dire, le principe de base, c'est moins exigeant que d'autres jeux. Tu vas à gauche, tu vas à la droite, en haut, en bas, et tu restes appuyé très souvent sur un bouton. Et à la limite, t'as un bouton de bombe. Donc c'est un principe qui reste basique dans le jeu vidéo. Donc il a trouvé que c'était quelque chose qui était facile d'accès. Et en plus de ça, en fait, lui avait tellement des ambitions de faire vivre aux gens une expérience transcendante, qu'il fallait bien partir de quelque chose d'assez concret, parce que sinon, c'est ce qui s'est passé quand il a commencé à travailler sur Rez, ça allait partir dans tous les cas. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va créer United Game Artists sur les cendres d'un Sega AM et du secteur recherche et développement neuf de Sega. Et donc, il va créer à Shibuya sa propre boîte qui s'appelle United Game Artists, UGA. C'est là qu'il va commencer à recruter, entre autres, que les anciens de la team Andromeda, donc qui avait produit des jeux complètement incroyables en rail shooter avec la série des Panzer Dragoon. Puisque même, en fait, à l'époque, ils avaient aussi pensé à Space Harrier comme mode de jeu. Il y avait des prototypes de Rez où c'est du Space Harrier, où les personnages ont vraiment une consistance, un visage, etc. Et donc, ils ont pensé à tout ça. Et il y a eu de grosses prises de bec pendant la conception de Rez, parce que personne n'était d'accord sur le concept à donner, malgré le fait que il s'était basé sur un concept de shoot. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont pris une base à shmup plutôt que, je sais pas moi, un jeu de bagnole? Eh bien, tout simplement parce que en fait, Tetsuya Mizuguchi, il avait quelque chose qui lui restait en tête depuis son enfance, et c'était la musique de Xevious, donc le shmup de Namco. Et il se disait, pour que en fait une musique reste en moi toutes ces années de mon enfance jusqu'à maintenant,
et en plus il y avait des remixes de la musique de Xevious, etc. Eh bien, c'est quelque chose, forcément une expérience marquante que je peux reproduire et démultiplier grâce à la synesthésie. Et donc, Xevious donc, définit le principe de shmup sur Rez, ainsi qu'un autre jeu, et ça va vous surprendre, c'est Xenon 2 Mega Blast, donc le jeu des Bitmap Brothers, qui l'a marqué aussi musicalement, même si il est assez pauvre musicalement, il n'y en a pas 150 000 des musiques hein, dans Xenon 2. Et donc c'est à partir de ces expériences-là qui va commencer à produire Rez, en fait, voilà. Donc Rez a commencé à être pensé en 1999, mais lui, depuis les années 90 et le fait qu'il soit allé en Suisse, il pense au concept de Rez depuis tout ce temps-là. Et donc ce qui se passe, c'est que quand je vous dis qu'il commence à embaucher des mecs un peu zarbi, c'est que dans les têtes pensantes de Rez, va pas y avoir beaucoup de développeurs de jeux vidéo. Bien sûr, il y aura des programmeurs, hein, forcément, t'en as besoin si tu veux faire un jeu vidéo. Mais quand on prend le directeur du jeu, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Jun Kobayashi, eh ben le mec était VJ, ce qu'on appelle VJ. C'est-à-dire vidéo DJ, je crois. Vidéo si jockey, pas, hein. Mon cher Gemu. Ouais, vidéo jockey. Voilà. Donc ça veut dire un mec qui fait l'amalgame entre le son et l'image pour faire ses shows. C'est pas juste en gros, pour ceux qui sont allés au Stunfest les années précédentes, vous avez toujours des concerts le samedi ou le vendredi soir. Et il y a toujours DJ, alors chiptune, très souvent, accompagné d'un VJ. Et le concept, c'est synchroniser effectivement des effets vidéo. Pour faire simple, imaginez les afficheurs de shader et d'effets spéciaux de Winamp. Souvenez-vous à l'époque... Exactement, Winamp est important dans Rez. Ouais. Tout à fait, voilà. Donc vous avez ces effets vidéo qui sont devenus quasiment un art à part entière. Hein, et effectivement, Rez, c'est très 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 similaire quand tu regardes les effets à l'écran. Quoi. Ouais, tout à fait. Donc en fait, le mec a pris... ce qui s'est passé, c'est que Jun Kobayashi, il rencontre lors d'un concert, tu vois, enfin encore les concerts, parce qu'il emmenait même ses mecs en pleine journée de travail, il les emmenait voir des mecs dans la rue qui faisaient de la musique pour étudier le truc et tout. C'est pour te dire comment c'était lunaire, en fait, le travail chez UGA. Et donc, il rencontre ce mec qui était donc vidéo jockey, comme tu dis, et il commence à parler avec lui de son projet de jeu vidéo et tout, et donc il l'embauche carrément comme directeur, réalisateur du jeu, alors que le mec n'y connaît strictement rien. Il touche zéro bille au développement, ouais. Ouais. Mais c'est arrivé plein de fois, je veux dire, Akira Yamaoka chez Konami, lui a dirigé par exemple Silent Hill 4, même s'il avait travaillé sur les autres, alors que je pense qu'il bille rien en développement et que c'est uniquement un mec qui faisait du design de son. Et les musiques, hein, bien sûr, évidemment. Je suis pas en train des de fois, tu te fais propulser un des postes où tu te dis, ça va être mon premier coup. Vaut mieux que ce soit un coup de maître parce que j'aurais pu le poste sinon après. Et des fois, t'as des mecs qui ont fait des one-shots de réalisation ou de planning, comme on appelle ça au Japon des fois, l'organisation autour d'un développement en tout cas, et qui ont jamais eu de poste ensuite identique parce que le jeu a bidé. Et d'autres qui ont lancé leur carrière comme ça. Ouais, tout à fait. Alors, peut-être une précision pour le modèle japonais de développement de jeux vidéo. C'est pas vraiment comme le modèle américain, c'est-à-dire que européen, c'est-à-dire que en Europe, tu vas arriver, tu vas embaucher un tel pour t'occuper du design de ton jeu, un tel pour les musiques, etc., etc. Au Japon, c'est différent. En fait, t'as un groupe de personnes et ça va être qui va être disponible pour faire tel jeu et personne n'a vraiment de poste au début. Et donc, ça sera au fur et à mesure de l'implication des gens que telle ou telle personne va sortir du lot. Et au final, on lui attribuera tel poste ou tel poste. Alors ça, je le tiens de qui? Je le tiens de Takaya Imamura. Hein, donc, vous souvenez la vidéo à interview grâce à Florent Gorge sur la chaîne Life is a Video Game à propos de Takaya Imamura. Hein, elle a pas assez de vues. Allez la voir. Bah oui, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc, le papa de Star Fox et de F-Zero, entre autres. Et donc, directeur de Majora's Mask. Et donc, c'est lui qui nous expliquait ça. Et voilà comment ça se passe donc, au Japon. Donc, même tout un tas de... couper très rapidement les anciens de SNK et tous les anciens développeurs des grands studios d'époque qui ont témoigné sur comment que ça se passait à l'époque où un jeu pouvait être développé par 10, 20 personnes. C'était ça, hein, c'était très clairement la disponibilité des gens qui les plaçaient sur un projet. Un développeur pouvait faire la moitié d'un projet puis passer au suivant parce que sa tâche elle était terminée. Et c'était vraiment le réalisateur et le producteur et le planeur en fait qui géraient vraiment le projet de A à Z.
Alors, il y a Moonlight qui dit Akira Yamaoka a dirigé Silent Hill 3. Alors, c'est tout à fait vrai, hein, je suis d'accord, mais le 4 aussi, me semble-t-il. Non, mais il disait oui, peut-être que du coup, Silent Hill 3, c'était son premier poste de réalisation. Ah oui, d'accord. Oui, bah, c'est tout à fait vrai. Ouais, ouais, ouais c'est tout à fait vrai. Donc, oui, tu voulais rajouter quelque chose? Non, que, comme quoi, non, oui, d'accord. C'était effectivement une pratique courante au Japon à l'époque où les projets n'étaient pas pharaoniques. Maintenant, vous allez voir un Square Enix, ils fonctionnent exactement comme les Occidentaux. Ah, oui. Ils font sous-traiter, il y a des satellites qui font uniquement une partie du travail sans même toucher au projet lui-même. Ça, maintenant, c'est du développement, oui. On va dire, internationalisé et universalisé. C'est ça, quoi. C'est ça, parce que dans les studios, maintenant, tu retrouves absolument toutes les nationalités au Japon même. C'est-à-dire oui, complètement. C'est plus... juste des Japonais, même s'il y a bien sûr eu des développeurs étrangers donc au Japon assez tôt, c'était que des minorités, on pense Dragon Quest, etc. Mais effectivement, c'était que des minorités. Donc oui, qu'est-ce qu'on peut dire donc de United Game Artists ? Eh bien, c'est que donc Tetsuya Mizuguchi, c'est pas le genre de producteur à simplement dire bah toi tu me fais ci pourtant, toi tu me fais ça pourtant et j'attends tel résultat et voilà et puis toi t'as déconné, t'as dépassé le budget, non ça tu le fais pas parce que ça coûte trop cher, non c'est pas ça. Lui vraiment il a sa vision et ça devient un réalisateur par extension. Et c'est pour ça qu'il s'est permis d'avoir un Jun Kobayashi qui était un beatnik, hein. Le mec il tournait des disques sur une platine, c'est. Enfin vas-y, va réaliser un jeu, enfin tu sors. De ta séquence boîte de nuit et derrière tu fais un jeu vidéo, c'est pas forcément évident, donc tu comprends bien que... Au niveau du développement c'est pas évident, mais je comprends la logique derrière, en fait sa volonté c'était d'avoir quelqu'un qui finalement met la musique au premier plan et ensuite enrobe cette musique d'effets de visuel et finalement de gameplay, tu vois. En termes de conception, mais en termes de réalisation... Quand c'est autre chose, effectivement, tu te réveilles pas le matin à savoir coder, c'est ça, compliqué. Ouais. Et donc en fait, ce qui s'est passé c'est que Mizuguchi... produisait, hein, puisqu'il était producteur, deux jeux en même temps, donc c'est-à-dire Space Channel 5 et Rez. Et donc les deux jeux en même temps, donc c'était le bordel. Et comme en fait, quelque part, c'est lui les réalisateurs, par extension, même s'il est producteur, eh bien ce qu'il raconte, c'est qu'il disait qu'il rentrait jamais chez lui, en fait. Tout simplement, il restait au bureau et il dormait sur place. Comme et, plein de développeurs hein, de cette grande époque. Ouais. Oui, mais là, en plus, sur deux jeux, t'imagines, et ce qu'il raconte, c'est que en fait, quelque part, le fait de devoir switcher d'un jeu à l'autre, c'était une bouffée d'oxygène parce que c'était trop aliénant de rester sur un jeu, le même jeu. Il dit qu'il aurait tourné dingo s'il n'avait pas eu cette chance de pouvoir tourner sur les deux jeux. Surtout qu'il y en avait un qui était beaucoup plus grand public. Hein, Space Channel 5, c'est un concept qui est aussi extrêmement simple. Je pense que dans tous les jeux de Mizuguchi, il a toujours voulu qu'il y ait des concepts de gameplay très très simples. Et donc, Space Channel 5 est un excellent jeu pour moi. Je ne suis pas forcément fan de ce style, mais Space Channel 5, c'est juste du biscuit. C'est ultra kitsch à mort, c'est assumé, c'est énorme, avec Michael Jackson. Et donc il a géré ces deux jeux en même temps, mais bien sûr, son bébé, c'était Rez, qu'il a commencé à concevoir en 99, et la conception a pris un an. Tu vois, l'étape de pré-production, ça a été énorme quand même. C'est un an, malgré le fait qu'il pensait au jeu déjà dans les années 90. Donc, c'était vraiment un jeu... Qui a créé beaucoup d'incompréhension, de conflits au sein de l'équipe, puisque en fait il y avait tout un tas de créateurs, des mecs un peu perchés qui s'affrontaient, et bien sûr lui a imposé sa vision, puisque c'était un peu lui le boss en même temps. Et ça a créé des frustrations et on en est arrivé à Rez, voilà. Et tu vois, pour ça, ouais, vas-y. Je prendrais juste la phrase finale là, du documentaire de Toko Toko, Archipel maintenant je crois, ou c'était ouais, avant Toko, non oui c'est ça, avant la chaîne s'appelait Toko Toko, maintenant elle s'appelle Archipel, c'est des documentaires sur des personnalités du Japon. Souvent pop culture, donc soit jeux vidéo, soit manga, soit animation. Mais la chaîne, c'est vraiment c'est du bonheur. Les documentaires sont géniaux et c'est fait par une française en plus. Donc voilà. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, il y a un documentaire sur Tetsuya Mizuguchi, effectivement, et toute sa carrière. Hein. Et effectivement, il parle du développement, du progrès technologique et de l'aspect technique. Et tu vois, c'est complètement à contre-emploi de ce que un développeur traditionnel penserait. Donc il dit au début, je pense que les jeux resteront un média unique qui cumule en gros tout, du gameplay, de l'interaction, des visuels, de la narration, et que en ça, le fait qu'il y ait l'interaction, c'est un média qui est libre et qui permet vraiment de participer à l'expérience, contrairement à un média non interactif.
Donc voilà, tout cela est entremêlé avec le game design. Et la phrase qu'il dit après, elle m'a vraiment étonné. Il marque, une fois qu'on a réussi à faire marcher cette chimie, on devient accro. Donc effectivement, le fait qu'il dormait sur place, je pense que ça va un peu avec sa logique aussi de... il a trouvé ce qui fonctionnait et il s'est dit, maintenant j'ai une formule, à moi de l'exploiter au mieux. Par contre, il marque, je veux savoir quelle émotion le jeu va provoquer. Et là, il dit, avec les progrès technologiques, je pense que la dimension émotionnelle gagne du terrain. Et je trouve ça génial parce que 99% des développeurs, tu vois, qui viennent d'écoles de développement, pour eux, les progrès techniques, ça va juste permettre soit d'augmenter la fidélité visuelle, soit d'augmenter les performances, tu vois, la résolution, le framerate, etc. Soit éventuellement, comme un Breath of the Wild, de tenter de faire du gameplay un peu plus systémique, un peu plus bac à sable, un peu plus émergent. Mais parler d'émotions liées à la technique, aucun développeur mettrait ces deux, ouais. Tu vois, ces deux notions ensemble, quoi. Donc tu vois vraiment que c'est un artiste avant d'être un développeur, hein. Moi c'est comme ça que je le ressens. Ah oui, très clairement, très clairement, de toute façon lui ne parle que de ça, que d'art, etc. Donc oui, alors maintenant on va peut-être définir pourquoi le jeu a failli s'appeler Kay Project, et pourquoi le projet dans le cyberespace qui donnera naissance à Eden s'appelle Kay Project. Simplement parce que ça définit aussi pourquoi le jeu est un jeu en fil de fer, il y a plusieurs raisons à cela. Mais ça fait parce que, en fait, Mizuguchi était extrêmement inspiré d'un mec qui s'appelle Vassili Kandinsky. Et c'est un mec qui faisait des peintures très linéaires avec beaucoup d'entrelacements. Et donc ça, ça a inspiré énormément l'aspect fil de fer du jeu. Plus le fait que c'est vrai que c'était plus facile d'avoir un rendu rave party avec ce genre de rendu. Et aussi, en fait, ils se sont inspirés beaucoup de références qu'ils avaient dans le passé, c'est-à-dire le jeu de 1983 Star Wars, donc le jeu d'arcade qui était en 3D fil de fer, et Missile Command. Voilà. Ninja Nekoneko qui me fait marrer, il me dit, il y a David Cage qui a le même genre de propos. Je suis d'accord avec toi, on s'en moque même, c'est devenu un mème, le emotion. Ouais, ouais. Effectivement. Oui, tout à fait, ouais. Et donc c'est tout cet ensemble de choses qui ont fait qu'ils ont fini par retenir le fil de fer alors qu'ils étaient passés par énormément d'étapes où ils se sont dit on va faire des vrais personnages qui volent, ça va être un successeur spirituel de Space Harrier, etc. Donc tout ça ils ont abandonné, ils sont restés sur cette idée-là et qui a fait le sel du jeu aussi. Hein. Après il y a quelqu'un qui a amené en fait toute cette façon de penser. Et c'est un designer donc étranger que Mizuguchi est allé chercher. Donc c'était un mec qui avait déjà travaillé au Japon et c'est un mec qui s'appelle Jake Kasdal. Donc il est assez connu dans. Ouais. Est-ce qu'il a des petits sandwichs triangles sur lui constamment? Oui, c'est lui qui a inventé ça, tout à fait. D'accord, ok. Ouais. L'inventeur du sandwich triangle, donc exactement. Monsieur Kasdal. Et donc en fait, lui, à un moment donné, donc il bossait au Japon, donc il parlait pas donc chez UGA à Shibuya, il parlait pas japonais, donc il se faisait comprendre en faisant des gestes, etc., en montrant regarde ça, même si on le comprenait pas. Et ben un jour il part en boîte tranquille, comme un petit peu tous les mecs artistes chez UGA. Tous les mecs branchés, ouais, exactement. Et c'est là qu'il voit un mec qui utilise juste des effets tout con Winamp en fait sur le Media Player, vous savez, quand vous organisiez des soirées consoles chez les potes et qu'on était un peu des cassos, c'est qu'on mettait de la zik et y avait Winamp avec des effets de merde un petit peu psychédéliques sur l'écran en même temps que je mets un epilepsy warning quand même parce qu'il y a des trucs violents, voilà, c'est ça, pendant qu'on se mettait sur la gueule sur des Mario Kart, Street Fighter 2 et autres je sais pas quoi, tu vois. Et donc du coup lui il a été marqué par ça et c'est vraiment lui qui a apporté ce concept chez UGA et c'est pour ça qu'ils sont partis dans cette direction. De penser qu'un shader Winamp c'est équivalent à un jeu vidéo, ce qui n'est pas du tout le cas, parce que pour le coup un shader Winamp ça a quasiment pas de matérialisation 3D hein, à proprement parler. Maintenant oui, dans les jeux vidéo il y a des shaders, mais de là à en faire un jeu c'était quand même pas évident. Maintenant on sent l'esthétique, on sent l'inspiration, hein, très clairement. Ouais, tout à fait, ouais.
Tout à fait, et donc c'est comme ça en fait qu'est né Rez, hein, sorti chez nous en 2002 sur Dreamcast. Et d'ailleurs, si quelqu'un en a un à vendre sur Dreamcast PAL, ça m'intéresse parce que c'est un des derniers gros titres qui me manque. Donc contactez-moi pour ça. Même l'annonce si, est passée, mon cher Guimou. On le remettra voilà. Sur le Discord, hein. N'hésitez pas d'ailleurs à venir sur le Discord. Oui, oui, qui sera en description de cette vidéo un petit peu après, un peu plus tard. Donc le Discord, rejoignez-nous, c'est important. Et on pourra échanger. Et donc, je sais plus où j'en étais, du coup, à force de faire ma pub. Oui, 2002 chez nous, Rez. Et donc, eh bien, à ce moment-là, en tout cas, au moment de la sortie japonaise de Rez en 2001, c'est là que Sega annonce le fait qu'il se retire en tant que constructeur de consoles et qu'il devienne éditeur de jeux vidéo. Donc, paf, patatras, grosse restructuration, on serre un petit peu les cordes des bourses, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, Mizuguchi, il prend son jeu, alors qu'il... Enfin, je crois pas qu'il était encore sorti sur Dreamcast, c'était juste un prototype, et il va le montrer lors d'une soirée Sony Music, au personnage. Et lui, au lieu de faire comme tous les développeurs, et de monter sur la scène, de parler de son jeu en disant « Mon jeu est génial, mon jeu est fantastique, ça va tout changer, c'est juste incroyable », lui, il a dit « Fuck ». Il est arrivé sur la scène, il s'est teint les cheveux en argent, tu vois, couleur argent. Et il a mis une combinaison et il a commencé à éteindre les lumières, à mettre son jeu sur écran géant. Et il joue à son jeu, il jette la manette, il se barre. Et tout le monde a été impressionné parce que c'était singulier, en fait, comme expérience. Et donc, le boss de Sony Music à l'époque, il le rappelle sur la scène, il lui dit « Putain, mon gars, tu sais, des fois, on utilise la langue de bois, mais là, je te le dis pour de vrai, mon pote, ton jeu, c'est de la, bombe, c'est de la balle. » Et ouais, tout à fait. Tu résumes, et en fait, Rez n'aurait jamais dû sortir sur PS2, mais ce retour et ces phrases du boss de Sony Music, ça a fait comprendre chez ces gars que ah ouais, quand même, il serait peut-être temps de mettre des moyens pour produire Rez sur PlayStation 2, même malgré... c'est le jeu était sorti sur Dreamcast en fait, et c'était déjà un bide. Oui. Et en fait, le fait que oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Ils avaient plus rien à perdre. Hein, là. Il était déjà sorti sur Dreamcast. Parce que j'aurais trouvé ça étrange quand bien même la Dreamcast est en fin de vie et que le jeu n'est pas encore sorti, qu'ils pensent déjà à une version PS2. Mais par contre, une fois que le jeu était sorti sur Dreamcast et que la Dreamcast était entre guillemets pliée, ils étaient déjà en train de réfléchir à faire de l'édition et du portage. Hein, c'est évident. C'est ça, mais sauf que vu les ventes pourries de Rez, malgré le fait qu'il était encensé dans... Oui, c'est pas celui-là qu'ils avaient en haut des listings chez Sega, en tout cas. Ouais, tout à fait. Et donc, ce retour du boss de Sony Music a fait que, eh bien, Sega s'est dit « Ah ouais, quand même, on va porter du budget pour porter Rez sur PlayStation 2. » Et c'est là qu'ils ont aussi commencé... Donc, penser au concept de l'adaptation sur la DualShock et au transvibrator. Alors, il faut savoir que quand Mizuguchi est arrivé en disant à son équipe « On fait la version PS2 », tout le monde a fait la gueule, ça a été un bordel. Tous les développeurs ont dit « Putain, c'est pas possible, tu peux pas nous faire ça », etc. Parce qu'en fait, il a fallu reprendre la conception, enfin le codage du jeu à zéro. Parce que si des jeux comme Border Down, qui sont des merveilles, sur Dreamcast n'ont jamais vu le jour sur d'autres plateformes dont la PS2 où tout le monde voulait un portage, c'est bien parce que c'est trop compliqué en fait, et surtout au début où l'équipe de développement c'était une horreur sur PlayStation 2, c'est un peu amélioré après sans être la folie. Le dev kit n'était pas fifou au début, et surtout l'architecture n'avait rien à voir, donc en gros tu ne pouvais pas faire un portage facilement. C'est aussi simple que ça. Tu partais d'une plateforme qui était sur un Windows CE avec du Power VR et tu devais te retrouver sur un système basé sur Linux avec une archi qui était complètement custom, quoi. Donc oui, non, c'était compliqué. Et donc, UGS, c'était à peu près 70 personnes à l'époque. Et donc, à partir du moment où on leur a dit « Faites un jeu PS2 », les mecs, ils ont transpiré, quoi. Et donc, ils sont pris la gueule. Et donc, c'est à ce moment-là que Mizuguchi part toujours dans son concept de synesthésie. Et donc, c'est là qu'il met en place le transvibrateur, qui était censé vous faire ressentir des sensations du jeu sur tout le corps, partout où vous le mettiez, en fait.
Et donc, il y a Ivan Kaiser, souvent, qui nous parle du transvibrateur en disant « Ah ouais, mais il y avait des meufs qui l'achetaient pour se le mettre sur la touche. » Et c'est vrai. C'est en parfaitement fait, vrai. C'est parfaitement oui, vrai. C'est parfaitement vrai. Et en fait, Mizuguchi, lui, avouait que pendant la conception donc, de cet accessoire vibrateur, eh bien, tout simplement, il avait déjà pensé eh bien, à la dimension sexuelle du truc. C'est vraiment pas quelque chose qui était innocent chez eux, hein, et il le savait déjà, voilà. En même temps, tout ce qui vibre hein, peut être un peu détourné, j'ai envie de dire. Si en plus vous avez la main sur les vibrations, mais alors là, ça devient Byzance. Bah, de toute façon, maintenant, ouais, tu regardes tous les sextoys, c'est des dérivés de motorisation d'accessoires jeux vidéo, hein, sans vouloir jeter la pierre au womanizer et à tous ces nouveaux trucs, mais... Tout à fait, mais maintenant on peut parler peut-être un petit peu des adaptations de Res par la suite, donc ça c'est une licence Sega. Par contre, après Res PS2, Mizuguchi démissionne, il se barre, il va créer une société qui s'appelle Q Entertainment. Donc Q Entertainment, c'est une petite boîte, hein, il s'est barré avec justement un mec de Sony, faire cette boîte en association et ils n'ont pas de moyens, mais ils arrivent à te sortir un jeu qui marquera en tout cas l'industrie du jeu vidéo à l'époque, toujours basé sur la synesthésie et qui est Lumines. Voilà, Lumines qui est sorti sur plein de plateformes, hein. Donc c'était d'abord un jeu PSP, mais il est aussi sorti sur mobile, PS2, il me semble qu'il y a une version PS2 et donc le jeu a vécu plus loin que ça, quoi. Donc, les consoles portables de chez Sony ont eu le droit, je crois. PSP, PS Vita... Oui, PS Vita, la dernière version, il me semble... Il y a eu un remaster ensuite ressorti sur les consoles de salon. Donc, vous l'avez partout, quasiment, quoi. Oui, tout à fait. Et même donc, sur PC. C'est le remaster, il est sur Steam ou sur... oui, je crois que ça doit être sur Steam. De Lumines, ouais, il me semble aussi, tout à fait. J'avais un doute, parce que comme des fois Sony, c'est pas trop des fans de portage PC, mais non, il est aussi sur PC. Donc ouais, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Lumines, hein, beaucoup de gens connaissent, en tout cas les amateurs de puzzle game. Ah oui, forcément. C'est du puzzle game, mais avec une forte dimension visuelle, en fait, avec beaucoup de lumière. Et donc la gestion du timing et du tempo. On se retrouve un peu sur un mélange nouveau de jeux de rythme et de puzzle game. Tout à fait. Et donc, c'est avec une autre société qui va porter, je pense, en rachetant le droit d'exploitation, peut-être pas la licence, mais au moins le droit d'exploitation à Sega pour faire le portage VR en 2014, si je dis pas de conneries. C'est possible que j'en dise, hein, sur PlayStation 4. Et parce qu'il reste habité par Rez, en fait. Ouais, tout à fait. Et donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter entre-temps? C'est que, en fait, eh bien, tout le monde ne le sait pas, mais il y a une suite à Rez, une suite qui transcende le concept de Rez, et qui s'appelle Child of Eden. Et donc, c'est une suite directe, mais qui reprend pas la licence Rez, et qui est sortie... j'espère que je vais pas dire de bêtises. Il me semble que c'est en 2008... Il me semble que c'est 2008. Alors ouais, attends, c'est ça. J'ai un doute, parce qu'il est sur une scène E3 Ubisoft 2010 et il présente le jeu. C'est ça. Donc, je crois que c'est 2010 ça, en fait. Plutôt. Ça a dû être annoncé en 2008, mais la sortie, ça doit être 2010, je pense. Ouais, c'est possible. À vérifier, hein, parce que étrangement, je vois que des dates liées à 2010. Attendez, on va demander à Google et à Moby Game ou ce genre de site. Ouais, j'ai un trou de mémoire. Il faudrait me dire la date de sortie de Child of Eden, qui est une véritable suite. Alors, on va parler un peu d'argent. 14 juin 2011, mon cher Guémou. Ah ouais, d'accord. Donc présenté à l'E3 2010, sorti en 2011, voilà. D'accord, donc je suis complètement à côté de la plaque. Donc un jeu qui a été édité par Ubisoft, parce que Ubisoft s'est dit « Ouh, Lumines, ça marche bien, cette petite merde !» Exactement. Et donc ils se sont dit « Eh ben, on va financer Mizuguchi pour nous sortir la suite de Rez, qui était un jeu qui a marqué l'histoire et son époque, donc Child of Eden. » Et donc Child of Eden, c'est la plus pure continuation de Rez, ce n'est rien d'autre que Rez, c'est la suite de Rez, et il pousse son concept plus loin parce qu'il a moins de limitations techniques, il repense son jeu à partir de zéro, donc quand vous jouez en 2014 à la version de Rez
sur le PSVR. Donc effectivement, c'est en VR, donc c'est assez novateur. Vous avez la version améliorée sur PlayStation 5. Mais le concept est poussé vraiment dans Shade of Eden. Et donc, on va parler un petit peu argent, parce que comme ça, on va gagner au moins 100 ou 200 viewers de les plus. Les gens aiment parler pognon, ouais. Voilà, donc on va parler pognon. Aujourd'hui, vous avez Rez sur Dreamcast, ça doit coûter 250 balles. Je dis, je sais pas, mais je pense que c'est à peu près ça, j'en sais rien. Ton acolyte va te dire ça. Ouais, c'est parce que il a un statut culte, Rez, parce qu'il a apporté quelque chose, c'est-à-dire vraiment une transcendance dans le jeu vidéo qui n'avait pas été connu du public auparavant autant que ce jeu l'a apporté. Eh bien, Child of Eden, en fait, pousse le concept plus loin. Et donc, ce qui se passe, c'est que le Mizuguchi, à l'époque, il a un groupe qui s'appelle Genki Rockets, et donc qui utilise beaucoup l'image et le son, c'est toujours la même chose, c'est la synesthésie. Et donc ils ont, me semble-t-il, peut-être que je dis des conneries, mais il me semble que c'est ça l'histoire, eh bien une chanteuse virtuelle avec elle, qui s'appelle Lumi, Lumines, tu vois le rapport, mon pote. N'est-ce et pas. Donc, liste... De quoi ? Non, je dis n'est-ce pas le rapport, hein, effectivement. Oui, voilà. Ouais, tout à fait. Et donc, ce qui se passe, c'est que cette Lumi de ce groupe Genki Rockets deviendra l'héroïne, ou en tout cas le personnage le plus important de cette suite, Child of Eden, puisque dans l'histoire, elle est la première personne, suite au réveil d'Eden, suite aux événements de Rez, Eden donc, qui apporte une sorte de paix dans le cyberespace sans pouvoir réellement se débarrasser de tout ce qui est mauvais dans l'humanité, hein, c'est juste que le beau coexiste avec le moins beau, mais il arrive donc à s'imposer par rapport à ce qu'a été auparavant le cyberespace, un monde très très sauvage, hein, dangereux. Et l'humanité prospère et donc se développe dans l'espace. Et la première personne à être née et avoir vécu dans l'espace s'appelle Lumi, donc c'est cette personne-là. Et quand elle meurt, en fait, ses données sont conservées dans des dossiers. Et donc, ils arrivent à la reconstituer sur Terre. Elle découvre la Terre, sauf qu'elle se fait niquer, encore une fois, par des virus. Et donc, le but dans Child of Eden, eh bien, ça va être de récupérer ces dossiers pour reconstituer Lumi. Et donc, Lumi, on la voit tout au jour du jeu. Et il y a des interactions de la personnalité de Lumi et donc les stages du jeu. Et donc, quand je disais qu'on allait parler pognon, je disais que Rez, c'était 250 balles ou quelque chose du genre. Eh bien, si vous allez... Pâle, ouais. Qui coûte cher, elle coûte 200 à peu près, ouais, avec boîte et manuel. Ouais. Version Jap, ouais. Tu la trouves à une centaine d'euros, pour le coup. Oui, parce que c'est plus commun, ouais, tout à fait. La version Jap, j'ai. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, Child of Eden, qui est pour moi vraiment la version améliorée de Rez, parce que en fait, vu qu'il a moins de limitations techniques et qu'il a conçu ce jeu à l'époque, il a pu pousser le concept plus loin en termes de ressenti musical et visuel. Et bien ce jeu là sur Xbox 360, tu dois le trouver sur eBay France genre à 1,49€. Donc ouais. Quand on dit que les youtubeurs ils font monter les prix, eh ben on va faire monter les prix, les mecs. Allez, et si on ça va vous voir. Intéresse. Demain il coûtera 10€, dans une semaine 200€. En tout cas, il y a un mec en déstock sur eBay à 1,49€. Donc après, t'as genre plus de frais de port, une palette, de le gars. 4 balles. Mais oui, c'est ça, en fait, c'est un déstock. C'est des déstocks. Donc, si ça vous intéresse sur Xbox 360, en tout cas, c'est 1,49€. Et donc, faites monter les prix en vous en plaisir, parce qu'au moins, les mecs, ça profitera à vous, les potes. Donc, voilà. Et sur PS3, petit conseil d'achat aussi, pour ceux qui devraient choisir entre une version... parce que ce jeu-là, Child of Eden, est sorti sur PS3 et 360. Les deux versions, techniquement, se valent, même si la version 360 tourne un peu mieux. La PS3, on répète, ouais. Hein, elle a une architecture un peu chelou. Les mecs n'étaient pas des codeurs émérites. Du coup, il y a des petits ralentissements sur la Play, mais c'est très léger. Mais ce qui joue vraiment le plus la différence entre les deux plateformes, c'est le contrôleur. Parce que Gamou ne l'a pas dit, mais en fait, le jeu se joue avec le Kinect. Tadam! Donc en gros, l'horrible Kinect, non pas forcément, parce que comparativement sur PS3, vous jouez ça avec la caméra quelque chose là, la caméra de la PlayStation 3, hein, vous voyez de quoi je parle.
Le PlayStation Move est compatible, il me semble, aussi avec les PS Move. Voilà, les deux en corrélation, PS Move plus caméra. Et le tracking de ces deux trucs, pour ceux qui ont joué au PSVR 1 avec les Move, vous savez à quel point c'est dégueulasse. Et pour le coup, le Kinect a un bien meilleur tracking sur la version 360. Et surtout, maintenant que les PS Move coûtent énormément, pourquoi ? Parce que le PSVR 1 a fait que des trucs qui étaient soldés à 5€ pièce le PS Move dans des cash converteurs avant le PSVR 1 se retrouvent maintenant revendus 70€ les deux, comme il y a eu du coup l'engouement que tout le monde cherchait des PS Move pour aller avec leur casque VR. Mais dans les deux cas, c'est de la merde. Et pour le coup, des Kinect, vous en trouvez à 50-60€ sur eBay, quoi. Donc l'un dans l'autre, 1,50€ le jeu, 60€ l'accessoire. Pour le prix d'un jeu moderne, maintenant, vous avez l'expérience complète Child of Eden. Ouais, ouais, donc vraiment un super jeu et bien moins connu que Rez, malheureusement. Mmh. En tout cas, vous n'aimerez pas si vous n'aimez pas Rez. Mais en tout cas, si vous voulez une expérience poussée par rapport à Rez, la référence, c'est pas Rez. Pour moi, c'est Child of Eden. Et c'est vrai que il y a des gens qui préfèrent jouer au pad à Child of Eden. Effectivement, il y a plein de gens qui ont adoré y jouer au Kinect. Et c'est vrai que il y a plein de jeux Kinect, mais c'est pas souvent qu'on entend des aspects positifs donnés au gameplay Kinect. Donc là, c'est assez surprenant et ça vaut vraiment le coup d'essayer. Voilà. Et donc, ouais, Child of Eden, la suite de Rez, eh bien, il fallait le savoir, quoi. Hein. C'est pour ça que le jeu ne coûte rien, c'est parce que les gens ne sont pas forcément au courant. Et puis, on s'adresse aussi quand même à des rétro-gamers un peu collectionneurs, donc je pense que des 360, vous en avez dans les placards, parce que vous savez que actuellement, c'est la génération qui est dans le creux de la vague. Niveau tarifaire, c'est ça remonte quand même. Parce que chaque mois qui passe, on a un peu plus d'engouement sur ces plateformes-là, parce que maintenant, ça devient la PS4, qui devient la console un peu d'ancienne génération. Mais avant, c'était les 360 et les PS3 que tu rachetais pour 30-40€. Hein. Pareil avec les Kinect, les mecs te donnaient les Kinect avec les consoles, tellement ça valait plus rien. Donc je suis sûr que si vous avez un Kinect qui prend la poussière, ça c'est un vrai bon jeu pour exploiter le hardware, pour le coup. Donc maintenant, on peut peut-être conclure sur Rez avant d'avoir un dernier mot sur Mizuguchi. Oui, parce qu'après un Super Yoli, mec, on a encore un jeu à faire. Je sais pas si t'es conscient. Ouais, je sais, mais moi je suis passionné par l'histoire. Non, mais comme ça on s'excuse de ne pas avoir été là hier et on en rajoute une petite heure bonus, quoi. Voilà, tout à fait. Et donc maintenant on va passer à la polémique, hein. Je vais me faire taper sur la gueule, mais tant pis. Hein. On veut du drama, c'est ça qui fait des vues, Guémou, du drama. C'est notre live show, donc si on veut dire de la merde, on dit de la merde et je vais donner mon avis sans me priver. En fait, pour moi, Rez est quelque part un gâchis. Voilà, j'ai lâché le mot. J'adore Rez, je trouve ça fantastique, mais je trouve que c'est un gâchis, c'est-à-dire que en fait la vision de Mizuguchi et son obsession commerciale de vouloir faire un jeu accessible à tous, eh bien ça n'a pas réalisé tout le potentiel donc du jeu. C'est-à-dire que en fait moi quand j'ai joué à Rez pour les premières fois, j'étais un peu déçu parce que je me suis dit putain, c'est ça l'interaction qu'on m'avait vendue avec la musique. Je m'attendais à vraiment pouvoir créer plus de rythme, c'est-à-dire d'avoir des touches dédiées au son, par exemple avoir une touche de percussion, et de me dire, voilà, quand j'appuie sur cette touche, au moins je crée en jouant un shoot un peu ma propre musique, j'influence la musique au point que ça devient une expérience personnelle. Or, ce n'est pas du tout le cas, tout est vraiment pré-enregistré, et il n'y a aucun aspect musical. C'est pas un jeu de musique, Rez, non. En fait, tu vois. Et c'est pas un jeu de rythme, contrairement à du studio qu'ils ont fait par la suite, effectivement. Et en fait, c'est une volonté propre de ne pas avoir fait un jeu de rythme, parce qu'ils ont pensé à tous les babtous fragiles qui n'ont pas du tout le sens du rythme. Tu vois, ils se sont dit, putain, les Africains, ils t'auraient niqué ça tranquille, pépère, parce que c'est dans le sang, tu vois. Mais les babtous fragiles, ils vont chier dans la colle, et les Japonais aussi. Et donc, du coup, ils n'ont pas voulu faire ça. Mais en fait, si ça avait pu être quelque part un petit peu optionnel, ça aurait été exceptionel. Le jeu aurait eu 2 degrés de plan de gameplay, et t'aurais pu jouer ça comme tu joues aujourd'hui, ou avoir des touches en plus qui auraient pu rajouter des sons, et t'aurais pu moduler musicalement le jeu, et ça aurait été juste bluffant pour moi, et ça n'a pas été exploité, et c'est en ça que j'étais déçu.
Je crois, alors là c'est moi qui spécule, hein. Je suis pas sûr que ce soit qu'une question de fragilité, de volonté d'être accessible à tout le monde. Je crois que c'est aussi un défi technique qui les a empêchés de peut-être de le faire. Parce que les mecs étaient déjà à galérer à réaliser le côté gameplay, technique, 3D, etc. Donc pour eux la musique, il fallait que ce soit plié le plus vite possible. Et mettre un soundtrack non interactif qui passe comme des pistes d'un DJ, c'était probablement le plus simple à intégrer. Parce que qui dit musique interactive, dit découper la musique comme un tracker, tu vois. Où à tout moment, toi, tu vas pouvoir changer la note. Du coup, la musique, c'est plus un MP3 ou un wave que tu diffuses, c'est carrément un moteur de rendu sonore qui va pouvoir, un peu comme dans Doom Eternal, en fonction de l'intensité de ton jeu, accompagner le gameplay en temps réel. Et ça aurait été encore un défi de développement. Et ils avaient peut-être juste pas, tu vois, les moyens ou les reins de le faire. Je sais pas. C'est moi qui spécule, hein, pour le coup. Ouais, ça, je saurais pas dire. En tout cas, on a un producteur de musique, hein, Requin Visqueux, dans le chat. Et lui, il dit qu'il a énormément apprécié des jeux comme Music 2000 et que pour lui, c'était plus intéressant que Rez. Parce qu'au final, Rez, même si le fait qu'il est surprenant, bah, ça reste un rail shooter, quoi. Ouais. Enfin, pour moi, alors moi, ce que je lui reproche, c'est pas tant l'aspect interactif lié à la musique, même si comme vous, j'aurais été fan qu'on puisse vraiment refaire sa propre musique, façon de parler, tout en jouant. Moi, ce que je lui reproche, c'est de pas être assez typé arcade. Et en fait, j'aurais bien voulu une vraie difficulté shmup et un vrai côté scoring. Et on l'a pas forcément dans l'expérience. Même s'il y a un score final, et il me semble qu'il y a un leaderboard dans le jeu, mais t'as pas vraiment cet aspect d'essayer de repousser, tu vois, la difficulté comme un shmup ou un bullet hell ou un danmaku traditionnel. Alors je sais qu'on est sur un rail, mais tu vois, pour moi l'aspect difficulté, il est pas assez travaillé. Il y a pas l'esprit arcade comme j'aurais bien aimé qu'on le retrouve, quoi. Ouais, moi j'ai pas besoin de cet aspect arcade dans Rez, je trouve qu'il se suffit à lui-même, c'est une vraie expérience, ça reste un jeu que j'adore, hein. Et pareil pour Child of Eden, encore plus peut-être, mais je trouve qu'il suffit à lui-même, mais quelque part je trouve qu'il réalise pas son potentiel, c'est tout ce que je dirais sur l'histoire, voilà, ouais. Eh ben écoute, je suis pas sûr que ce soit si polémique que ça, hein, parce que les ventes, finalement, illustrent un peu ce que tu dis. Et ah le ouais, fait mais que ça a toujours été des jeux de niche qui n'ont jamais passé vraiment la frontière du grand public montre que il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose à la formule, je pense. Ah, je sais pas, parce que en fait, c'est surtout le fait que la plateforme Dreamcast n'a pas donné accès au jeu à beaucoup de gens. Et même, on peut, si tu veux, reprendre quelque chose qui était partagé par tout, en tout cas la quasi-majorité des développeurs sur Dreamcast à l'époque. C'était des gens qui étaient navrés, en fait. Navrés parce qu'ils avaient vraiment, donc devant les yeux, toute l'exemplarité de la déchéance de Sega. Et c'est des gens qui se sentent responsables du fait que la Dreamcast n'ait pas marché parce que soit ils n'ont pas été assez innovateurs, soit ils n'ont pas su s'adapter à ce que demandait le public jeux vidéo en Occident, en adaptant beaucoup de jeux d'arcade sur la Dreamcast au lieu d'essayer de répondre à un besoin, peut-être en étant trop créatif. Ils se sont posés mille et une questions qui les ont torturés. Je pense à Phoenix Rier, je pense à Mizoguchi, tout ça. Enfin, tous ces gens-là, ils se posaient beaucoup de questions et se disaient « mais si j'avais fait mieux, peut-être que j'aurais pu emmener la Dreamcast plus loin parce que, en fait, tout le monde a apprécié cette plateforme et ont vu ça comme un gâchis énorme. » Bah, tu sais, les joueurs qui ont expérimenté la Dreamcast dans ces quelques grandes années sont entièrement d'accord avec les devs, donc eux qui l'ont vécu de l'intérieur, qu'ils aient l'impression d'avoir participé en mal à ça, je comprends qu'ils aient la culpabilité. Maintenant, les gars, faut arrêter de vous autoflageller. Le responsable et le seul responsable, c'est Sega. C'est Sega et la façon dont ils ont pas réussi finalement à entreprendre un virage que d'autres constructeurs ont réussi. C'est dramatique, mais c'est pas selon moi la faute des développeurs, parce que des pépites et des hidden gems, il y en a sur Dreamcast. Donc pour moi, c'est une question de marketing et une question d'avoir réussi, de ne pas avoir été assez agressif au moment où il aurait fallu, peut-être. Alors, pour revenir sur ce que je disais, je parlais de Phoenix Rier, paix à son âme. Pour juste recadrer, c'était donc la dame qui avait travaillé sur Phantasy Star et qui a réalisé Skies of Arcadia, soit Eternal Arcadia au Japon. Voilà, donc c'était juste pour m'expliquer. Ensuite, il y a Cadavrexki qui dit que pour Rez, il n'y a pas d'interaction avec la musique. Alors si, il y a des interactions avec la musique, mais elles sont préprogrammées, si tu veux.
C'est pas quelque chose qui va te permettre de t'exprimer sur ta créativité. Tu vas pas changer la musique, par contre tu vas générer des effets visuels en fonction de ton gameplay. C'est plus sur le visuel en fait que tu interviens. Tu aussi génères des sons, mais quelque part il y a aucune liberté dans la génération de ces sons. Tu vas pas pouvoir faire de la merde en fait, ça va être à peu près. C'est des sons qui vont tomber toujours sur le tempo à des moments clés, et ce sera toujours le même son à l'instant T, enfin voilà. C'est... Par exemple, il y a la boule que tu shootes pour changer de stage, cette boule-là, elle arrive toujours au même moment, quoi, tu vois ce que je veux te dire. Voilà, salut Moa. Dernière chose sur Mizuguchi, et après on passe à l'ultime jeu, c'est qu'il a continué après, en fait Q Entertainment a fait faillite, et lui derrière il a remonté une boîte qui s'appelle Inense. Donc Inense c'est la boîte qui a produit la dernière version de Rez, et ils ont fait un autre jeu qui a fortement très 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 bien marché, et qui s'appelle Tetris Effect. Je pense que tout le monde connaît, mais tout le monde ne sait pas forcément que c'était Mizuguchi qui était derrière Tetris Effect. Alors, ça Tetris paraît tellement Effect... évident. Tu prends Rez, tu prends Luminous, tu leur fais faire un bébé, et t'as Tetris Effect. Ouais. le mec avait toujours voulu reprendre le concept de Tetris, parce qu'enfin, il avait quelque chose qui parlait à tout le monde et qui pouvait permettre à son jeu d'être plus vendu, hein, parce que Child of Eden a été décevant au niveau des ventes, malgré le fait, en fait, Ubisoft s'est plaint, alors qu'il a fait quand même 500 000 ventes dans le monde entier, donc c'est pas si pourri que ça, c'est pas extraordinaire, c'est pour ça que t'en trouves aussi à 1,49€ sur eBay, mais en tout cas, Ubisoft s'attendait à plus de ventes, et le jeu était très très bien parti à sa sortie, et quelque part, après, ils l'ont pas soutenu plus que ça. Il y avait énormément de marketing, si je me souviens bien. Ils avaient vraiment fait le forcing marketing. Mais comme tu dis, c'est vraiment à l'E3 et les premières semaines de la sortie. Et après, on n'en a plus jamais entendu parler, quoi. Ouais, en fait, il s'est très bien placé dans les charts au début. Et après, il s'est vite effondré. Et Ubisoft l'a carrément mis aux oubliettes. Ils n'ont pas essayé de pousser le truc. Un jeu comme ça, à l'époque où on était, c'est-à-dire 2011, il aurait dû avoir droit... à des mises à jour de musique et de niveau. Exactement comme un Guitar Hero live qui du coup avait la connectivité, ou un SingStar. Ça c'est que des jeux qui étaient basés sur la musique, qui étaient vendus avec un soundtrack figé, et arrive un moment donné, aux alentours de 2006, 2008, 2010, on a le online sur toutes les consoles. On a une connectivité, des téléchargements, des patchs, etc. Et du coup, pour moi, ça, c'est un jeu qui est taillé pour être un live service et avoir tous les ans un nouveau soundtrack avec des nouveaux niveaux. Et si ça, Ubisoft l'avait poussé, je pense que le jeu serait encore joué actuellement, quoi. Oui, alors, pour Kadavreski, Child of Eden se jouait aussi au pad, attention. On précise que le motion gaming, c'est une des possibilités, mais vous pouvez jouer uniquement au gamepad. Voilà, tout à fait. Donc, Tetris Effect, les gens ont pu penser que ça n'avait pas été fait par Mizuguchi, parce qu'en fait, ça a été fait par une boîte qui a d'ailleurs aidé à adapter la dernière version de Rez, qui s'appelle Monstars. Et donc, on se dit, Mizuguchi, lui, il est chez Enance, sa boîte, c'est Enance, et donc, lui, il a produit Tetris Effect, mais c'est pas lui derrière. Mais comme d'habitude, en fait, il a beau être producteur, c'est quand même lui qui par extension, réalise les jeux. Voilà. Donc un peu, moi j'ai tout dit sur ce sujet. Si t'as des choses à rajouter, n'hésite pas. On sait que c'est un mec qui est un concepteur, qui est un innovateur, qui est un visionnaire, certains diront un artiste perché. Je pense que oui, ça le définit bien aussi. Et il a tenté, en tout cas, avec ses jeux, de toujours être... et il le dit dans le documentaire GameSpot, que lui, le hardware, c'est aussi important que le gameplay et le code. Et que du coup, il a besoin d'avoir toujours un support innovant hardware pour présenter ses jeux. Et si tu regardes, c'est quasiment le cas de tous les jeux, à part les premiers Rez, où t'as finalement c'est un jeu 2D qui se joue au gamepad, mais avec déjà des visuels un peu différents. Et ensuite, on a des jeux qui se jouent en motion gaming, avec le Kinect, avec les PS Move, en VR. Et ça a toujours accompagné Tetris VR, d'ailleurs, est aussi compatible... Effect est aussi compatible VR, hein. Donc ça, c'est vraiment son fer de lance aussi. Et c'est important de préciser que pour lui, le hardware, la combinaison d'ailleurs Synthé-Cesia, je sais pas si tu en as parlé. Oui, c'est ça, on n'en a pas parlé. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Alors je voulais montrer. Il a poussé le concept plus loin, vas-y, ouais. Mais voilà, le concept, c'est... On n'en a même pas parlé, alors que c'est hyper important pour en fait illustrer la volonté de conception de jeux vidéo de Mizuguchi, parce que
ce qui vraiment caractérise Mizoguchi, et ce qui est vraiment incroyable chez lui, en tout cas moi ça me fascine, c'est que c'est quand même un beatnik. Le mec, comme on disait, il se bat en pleine journée de travail, aller voir des concerts de rue, il va dans des rave parties et tout, ce qui est complètement ouf pour producteur de jeux, enfin dans l'industrie où les mecs, comme on expliquait, ils rentraient pas chez lui, ils vivent pour le taf. Et en fait, il arrive à avoir des loisirs. Le mec a fait partie de différents groupes de musique, tout en ayant ses statuts de producteur dans des boîtes importantes. C'est pas n'importe quel rôle, le rôle de producteur dans un projet de jeu vidéo. Attention, ça quantifie quand même le succès de ton jeu. Il arrive à faire tout ça en ayant une vie et des loisirs, et donc une vie aussi intellectuelle, donc de vivre dans des mondes imaginaires, de faire sa propre musique, tout en réussissant à être productif. C'est-à-dire que le mec, il s'éparpille, mais il reste productif. Et ça, je trouve ça vraiment impressionnant. C'est pas tout le monde. Par exemple, imaginez, vous êtes employé, et demain, vous passez en télétravail, vous devenez votre propre patron. Est-ce que vous allez réussir à garder un sérieux constant et face à toutes les tentations? Vous avez la PS5, la PS4, la Super Nintendo à côté de vous, il faut faire du travail, mais c'est quand même un peu tentant, tu vois. Et lui a toujours réussi à coordonner tout ça, et ça c'est assez fort, je trouve. Je pense que c'est un peu plus, enfin c'est pas que c'est plus compliqué que ce que tu dis, mais pour être en partie en télétravail et avoir un boss qui a créé sa boîte, lui me dit déjà que tout seul, il l'aurait fait couler depuis longtemps. Ce qui fait qu'il s'impose cette charge de travail et qu'il est aussi carré, c'est pour deux choses. Les clients et nous, les employés. Parce qu'il veut pas, entre guillemets, nous faire faux bond. Et je pense que lui, c'est un peu pareil. Tu vois, tout seul dans son coin, lui, il serait allé à ses concerts, il aurait pris ses extas, ses tas, et il serait allé jumper avec tout le monde. Mais comme il a des employés, comme il a quand même des constructeurs qui viennent le chercher aussi, tu vois, pour démarcher ses projets, je pense que n'importe quelle console, n'importe quelle plateforme a besoin d'un Mizoguchi, d'un mec un peu perché, un peu artiste, un peu visionnaire, parce que ben, ça fait parler aussi de ta plateforme. Ça fait parler de ton hardware. Ça vend des casques VR. Tu vois, ça vend des PS Move. Et Tetris Effect, voilà les ventes que ça produit. Mais c'est ça, hein. Parce que c'est un jeu qui touche toutes les générations. Tu vois, ton grand-père, tu lui mets le casque VR, il joue à Tetris. Un gosse de 4 ans, il joue à Tetris. Et tout ce qui rentre. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui peuvent toucher un public pareil. Et souvent, les jeux de gaming rythmiques ou basés sur des visuels simples, c'est très accessible. Donc, pour moi, c'est quelqu'un. C'est un peu un ovni du jeu vidéo. Hein. On les présente des fois comme ça, ces mecs atypiques. Mais je pense qu'il en faut dans tous les. Il en faut sur toutes les plateformes. C'est important. Mais ce sera jamais des grosses ventes. À part Tetris qui se vend parce que c'est Tetris, t'aurais fait le même jeu avec Space Invader. T'aurais appelé ça Space Invader Effect. Ça aurait été un bide. C'est parce que c'est Tetris que ça s'est vendu surtout. Hein. Il y a eu ce genre de choses hein, sur Xbox Live Arcade. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Donc voilà, et la combi donc elle était censée encore permettre d'ajouter de l'interaction et de la création artistique, sachant que il y avait des lumières intégrées, il y avait des points de vibration intégrés partout répartis sur le corps. C'est donc, ça. Vraiment une sensation. Par exemple, vous voyez dans Rez, le personnage vibre comme un caisson de basse en rythme avec la musique. Et ben imaginez si vous avez ce genre de combinaison sur vous, en fait vous ressentez exactement ce que ressent le personnage volant à l'écran, en fait. C'est-à-dire que vous avez cette sensation de bon, 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 bon. Et donc vraiment, vous avez une projection dans le jeu qui est démultipliée. Voilà. C'est ça. Et en plus de ça, il y a la possibilité, du coup, et c'est toujours pensé comme des créations artistiques à faire en live, comme il y a des lumières LED sur le costume, tu peux littéralement jouer au jeu en faisant VJ d'un concert. En gros, en utilisant le soundtrack du jeu, tu peux animer un concert et toi, sur scène, avec les lumières, ajouter encore des effets visuels à l'expérience, quoi. Donc, voilà, c'est, on va dire, l'expérience complète où t'as tout le corps qui intervient avec... Mais après, ces combis-là, maintenant, ils existent dans le monde de la VR, soit pour détecter des mouvements, soit pour ajouter des vibrations, des rumbles, les impacts de balles, tu vas les sentir sur ton torse, etc. Pour moi, oui, ça va vers ça, le futur de la technique et du hardware de jeux vidéo, quoi. Le problème, c'est que t'as des installations que tu mets dans une salle qui ne sert qu'à ça. Donc pour le moment c'est souvent des salles VR, des exposants, des bars éventuellement, mais le particulier on n'est pas encore au stade où on a une salle comme ça chez nous en mode je sais pas quel film de science-fiction, Blade Runner on va dire.
Ouais. Mais bon, moi, pour moi, qui suis intéressé par le hardware, pour moi, ça me parle, quoi. Le problème, c'est que cette combi, il me semble qu'au final, elle n'est pas vendue. Hein. Elle n'a jamais vu le jour de manière commerciale. Hein. Ça a toujours, resté un prototype, hein, je crois. Je sais pas du tout. On le voit souvent avec, mais je ne sais pas du tout. Je ne saurais pas te dire. Parce que les derniers screenshots datent de 2017. Y a une V2 qui est sortie, mais en fait la V1 c'est celle-là qu'on n'a jamais vu vraiment tourner. La V2 c'est celle qu'on voit des fois quand il se montre dans un concert. Moi je l'ai jamais vu en vente. Hein. Si vous avez des infos et le site ne permet pas de l'acheter. Donc moi je pense que c'est un proto qui s'est fait pour kiffer et puis voilà. C'est jamais passé à la production de masse parce que est-ce qu'il y aurait réellement de la demande? J'ai un gros doute là-dessus quoi. Ah oui, non, il n'y aurait pas de demande, mais tu peux peut-être en faire genre 10 exemplaires et puis essayer de communiquer là-dessus pour les vendre assez cher, tu vois. Ouais. Après, des combis comme ça existent. Hein. Moi, j'avais fait un dossier là-dessus pour Conciergerie du Geek. J'avais recensé à l'époque, hein, donc ça fait 4 ans, il y avait déjà 12 combinaisons VR qui fonctionnaient un peu de cette manière. Donc... Il y a plein de Kickstarter et de gens qui se sont lancés. Mais bon, moins il y a de tirages, plus c'est cher. Hein. Les combis dont je vous parle, c'est genre 2000 euros minimum la combinaison. Hein. Ah ouais. Donc, est-ce que le grand public est prêt à sortir ce genre de somme? Moi, je suis pas sûr, mais bon. Bah ouais, tout à fait, ouais. Le grand public, non. Les gens les plus riches et les plus avides d'expérience, sûrement. Ouais, tout à fait. Bon, écoute, mon cher, est-ce qu'on peut clôturer le dossier Mizuguchi? Dis-moi. Ouais, je pense qu'on peut. Hein, Eh ben, ça marche. Bah, du coup, on va terminer avec le deuxième dossier. Alors, ce sera un mini DOS, hein, parce que ça fait déjà plus de 3 heures qu'on est en live. Ouais, je vais cutter parce que je t'avoue que ça va, on a déjà bien bossé, là. Tout à fait. Donc, on va commencer par parler du premier, qui est sorti en 2004. Et qui se base sur un moteur graphique qui s'appelle Sage. Tu connais, toi? Je suis sûr que tu connais. Et bien sûr que je connais. Oui. Ouais. Bah, parle-nous un petit peu du Sage et donc de la boîte qui a fait le Sage. Alors attends, déjà je suis en train de changer le titre parce que tu ne dis même pas à nos viewers de quoi on parle, mais Gamou, mais Gamou. Ah oui, pardon. Alors, ils ont sûrement vu la vignette, mais du coup on parle Seigneur des Anneaux, Lord of the Ring, Battle for Middle-Earth 2. La bataille pour la Terre du Milieu, en français. Ouais, tout à fait. Pour moi, ça me semblait évident. Je suis désolé. Oui, il y a pas de Donc oui, un jeu de EA, donc Electronic Arts, de votre marque préférée. Los Angeles, donc le studio californien d'Electronic Arts, donc qui a produit cet excellent, comment on appelle ça, TR, merde, j'ai un trou de mémoire. Les jeux de stratégie en temps réel. RTS, Real Time Strategy. Ouais, merci, tu vois, des fois j'ai vraiment des trucs évidents qui s'échappent, c'est la vieillesse. Et donc, Gamou est fan, hein. Des fois tard le soir, vous ne le savez pas parce qu'il a oublié de désactiver les notifications Discord, mais il lance des Edge of King 2, ou non, c'est quoi, Edge of Empire 2, non, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait, ouais. Voilà, je te vois, mec. En fait, c'est de la drogue. C'est de la drogue pour moi, Edge of Empires 2. J'espère ne plus jamais y jouer, mais j'y reviens toujours ça, parce que j'adore le côté médiéval. Moi, ça m'a tellement scotché en LAN que j'ai réussi à m'en dégoûter parce que tous les samedis, on y jouait. C'était dans nos jeux bibliques avec Counter-Strike et d'autres. Et je crois que je m'en suis presque dégoûté. Mais les nouveaux, je les relance tous. Après, ça reste le 2 le meilleur, hein, on est d'accord. Ouais, tout à fait. C'est en tout cas mon préféré. J'aime pas quand ça va trop loin dans les époques. Ce RTS basé sur Lord of the Rings, hein, qui est un héritier quelque part de la série Command & Conquer, et justement grâce à ce moteur graphique qui est le Sage. Donc est-ce que tu es prêt à nous en parler maintenant, ou est-ce que tu veux que je le fasse, ou comment ça se passe? Oui, je peux en parler un petit peu, Alors, le Sage Engine, qui du coup a utilisé pour plusieurs jeux, hein. Donc c'est pas un moteur qui est propriétaire en fait à un studio, c'est un moteur il me semble. Alors attends, non, j'ai peut-être pas l'info à jour. Après, moi, tu sais, comme j'aime souvent le dire, moi je suis pas du tout Douglas Alves, moi je suis juste un amateur de jeux vidéo, et donc j'aime bien les histoires, donc je lis des trucs, mais des fois ce que je lis c'est de la merde. Et pour moi, le Sage, en fait, ça a été développé par Westwood Studios, qui ont créé la série Command & Conquer. Et donc, d'ailleurs... Je croyais qu'ils l'avaient tu vois, de la même manière que Creation Engine chez Bethesda, en fait, c'est Gamebryo, mais remodifié par eux. Et je croyais que le Sage, en fait, c'était bien Westwood, mais qui était parti sur une base préexistante. Alors ça, c'est vrai.
Tout à fait, mais en fait, ils l'ont fait évoluer dans le Sedge. Sinon, ça s'appellerait, je sais plus comment il s'appelait avant, oui. Mais il s'appellerait comme ça. Mais effectivement, tu as raison. Le moteur original s'appelait sur Render 3D Engine. Voilà, voilà. Exactement, exactement. Développé mais par Hybrid Graphics. Modifié par Westwood Studios, donc les mecs qui ont fait Command & Conquer, qui était une filiale d'Electronic Arts. Et c'est pour ça que quand Westwood ferme, en fait, Electronic Arts récupère le Sedge. Et donc, en fait, eh bien, il servira à développer ce Lord of the Ring. Et donc, le mec qui sera donc réalisateur de ce jeu, Monsieur Corey, en fait, eh bien, sera un ancien de Westwood. Il a notamment bossé sur Command & Conquer 3. C'était un mec qui est pas du tout nouveau dans l'industrie. C'est-à-dire que, s'il bossait... On a eu Command & Conquer 3, on a eu Red Alert 3, on a eu Command & Conquer 4, je crois même qu'il était dessus, si je ne m'abuse. Hein. Chris Corey, je suis pas sûr qu'il soit sur le 4. Ah non, pas sur le 4, autant pour moi. Mais Red Alert 3, il était dessus encore, il me semble. Ouais, Red Alert, il était dessus. Il était dessus. Et pour revenir sur sa carrière, il a travaillé... sur pas mal de Star Wars, dont Knights of the Old Republic 2, hein, qui est assez connu dans le genre. Red Alert 3, en effet. Les Starfighter, le Starfighter qui était sorti sur PC et PlayStation 2, si vous vous souvenez, plutôt au début de la PlayStation 2, le Star Wars Starfighter, donc avec les vaisseaux, c'est lui aussi, enfin, il a bossé dessus. Des Medal of Honor, donc les Medal of Honor PS3 et Xbox 360, quoi. Et voilà, donc Chris Corey. Et ce mec, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, il est à la tête c'est quoi chez Meta, c'est Oculus Rift. Ouais. Maintenant, du coup, ça s'appelle le. Non, c'est le Meta Quest, le dernier modèle en date. Meta Quest, voilà. Et il faut savoir que quand John Carmack, donc Monsieur ID Software, Monsieur Doom, vraiment la tête pensante, le codeur de chez ID, on dit pas ID, hein, on dit ID Software, parce que c'est le ID en philosophie, en métaphysique, tout ça. C'est ID, ouais. Exactement. Et monsieur s'est fait embaucher à l'époque par Facebook, qui s'appelait encore Facebook, et Mark Zuckerberg avait cette lubie de développer de la VR à tendance sociale. Donc on oublie un petit peu Oculus et son côté très soit ingénieur, soit jeu vidéo, et on essaie de faire un truc beaucoup plus branché. Je vais appeler ma tata et passer une après-midi dans son salon avec elle de manière virtuelle. Et à ce moment-là, quand il y a eu les petits problèmes avec Cambridge Analytica, Facebook avait une image de marque dégueulasse, et c'est là qu'ils ont décidé de renommer la maison mère Meta, et du coup les casques ont arrêté de s'appeler Facebook ou Oculus Rift, ils se sont appelés Meta. Quest, on continue d'appeler le Rift l'Oculus Rift, parce que de toute façon il est plus produit, mais du coup tous les casques récents Quest, Quest 2, c'est Meta Quest, Meta Quest 2, effectivement. Donc ouais, ce Chris Corey qui avant avait une boîte qui s'appelait TapZen et qui faisait du jeu mobile, est recruté par Facebook pour chapeauter donc le Meta Quest. Il est notamment lié par exemple au succès qui est Beat Saber, hein. Tout le monde connaît Beat Saber, donc lui il y a participé. Et donc maintenant, il est à la tête... La meilleure vente VR ever, voilà. Voilà. Le problème, c'est que le projet Meta, c'est parti en couille. Toi, tu connais très bien avec des retards techniques sur la concurrence qui sont catastrophiques. Et donc, c'est notre ami Chris Corey, donc le réalisateur de ce Battle for Middle Earth 1 et 2, qui est à la tête de tout ce bazar, voilà. Et oui, mais comme quoi on peut avoir un parcours un peu étrange, hein, ça n'empêche pas. Dans tous les cas, c'était un très bon intervenant. Après, quelle était la liberté? Il faut savoir que John Carmack a quitté en claquant la porte Meta assez récemment, parce qu'il estimait que ça partait complètement en sucette. Depuis, Mark Zuckerberg a annulé toute la partie Metaverse. On parle de plus de 5 milliards de dollars claqués pour rien, littéralement pour rien. Et 3 à 4 années de perdu. Mais il a enfin compris que c'était vain et que ça ressemblait à rien son truc, quoi. Complètement, mais on s'est encore écarté du sujet alors qu'on avait dit qu'on ferait court. Ah, c'est compliqué. Donc, on a tellement d'anecdotes qui partent dans tous les sens. C'est tellement passionnant tout ça. En tout cas, j'espère que ça vous plaît autant qu'à nous. Pour que vous puissiez partager ça avec nous. Merci les mecs de rester aussi tard avec nous. Et donc, le Sedge Engine, donc, qui a été transféré de Westwood
Electronic Arts, ils l'ont utilisé donc pour faire ce Lord of the Rings Battle for Middle-Earth, donc sorti en 2004 sur PC. Et ça, ça a été une claque quand même, hein, parce que on était plein de mode des films énormes de ouais. Peter Jackson. Ça cartonnait, ouais, à ce moment-là. Ouais. Et donc le principe de ce RTS, c'était de reproduire les batailles de Lord of the Rings, en fait, tout simplement. Hein. Donc il y avait plusieurs factions. Il me semble que dans le premier jeu, il y en avait quatre. Il y avait les hommes du Rohan. Il y avait le Rohan. Il y avait les orques. Ouais. Les orques du côté maléfique, parce que c'est coupé en deux. Il y a oui, les bons gentils, et les méchants. Effectivement, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y avait du côté... Comment ils s'appellent les Arngrim ou un truc comme ça, je sais plus. Arngrim. Aragrim ouais. Ah, je sais plus. Je confonds avec Diablo, parce qu'il y a aussi les Oradrim dans Diablo. Ah ouais, ouais, merde, c'est le bordel. Non mais bon, ça va me sans revenir. Reposer le scénario ni les factions, on est sur un RTS asymétrique, donc avec des factions qui ont des unités différentes. En gros, c'est ça, quoi, le concept. Ouais, et tout c'est, à fait. Hein. Et c'est repris très simplement de Command & Conquer, hein, on va pas se leurrer. Si tu regardes non, la, ouais, genèse, fait, ouais. La genèse du moteur et du studio, donc avant, c'était le W3D Engine, on a eu Command & Conquer, Battle for Dune, Earth and Beyond, Command & Conquer Renegades 2, Renegade... Et après, c'est devenu le Sage Engine, et là, on a eu Command & Conquer Général, tous les DLC qui vont avec, Command & Conquer 3, et du coup, les Lord of the Rings, Battle for Middle-Earth 1 et 2. Effectivement, le 2 a même oui. eu droit à une extension, The Rise of the Witch King. Ouais. Et après, c'est passé, pour ceux qui ne le savent pas, hein, mais ça n'a plus rien à voir avec cette franchise-là, au Sage 2.0, et ça a continué avec Red Alert 3 et Command & Conquer 4. Donc le Sage ouais. A continué d'exister, je me demande s'il n'existe pas encore maintenant. Ah ouais, ça serait surprenant. Non, c'est pas impossible. D'accord. En tout cas, oui, c'est ça, c'est le principe. On a une base militaire, donc on exploite des ressources, et puis après on crée des unités qui ont toutes leurs propriétés et qui vont être plus fortes ou plus faibles face à d'autres. Et le but, c'est d'aller ravager la base adverse et de récupérer l'anneau de pouvoir. Voilà, en fait, c'est ça. Et donc, c'est un succès immense. Enfin, moi, pour travailler en tant que ninja dans des magasins de jeux vidéo à l'époque, la t'étais hype fait des était... troussées, ouais. Ouais, était forte. Ouais, c'est vraiment le jeu a passionné les foules. Surtout qu'il avait un très gros avantage. C'est que, peut-être pas en France, c'est pas parlant, mais au niveau mondial, en fait, les doublages des personnages dans le jeu étaient faits par les acteurs, en tout cas, une bonne partie des acteurs des films. Oui. Donc ça, c'est la plus-value était assez dingue. Et il me semble qu'il y avait des extraits ouais. Des films de Peter Jackson pour des cutscenes, si je ne m'abuse. Oui, il y avait des petites cutscenes, ouais, tout à ouais. fait, extraits du film, ouais, tout à alors, fait. Alors, ce qui m'étonne, déjà, tu nous remets dans un contexte où on achetait encore des jeux PC. Boîte. Ouais. En se déplaçant ouais. dans des boutiques. Donc ça, pour moi, déjà, c'est une époque révolue, mais ça me manque tellement. Parce que maintenant, quand on parle PC, on parle finalement, pas, sans même le préciser, des maths. Il n'y a plus de jeu boîte PC, ça n'existe plus. Et si jamais ça existe, il y aura un code de téléchargement Steam dans votre boîte qui sera littéralement vide. Donc, reparler d'une époque où, déjà, les jeux PC se vendaient tout court, et qu'en plus, se vendaient bien. Et là, on parle d'un RTS qui, en plus, est un genre quand même un petit peu, je ne vais pas dire de niche, hein, parce que, bon, il y a des RTS qui ont cartonné, les Age of en font partie, les Command & Conquer aussi. Mais pour moi, c'est une époque révolue. Un RTS, maintenant, aussi populaire soit-il, même d'une grosse franchise, ne se vendrait plus aussi bien. Ouais, ouais. Là, c'est vraiment le croisement de du phénomène Lord of the Rings qui a été encore boosté par les films de Peter Jackson et le ouais. fait qu'on était vraiment encore dans une ère où les jeux PC se vendaient et étaient plébiscités, quoi. Bah, en tout cas, c'était tellement un gros succès qu'il me semble qu'aux États-Unis, alors que le jeu sortait toute fin 2004, c'est-à-dire décembre 2004, si je dis pas de conneries, eh bien, à la fin du mois de décembre, il était déjà à 1 million de ventes, en fait. Donc, vraiment un très, très gros succès en termes de ventes sur le premier épisode. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que, bon, ça rappelle un petit peu tous les travers d'Electronic Arts et pourquoi c'est une boîte qu'on n'apprécie pas forcément. En tout cas, moi, je n'apprécie pas, je pense pas que toi non plus. C'est qu'en fait, il y a une histoire qui est légendaire, en fait, sur ce premier Battle for Middle-Earth. C'est que... le crunch a été tellement violent sur le premier jeu pour pouvoir sortir à Noël, donc les mecs sans pitié,
Tous les mecs qui ont bossé dessus se sont révoltés et ont fait une action en justice contre Electronic Arts et leur a piqué 15 millions de dollars. Donc à force de faire les pinces et les enculés, en fait les mecs ont bien payé parce que 15 millions de dollars à l'époque, je suis pas sûr que le jeu ait rapporté tellement plus en termes de bénéfices. Non. C'est-à-dire même si c'est un gros succès, en termes de bénéfices, à l'époque, 15 millions... Après, il faut nuancer. 15 millions gagnés dans une action en justice, déjà, toi, tu vas payer aussi ta défense et toute la partie des frais de justice. Et combien ensuite étaient plaignants ? Auquel cas, c'est divisé par le nombre de plaignants, tu vois. Donc, mais ça reste une somme énorme, effectivement. Et ça prouve qu'à un moment donné, quand tu tires trop sur la corde, eh ben, tu te fais taper sur les doigts. Surtout que c'est à l'époque où les syndicats des jeux vidéo n'existaient, mais genre pas du tout. Maintenant, vous entendez de plus en plus ces dernières années les développeurs se syndiquer, que ce soit Raven, que ce soit chez Riot, que ce soit chez Blizzard, enfin chez Ubisoft. Ça se syndique de plus en plus, même aux États-Unis. Mais à l'époque, ça n'existait pas, quoi. Donc qu'il y ait une action en justice, déjà, c'est étonnant. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais en tout cas, c'est une belle histoire et un beau pied de nez à EA. EA à l'époque, c'était encore un studio qu'on respectait. Ils commençaient déjà à mettre beaucoup de microtransactions, beaucoup jouer sur les DLC et tout, mais ils sortaient de bons jeux. C'était encore leur excuse. Ce qui n'est plus le cas actuellement, j'ai l'impression. Ouais, tout à fait, ouais. Il y a une sorte de pourrissement au royaume de Danemark, ouais. C'est bien dit. Ouais. Et donc, un peu comme en France. Et donc, du coup, en 2006, le deuxième sort. Et le deuxième, propose 6 factions. Il y en avait 4 dans le premier, mais dans le deuxième, en fait, il y a 2 factions du bien qui sont fusionnées entre elles, hein, c'est-à-dire en fait les hommes du Rohan et du Gondor, il me semble que c'était ça. Et ça devient les hommes de l'Ouest. Et donc, il y en a 2 nouvelles qui apparaissent, c'est-à-dire les elfes et les nains. Et du côté du mal, on a les gobelins en fait qui arrivent. Donc, je sais plus, hein, y a les hommes alors, bizarres là. J'ai la liste. J'ai le Gondor, j'ai le Rohan, j'ai Erebor, Lothlorien, Rivendell, Woodland, Mordor, et il y en a encore des autres stages, chez les méchants pour le coup. Mais ça, c'est les stages. C'est le listing du 2. C'est peut-être les stages. Tu as raison, c'est les maps. Oui, ça, c'est... Tu as raison, ça, c'est les maps. Parce qu'en fait, dans le 2, t'as vraiment toutes les batailles des films. Exact. Mais les factions, tu trouves pas parce que, en fait, c'est le nom des mecs, je sais plus. Et après, il y avait les orques et effectivement les gobelins du côté du mal, en tout cas dans la moi, première c'est, version. Moi, je confonds déjà le 1 et le 2, et je confonds le 2 et l'extension du 2. Donc je sais plus quelle faction était dans lequel. Ouais. L'extension amène une seule faction en plus, qui est le roi, je sais plus quoi, donc le représentant Lich King, de... Le ouais, c'est ça. Lich King, ouais, Witch King. Et donc, il apporte pas juste cette faction en plus, il apporte aussi des unités supplémentaires dans toutes les factions, plus le fait qu'on puisse personnaliser des héros, ce qu'on pouvait pas faire dans les autres. Okay. Donc, c'est déjà pas mal, c'est une belle extension, ça vaut le coup en tout cas. Ouais. On appelait encore ça des extensions à l'époque, et pas des DLC. Oui, ouais, ça se vendait à part, hein, dans des boîtes et tout, quoi. Ouais. Donc, j'ai la liste du 2. Alors, on a Angmar, on a les nains, Angmar, on a les elfes, on a les hommes de l'Ouest, on a les gobelins, on a Isengard et on a Mordor. Ouais, tout à fait, ouais. Et le concept de héros, c'était super cool, en fait, et le fait de pouvoir en construire un de A à Z, vraiment excellent. Et en fait, t'avais autant la possibilité d'en faire un que de prendre Legolas, par exemple. Exactement. Et tu vois pourquoi, moi, je trouve que ça, c'est le juste milieu. Parce que depuis, il y a eu des jeux qu'on appelle aussi... des RTS, mais qui sont beaucoup plus focus sur un groupe d'unités données au départ, et il n'y a pas de base, ou il n'y a pas en tout cas de création de bâtiments qui vont générer des unités. Il y a pas mal de Warhammer 40K qui sont les Dawn of War, c'est exactement ça. Oui, ouais. T'as une troupe de départ et à toi de la maintenir le plus longtemps. Donc c'est que des héros, avec entourés de quelques sbires qui eux se font dégommer rapidement, mais t'es constamment en pression de te dire, putain, si je perds mon héros, je refais la map en gros. Alors que les jeux où t'as quand même les bâtiments, la construction, mais qu'on te donne quand même des héros qui sont des mecs un peu overpower, on va pas se leurrer. Pour moi, ça balance, c'est le parfait juste milieu entre les RTS toute première génération et ce qu'on a maintenant où il n'y a plus trop la construction de base en fait. Ouais, ça c'est super dommage, hein, parce que c'est tout l'intérêt, c'est au moins la moitié d'intérêt de ce genre de jeu. Entièrement d'accord. C'est pour ça que les Dawn of War 1, 2, 3, c'est des super bons jeux, mais j'ai jamais accroché quoi. Ouais.
Et donc ce qu'on peut dire aussi, et ça c'est intéressant, c'est que bah, en 2006 sort également une autre version du jeu que la version PC, c'est la version Xbox 360. Et c'est bien moins confortable à jouer, mais ça se tient en fait. Tu peux y jouer sur Xbox 360. Et ça, ça fait plaisir, en tout cas, à mon humble avis, d'avoir une version console du jeu, en fait. Age of Empires 2 était sorti sur DS et PlayStation 2. Et maintenant, on a Bataille pour la Terre du Milieu 2 sur Xbox 360. Et c'est pareil, c'est un jeu qui coûte, je sais pas moi, 15 balles, quoi. Voilà. Mmh. Ah oui, complètement, ça coûte plus rien, quoi. Bah, merci ouais. À qui ? Parce que finalement, un RTS qui fonctionne avec un gamepad, je sais pas si tu l'avais joué... Alors, comment il s'appelle ce jeu sur 360 ? C'est des initiales. Oh merde. C'est le tout premier RTS qui fonctionne avec un gamepad. Et en fait, énormément de RTS sortis après ont copié exactement les commandes et la façon d'y jouer. Warcraft 2, il se jouait avec un gamepad aussi sur PlayStation. Ruse. R.U.S.E. Ah, oui. Ruse. Oui, oui. Ouais. Et du coup, pour moi, Ruse, c'est le premier... parce que quand j'entends des RTS et consoles, moi, PCiste, je me moquais. Enfin, je me disais, les gars, comment vous pouvez gérer des groupes d'ennemis, faire des raccourcis avec des contrôle 1, contrôle 2, contrôle 3, c'est impossible au gamepad. Bouger très vite sur la carte, faire de la construction, retourner sur un combat, retourner sur un autre combat, faire le micro, le macro management. Pour moi, c'était impossible. Et arrive Ruse, alors le gameplay est beaucoup plus lent, méthodique, etc. Il n'y a pas autant d'unités que sur un RTS PC, mais ça fonctionne. Ça fonctionne, quoi. Et je crois que l'adaptation de Middle-Earth sur 360 reprend un peu le gameplay de Ruse. En fait, le principe des RTS sur console, c'est que ça te limite par rapport aux possibilités, et bien sûr, on est d'accord, mais c'est comme si tu avais de nouvelles règles. C'est-à-dire que effectivement, tu n'as plus la vitesse d'exécution que tu as sur PC, mais tu fais avec les conditions actuelles de la console, et tout le monde est soumis aux mêmes règles. Et oui, moi, sauf l'IA, passé, hein. Parce que l'IA, elle a pas à cliquer, hein, c'est automatique. Donc, oui, mais en multi, oui, je veux bien. En multi, tout le monde est au gamepad. Bon, tout le monde est au gamepad, quoi. Bah, c'est adapté, normalement, je veux dire, ils prennent ça en compte, hein, sinon ça devient vite impossible. Et moi, en tout cas, j'ai passé d'excellents bons moments sur Command & Conquer, sur PlayStation, etc., sans avoir cette sensation de me faire baiser par l'IA. J'avais l'impression que j'avais un bras attaché dans le dos et un bandeau sur les yeux. Et j'ai jamais pu, part Ruse, pour moi sinon je ne pouvais pas, quoi. Des RTS. Oui, parce que t'as toujours été un bourgeois avec des bons PC. Non, même les PC de merde faisaient tourner les jeux parce que. Ah oui, Les Command & Conquer 1, déjà ils tournaient en software 320x200, dégueulasse, 16 bits. Un PC de merde le faisait tourner. Hein. Le but c'était même que ça tourne sur des petits PC pour en vendre le maximum, quoi. Oui, alors donc, je sais plus qui c'est qui dit ça, c'est Chronocami en fait qui nous parle de souris sur console, sur PS2, effectivement, PS1, PS2, il y avait des souris, on pouvait aussi acheter des souris, et même sur Saturn. Hein. Très peu exploité, mais presque toutes les consoles ont leurs souris, ouais. Et maintenant, ce qui est génial, c'est que sur les consoles modernes, vous branchez vos souris PC et votre clavier, et ça marche. PS5, série, Xbox One, ils sont tous compatibles clavier-souris. Et vous serez surpris que certains jeux vont vous proposer de jouer à la souris, pour le coup. Ouais, ça c'est cool. Bah, temps, maintenant que les architectures sont quasi identiques. Voilà, je suis un peu pressé de me barrer, donc je vais conclure sur le fait que, en tout cas, ce Bataille pour la Terre du Milieu 2 est un des RTS qui m'a le plus marqué dans ma vie. Vraiment, je l'adore, c'est une référence pour moi, et j'y joue toujours aujourd'hui avec grand plaisir. Donc, j'étais surpris, je tiens à le dire, quand tu m'as parlé du choix des jeux, autant Rez, j'ai fait « Ah ouais, putain, bonne idée Rez, trop bien !» Parce qu'effectivement, il y a plein de choses à dire, et ça couvre plusieurs générations de consoles, du motion gaming, de la VR. Mais quand tu m'as dit « Battle for Middle-Earth 2 », je suis resté figé. Et puis j'ai pensé à ton Discord, des fois, qui dit que tu joues à Age of, et j'ai fait « Hmm, il a des passions cachées en dehors de l'arcade et du japonais et du rétro. » C'est étonnant, bah, écoute, parce que c'est quand même un jeu ultra typé PC, et t'es pas du tout un joueur typé PC, toi, je veux dire, tu vois. Bah, en fait, je suis pas du tout un joueur typé occidental, tout simplement. Oui, mais carrément. Je trouve que ce jeu, en tout cas en termes de design et de conception, eh bien, il est de très haute volée et qui fait honneur aux jeux vidéo occidental. Oh. Et c'est pas souvent le cas, en fait. Je trouve que vraiment, le design des jeux occidentaux manque très clairement de finesse. Moi, je pense que tu n'as pas assez mis le nez dedans, mais je comprends tes a priori. C'est possible. C'est possible. En tout cas, dans les années 90 et 2000,
C'était difficile de dire le contraire, bien oui. qu'il y ait des exceptions. Par exemple, d'accord. moi, je suis un adorateur de Baldur's Gate, tu vois. Mais rares étaient les jeux qui étaient aussi fins et soignés, en tout cas en termes d'artworks, de conception de personnages. Est-ce que le fait que ça parle de Lord of the Rings, ça t'a intéressé? Ou ça, par contre, la franchise Lord of the Rings, que ce soit bouquin, film ou jeu, tu t'en pètes? Ça aurait pu être genre un jeu dans l'espace, ça te serait plu aussi, quoi. Bah oui, en fait, moi je suis un adorateur des beaux designs, tu vois. Ok, fait, bah, je vais te conseiller pas mal de RTS PC récents, de qualité, où je pense que tu serais surpris de voir à quel point ils ont encore repoussé le genre un peu plus loin sur PC, en tout cas. Après, c'est sûr que à l'heure actuelle, le jeu vidéo occidental n'a plus rien à voir, en fait, tu vois. Ils ont pris vraiment une avance qui fait que y a tellement plus de jeux intéressants en Occident. Tu prends un Total War Warhammer, par exemple, y a le 3 qui est sorti avec plein de DLC qui s'ajoutent, c'est incroyable la gestion des troupes, c'est encore autre chose de par la densité des troupes et de ce que tu peux faire. Tu zoomes, t'es tellement proche des modèles 3D, t'as l'impression que le jeu a été pensé pour être zoomé, et en même temps tu dézooms, ça reste toujours aussi impressionnant. Enfin voilà, il y a plein de jeux comme ça où t'as maintenant le micro, le macro management. Il y a d'autres, comment il s'appelle, j'ai Chivalry, mais c'est pas ça. Chivalry, c'est uniquement en vue FPS où tu te mets des gadins avec des massues. Mais il y en a un autre. Oh purée, ça va me revenir. En gros, tu gères tes troupes un petit peu à la Cossack, à la Total War, mais tu peux incarner la troupe elle-même. En gros, tu peux être le pèlerin à cheval avec sa lance, et t'as tous les gameplays possibles. C'est-à-dire tu peux jouer à l'épée, à la lance, tu peux être arquebusier, tu peux être archer. Et en fait, tu vas avoir un vrai gameplay TPS un peu arcade, mais à partir du moment où tu vas vouloir nouveau manager, bouf, la caméra, elle se remet en mode RTS traditionnel. Et maintenant, ce qu'ils font maintenant, ils fusionnent un petit peu ces deux types de jeux. Il y a un jeu qui singe Command & Conquer, qui singe le Command & Conquer Renegade, où tu peux jouer le commandeur en vue RTS et tu peux jouer le troupier en vue FPS, un petit peu plus comme un Battlefield. Ouais. Donc il y a Futurama Max qui arrive à la bourre et qui dit Rez, meilleur jeu Dreamcast. Bon, c'était. Voilà, c'est dit. C'est le drop the mic de Futurama Max. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé aussi du mode. Campagne solo, en fait, où tu revis justement des parties du film, et c'est là qu'il y a des cinématiques, à contrario des phases multiplayer, où je sais plus à combien tu pouvais jouer là-dedans, mais 6 au moins, tu vois, au moins 6 à 6. Et je crois que les serveurs ont fermé vraiment tardivement. Hein. Alors, il faut savoir qu'il y a un truc qui s'appelle Battle for Middle-Earth Reforge. Et il me semble le relancement des serveurs, mais fait par des amateurs. Donc, on peut se bastonner en ligne. Ceux qui sont intéressés par Bataille pour la Terre du Milieu 2 peuvent toujours jouer en ligne contre des mecs sur des serveurs privés, tout à fait. Mais après, c'est vrai que c'était sur des serveurs Electronic Arts qu'on fermait très tardivement, mais je me souviens. Electronic Arts ferme tous les serveurs passés quelques générations, ou si c'est plus à la mode, ou que ça ne nécessite plus d'entretenir des serveurs pour 50 pelés sur la planète. Et là, on est sur un jeu comme ça, hein, je pense. Donc, c'est plus rentable pour EA, voilà. Donc, heureusement qu'on a les modeurs, une fois de plus, hein, qui font le travail finalement de préservation, parce que sinon le mode multi serait totalement oublié finalement. Ouais. Bah écoute, moi j'ai envie de drop le mic aussi, donc je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Mais parce que c'était une agréable surprise de parler un peu PC, moi ça m'a donné des idées pour des jeux dans les émissions suivantes, où on pourra mêler peut-être un jeu à toi, peut-être un peu plus typé avec tes goûts, et moi un peu plus. J'avoue que ces dernières semaines, c'est moi qui étais à la bourre, et c'est du fait que j'étais à la bourre que je t'ai laissé choisir les jeux. Mais du coup, j'ai des idées comme ça que j'accumule ces derniers jours. Et je pense que on va pouvoir les monter. Je voulais en fait même pas t'en parler parce que je me suis dit ça va pas être dans le ton de ce qu'on fait. Mais le but c'est aussi de varier les plaisirs, hein, tu l'as bien montré ce soir. Mmh. Si on fait que du shmup arcade à un moment donné, c'est dommage de pas parler des autres pans de jeux vidéo. Donc moi ça va me donner plein d'idées pour des jeux un peu moins typés console, on va dire. Bah écoute, tant mieux. Le but c'est de rappeler aux gens qu'on n'est pas... uniquement basé sur un style de jeu, une plateforme ou quoi que ce soit, et que sur Life is a Video Game, on parle absolument de tout, et de tous les genres, et de tous les supports. Voilà.
C'est ça. C'est le petit virage récent de la chaîne, mais le but, c'est voilà, on est de plus en plus nombreux à y participer. On a tous des expertises et des préférences au niveau jeu vidéo. Le but, c'est d'arriver à vous parler de l'ensemble du jeu vidéo à terme. On ne parlera pas de smartphone, je pense pas, de Genshin Impact, ça n'arrivera jamais, ça. Encore que bah, si quelqu'un arrive à en parler de manière voilà, originale et intéressante, j'ai envie de dire la porte est grande ouverte à la limite. Bien sûr. Voilà, le but, c'est parce de parler vraiment du jeu vidéo avec un grand J. Et puis si on veut être un média, il faut qu'on sorte un petit peu de l'arcade japonais. Voilà. Même si moi aussi, ça reste en partie un de mes bébés préférés. Mais voilà, il y en a d'autres et le jeu vidéo est multiple. Pour terminer, on a eu nos rétros. J'ai pas voulu t'interrompre parce que t'étais lancé dans tes dossiers. Qui nous a demandé, est-ce que ce serait pas bien qu'on parle un petit peu de l'affaire Gunhead? Alors moi, je lui ai dit que toi, du coup, tu travaillais déjà en coulisses dessus. Mais est-ce que tu veux, en deux mots, aborder l'affaire? Que les gens sachent simplement de quoi ils retournent. Rapidement. Hein. Bah, très rapidement, en fait. Cette semaine, on va sortir donc une vidéo sur cette histoire-là. On va vous expliquer pourquoi Gunhead est attaqué en justice. Effectivement, il a des soucis à ce niveau-là. Et bien, c'est en tout cas une histoire politique liée donc à ses fonctions à la mairie de Anzin-Saint-Aubin, parce que même s'il n'est plus maire, il reste élu d'opposition là-bas. Et donc, il a des ennuis, et des ennuis qui sont particulièrement injustes. Hein, c'est-à-dire qu'on connaît les travers de la politique aujourd'hui, hein, spécialement face à nos élites qui sont un petit peu dégénérées, j'ai envie de vous dire. Et donc on est en plein dedans, et donc on va aborder ça, et je vais vous expliquer ce qui se passe, et je vais vous expliquer dans quelle sauce il est, voilà. Et donc par rapport à ça, moi je vais prendre des actions, j'ai déjà contacté plusieurs youtubeurs pour ça, et on va s'organiser pour aider Gunhead, voilà. Donc écoutez, soyez patients, mais avant dimanche... On va faire un Gunhead ton, en gros. Voilà, c'est ça, ouais. Et donc avant dimanche, en tout cas, on vous sort ça. Voilà. Ou en tout cas, dimanche, dernier délai. Voilà. Et ben voilà, en gros, c'est ça, hein, pour faire court. Ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo, mais Gunhead... Non, ça sera politique. Pour le coup, oui, c'est une vidéo entièrement politique, et ça ne parle pas de l'aspect des bouquins ou de la chaîne de Gunhead, ça parle vraiment de sa profession telle qu'il l'exerçait en tant qu'ancien maire, toujours au conseil municipal, mais du coup dans l'opposition, et en gros, il y a des... Littéralement, c'est des malversations, il n'y a pas d'autre mot, hein, où en gros, on utilise finalement... une action en tribunal pour censurer l'opposition et pour faire fermer la gueule de Gunhead et de son équipe. Quoi. Donc, on peut le voir comme ça. C'est une interprétation, mais on peut très bien le voir comme ça. Pour le coup, ça a fait tiquer Gamou. Moi, j'ai dit, est-ce que c'est judicieux d'en parler? C'est peut-être pas forcément notre job. Mais après, moi, je suis d'accord que, pour le coup, c'est un copain. Il a réellement des problèmes, même si il prend ça quand même relativement à la cool. Hein. Gunhead, c'est pas quelqu'un qui va s'échauffer encore moins sur les réseaux. Mais je pense quand même que ça lui provoque... Du stress, et il se dit voilà combien d'argent va être injecté dans cette défense, parce que pour le coup lui son but c'est juste de se défendre, et je pense qu'il aura gain de cause, hein, parce que quand on connaît l'histoire de A à Z, je vois pas comment ça pourrait en être autrement, surtout qu'il y a un précédent, la même personne avait attaqué quelqu'un d'autre par le passé et entre guillemets il a eu gain de cause, donc voilà, mais ça va générer des frais, et nous, du coup nous on a toujours dit si on peut aider les copains, ne serait-ce que médiatiser une caisse qui serait là pour aider les frais de justice de Gunhead, eh ben on sera là pour parler de ça, quoi. Ouais, parce qu'il en a, il en est pour 2 000 € de sa poche là à l'heure actuelle, et c'est sûrement pas fini. Et donc effectivement, si on se soutient pas les uns les autres, qu'est-ce qui nous reste? Par exemple, regarde YouTube, il y a des gens qui sont dans la sauce aussi, il y a Psyodélic là qui a 2 strikes et qui pourrait, qui est sujet à un genre de complot et qui pourrait s'en taper un troisième. Le mec pourtant a toujours pris des pincettes dans ses vidéos pour pas dépasser les bornes des limites, et donc il peut très bien se faire virer sans avoir aucun recours. Donc ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous, c'est pas pour rien que donc en description on marque souvent rejoignez-nous sur les réseaux dont Discord avant qu'on soit banni. En fait, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a eu d'autres exemples auparavant. Il y a eu Bitcam qui a perdu sa chaîne, Edge SNES aussi. Ouais, après Edge, il y a peut-être d'autres raisons. Il y a eu d'autres raisons, mais c'est toujours la même histoire. Si on commence à faire 2 poids 2 mesures, il faut rester intègre. Oui, c'est vrai. Je suis quelqu'un qui apprécie Edge. Pour tout vous dire, je me suis même déjà bâché avec lui et on a failli en venir aux mains, comme avec plein de gens à une époque. C'est comme ça qu'on va dire, il interagissait avec les gens.
Il s'est calmé depuis, pour le coup, on s'est serré la main et tout, mais effectivement, il y avait mille et une raisons, mais le fait est que YouTube, étant responsable de sa plateforme, ils font ce qu'ils veulent. Et pour moi, c'est encore différent de Gunhead, qui pour lui a un problème, littéralement, un problème de public, en fait. Ouais, mais tout ça pour dire qu'il faut qu'on se serre les coudes, oui, parce voilà. que justement, c'est ça, quand ce genre de choses arrive, eh bien, on sera toujours bouffé par les gens qui sont plus puissants que nous. Voilà, donc c'est ça l'important. C'est une certaine forme de solidarité entre les gens qui s'apprécient et qui sont, en tout cas, de bonne composition, on va dire. Tout à fait. Force maintenant, après, pour les chaînes, moi, je le répète, hein, je suis toujours attristé de voir quelqu'un qui a investi 10 ans de sa vie tout perdre. Mais gardez dans votre tête que quand bien même vous êtes un YouTuber émérite, vous avez 200 000 abonnés, archivez toutes vos vidéos en local. Ne pensez pas que sous prétexte que la vidéo est sur YouTube, elle est archivée, ce n'est pas le cas. Gardez vos MP4 ou vos vidéos en local et partez du principe qu'à tout moment, bah, vous pouvez vous faire dégager de cette plateforme. Si vous gardez ça en tête, finalement, il n'y a pas de mauvaise surprise, hein, mais... oui, tout peut arriver et on ne peut plus dire tout ce qu'on veut sur ces plateformes. C'est comme ça maintenant. Voilà, en tout cas, on vous explique ça cette semaine. Encore un petit peu de patience, mais vous aurez tous les détails. Vraiment tous les détails de l'affaire. Ensuite, dernière chose pour le planning de la semaine. Moi, demain et après-demain, je bosse sur le test de Hexapoda. On vous avait parlé, le shmup où Monsieur Garcin est à la musique, fait par un petit studio français. Du coup, on a récupéré une clé et... on va s'occuper du test avec Vinou, donc ce sera un duo Vinou et moi, et on aura Monsieur Garcin en guest qui viendra un peu nous parler du soundtrack et du jeu vidéo aussi. Le but c'est que la vidéo soit publiée au moment du lancement du jeu, qui arrive dans les 3-4 jours à venir je crois. Donc on devrait être bon pour la sortie, mais pareil je mets une bémol, ça peut être lundi, parce que et c'est la deuxième info. Vous pouvez venir voir Life is a Video Game au Stunfest samedi et dimanche, il n'y aura pas Gemu, mais il y aura ma personne, Jopi. Et du coup n'hésitez pas, hein, si vous me voyez, vous me tapez sur l'épaule et puis on boit une bière ensemble, on discute de tout ça. Surtout s'il y a des membres de l'asso, ce serait tip top de vous voir à Rennes. Aïe, donc aïe. Voilà, moi je serai là tout le week-end et après on reprend les activités normales à partir de lundi. Et ensuite pour l'asso, dernière chose, n'hésitez donc pas à adhérer et puis à partager le lien du Hello Asso et même à adhérer à 0€ si vous n'avez pas les moyens. Et on fera une AG, je pense, fin juin. On laisse passer un petit peu le Summer of Game avec toutes les annonces. Bon, avant c'était l'E3, l'E3 n'existe plus, mais en gros maintenant c'est devenu encore le créneau de notre ami Geoff. Et ça commence aux alentours du 8-10 juin et ça terminera le 15-20. Donc je pense fin juin. Une fois que tout ça est passé, on fera notre assemblée générale et le but c'est qu'on vous prévienne 15 jours avant parce que c'est la loi et on vous mettra les sujets qui seront traités lors de la première AG. Et c'est là que vraiment l'asso sera lancé de plein pot. Donc n'hésitez pas à vous inscrire quand il y aura la date précise. Comme ça nous on sait qui assiste et on pourra déjà un petit peu orienter la discussion de l'AG. Promis ça ne durera pas plus de 2 heures, hein, on fera en sorte de boucler ça... sous 2 heures de temps, et il y aura une VOD mise en ligne pour les membres qui ne seront pas dispo pendant l'AG. Voilà. Et elle aura lieu sur Discord aussi, parce que les gens se posent la question, mais comment on fait une AG en ligne si on est aux quatre coins de la France? Et bien sur Discord, ça marche très bien, en audio, on peut être 500 dans un salon audio, ça marche. Et ben impec, on fait ça. Et je crois que là j'ai vraiment tout dit. Du coup, Gemu, mon cher, tu connais le mot de la fin. Ouais, le mot de la fin, c'est tu l'as deviné, mon pote, c'est... Attention, salaud maillot!